Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live des Moulins du Dev. On oh va bah écouter, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine incroyable. Et bien évidemment, pour commencer, merci Caterday, merci beaucoup. Alors, oui, c'est vrai, 31, c'est pas très beau, mais le mois prochain, 32, puissance de 2, tout va bien. <laughs> bonjour, bonjour, en tout cas, merci encore pour ce nouvel abonnement. 31 mois de fidélité pour Caterday, c'est incroyable, franchement. Qui lui dit, qui lui dit que euh, au début de la création de cette chaîne, euh, 31 mois plus tard, et même encore, parce que euh, en fait on arrive euh, bientôt à 36 mois, parce que j'ai commencé au mois de mars 2020, donc ouais, bientôt 36 mois euh, de durée de vie pour, euh, pour cette chaîne, c'est un truc de gueulin. <laughs> ah, en tout cas, bonjour Maître Yo, salut LGKTG, une encore plein un grand bonjour et encore un grand merci à 14 salut à Génor. Encore un mois avant de pouvoir optimiser les multiplications par bit shift. <laughs> ouais, ça va être à peu près ça. Euh... Quoi de neuf Quoi de neuf Quoi de neuf Eh bien, écoutez, ma foi, pas grande chose. Je dois bien lui dire que là, il y a pas grand chose de neuf par rapport à la dernière fois. Si ce n'est si que j'ai encore retravaillé un petit peu sur le code notre petite application. Alors, j'ai fait euh, différentes, euh, différents essais, etc. J'ai supprimé tous les essais que j'ai faits. J'ai juste gardé. Encore un petit refactoring au niveau du, du code, c'est surtout de la réorganisation dans les fichiers. La dernière fois, vous avez dit que j'avais commencé à regarder pour les modules en Rust, etc., et que j'arrivais pas forcément à faire ce que je voulais. Ça y est, j'ai compris le truc. Donc là, maintenant, j'ai réussi à organiser, réorganiser les choses comme je voulais. Euh, donc je vais vous montrer ça avant qu'on attaque directement. Juste aussi pour information. Nouveau câble, voilà, j'ai reçu le câble euh, de chez Amazon, euh, parce que vous savez que la semaine dernière, on avait connu quelques petits problèmes de contact avec, euh, avec le micro. Bon, ben là, normalement, je l'ai bougé, et pourtant, vous m'entendez encore. Voilà, donc, euh, ben on s'améliore, voilà. C'est de l'amélioration continue, on est sur la voie de l'ISO 9001, bon, je, ça n'a peut-être rien à voir avec l'amélioration continue de l'ISO 9001, je ne connais pas les ISO qui sont liés à ça. Et euh, Mais bref, voilà, donc on, on, on continue là-dessus. Et donc, eh bien, pendant que j'y suis, hop, je switch sur tac la partie desk. Voilà, voilà. Alors vous voyez que la partie main, maintenant, c'est vide. Nothing, nothing at all. Euh, c'est normal, en fait, aujourd'hui, l'application ne fait plus rien. Euh, J'ai créé donc un module core dans lequel, en fait, ben, en fait simplement, on fait appel à des d'autres parties du module Core, qui sont tous dans le dossier Core, maintenant. Et donc, voilà, donc j'ai tout décomposé en fichiers. Donc, il y a un fichier pour les HDU, un fichier pour les entêtes des HDU, un fichier pour les valeurs que peuvent avoir les entêtes des HDU, idem pour les data, les types de data, le file, les erreurs, et puis, le fix application qui supervise un petit peu tout ça. Voilà. Euh, salut, Yod Bonsoir à toi Donc, ce sera mieux découpé, mieux organisé. Alors, après, il y en a que ça choque d'avoir des fichiers qui font euh, 500 lignes. Je vois pas ce qui est choquant, avoir un fichier qui fait 500 lignes ou plus, à partir du moment où les éléments qui sont dans le fichier sont tous cohérents les uns par rapport aux autres, moi, ça ne me pose aucun problème. D'autant qu'aujourd'hui, on a quand même des environnements de développement qui permettent de réduire euh, toutes les méthodes qui sont dedans et de se retrouver comme avec un bon vieux .h. Et puis, bah, si vous n'aimez pas avoir des grands fichiers Rust comme ça, revenez au C ou au C++ avec des bons vieux .h et vous verrez, c'est incroyable au niveau de lisibilité. Qu'est-ce qu'on peut gagner C'est dingue <laughs> <laughs> Salut Cotard Oh, 14 qui a pensé à moi. Euh, ça fait une semaine et demie que je ne fous plus rien au taf. Ah bah ben, bravo. Euh... <laughs> euh, euh, des tonnes et des tonnes de documentation sur les lieux du monde. De... Oh Vu que mon groupe est en face de un peu open. D'accord, il me semblait que tu voulais parler dit Oui Oui, oui, exactement. Exactement. j'aimerais bien effectivement en parler avec toi, 14 euh, Je t'explique. En fait, j'ai un projet. Euh, J'aimerais animer un petit jeu à euh, l'IRM, donc euh, dans l'école d'inge où je suis, euh, qui mêle à la fois les enseignants et les euh, et les, les personnels, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans, dans ce jeu-là. Et en fait, l'idée c'est de faire, alors pas une meurdeur euh, comme on peut, enfin euh, comme j'ai pu le voir en fait les meurdeurs qui se font dans des villes ou des machins comme ça avec des gens qui ont des rôles particuliers. Non, je ne veux pas aller jusque là. Parce que, un, ce serait pas forcément simple, enfin, ce serait compliqué à mettre en place, et puis ça demanderait trop d'investissement aux personnes qui devraient jouer certains rôles, etc. Donc, ça, je préfère éviter. Euh, par contre, euh, ouais, je veux créer en fait vraiment un, une scène de crime. Avec, euh, avec un environnement, avec euh, des, euh, euh, des, 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 on va dire, des alibis, euh, des indices, des choses comme ça. Et donc, euh, donc voilà. Donc là, il y a un, y a un petit truc que j'aimerais mettre en place à l'ESRM. Je ne suis pas sûr que ça se fasse euh, pour cette année, parce que moi, je vois les 4 rails ils vont partir fin, fin mars en stage. Et clairement, dans les mois qui viennent, je doute vraiment d'avoir le temps d'organiser un truc comme ça. Mais par contre, en fait, j'aimerais bien organiser ça pour Noël euh, de l'année prochaine. Voilà, donc on va essayer de essayé de monter un truc. Et puis, bah, quoi de mieux que euh, de s'approcher des plus grands, n'est-ce pas euh, Pour essayer de, de pomper un petit peu de leur expérience, de leur savoir-faire, etc. Puisque je n'ai jamais euh, fait de jeu de rôle de ma vie, si ce n'est ma propre vie. Et donc, euh, donc, voilà, ça peut être intéressant d'avoir peut-être d'échanger sur ce genre de choses. Hein, euh, sur, si, si en tout cas, toi, ça t'intéresse, qu'attendais, et eh bien je serais ravi de, de pouvoir en discuter un petit peu. Euh, si tu veux respecter les conventions euh, de Rust, tu devrais mettre le fichier core RS dans le dossier core et le rename mode.rs. Euh, D'accord, maître Yo, je vais regarder ça. On va regarder. On va regarder. Soyons fous. Donc, ça veut dire que lui, il faut que je le mette là-dedans. D'accord. Que je le renomme mode. D'accord. Et du coup, bah, lui, bah, forcément, il sait pas qu'est-ce que c'est que. Ah, si, il sait quand même. Ok, et il arrive à faire le lien. D'accord. Bon, ok, cool. Non, bon, j'accepte. Euh, pourquoi pas Ça me va. Bon, comme ça, ça fait un truc. Parce que justement, je trouvais que ça crade le fait d'avoir un fichier plus le dossier. Bon, bah, ok, on peut faire comme ça, c'est très bien. Cool. Merci euh, pour l'info, euh, Maître Yo. Euh, salut Cool Freeze, bonsoir à toi, salut Einstein, hello Rustman. Alors, <laughs> vous inquiétez pas les gars, je vous prévois un, une vidéo ou un live spécial bilan Rust, hein, où je vous dirai tout ce que j'en pense. Euh, opérationnel pour te faire un PowerPoint de 47 slides. Waouh, 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 incroyable, 14 minutes. ce serait fou, ce serait fou. Ah, et puis ce qui serait bien, voilà c'est quand même con qu'on en discute un petit peu, tu vois, de vive voix et tout, ça pourrait être, ça pourrait être rigolo. Euh, ah, Ifit euh, e qui me dit que ah, c'est l'ancienne convention. Alors, du coup, c'est quoi la nouvelle convention, les gens, dans ce cas-là euh, Si le mode.rs, c'est l'ancienne convention, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous nous ah, dites attendez, parce que, du coup, je n'ai pas forcément... Sinon, tu retrouves avec des dizaines de fichiers mode. Ah, voilà Ça, c'est vrai que c'est chiant, du coup. Alors, est-ce que je mets simplement core.rs dans le dossier core et à partir de là, il se, il se, il se, il se sent bien Sinon, ce que je vais essayer de trouver, donc les traits génériques, les surcharges, les structures, caisses et modules, le concept de caisse, les modules, fichiers distincts pour les modules, page 182 de ma petite bible de Rust, hein, qui est quand même assez, assez sympathique, que je n'ai pas eu le temps encore de, <laughs> de pousser. Il y a un chapitre que je vais absolument lire, c'est tout ce qui est sur les ownership, etc. Les ownership, les, own... si, les ownership, c'est ça euh, Qu'est-ce que je vois, alors, je vois... Alors, alors pour le coup, eux, ils sont à l'ancienne à l'ancienne mode puisqu'ils ont mis un mode.rs dans le fichier. Et donc Qatar me dit tout ça. Ah, donc il faut que je mette fich... dans le dossier parent. Ça, je trouve ça très nul hein, d'avoir le corps.rs dans le fichier parent. C'est quand même très con. Et euh, qu'éventuellement, tu aies un fichier qui porte le même nom. Donc uh, corps.rs ici. Tu vois, ça, ça m'irait bien. Dans mon module corps, je retrouve effectivement module corps. Et puis, c'est un grand garçon qui est capable de le trouver. Par contre, c'est vrai que foutre ça dans le dossier parent, euh, bah, je trouve ça très con pour le coup. Puisque pourquoi tu vas foutre un fichier en dehors du dossier qui contient finalement ta bibliothèque, hein, ton package, etc., juste pour dire coucou, euh, c'est moi qui suis là Voilà. Salut PDP Maker, bonsoir à toi. Et merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. Et de deux, oh, ça fait super plaisir. Vraiment, c'est top. Merci, merci beaucoup. Salut Niliam. Euh... Salut Tsukato. C'est pour ça que je suis resté. Ah, donc en fait, vous, vous restez sur l'ancienne compte. Mais bon, c'est pas ouf non plus. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté. Euh... Après, comme tu dis, tu as plein de fichiers mode si tu es en train de travailler sur plusieurs trucs. Et puis c'est. Ah, Extremalien <laughs> Salut Frangin Merci, merci. Tiens. Eh bien, tiens, voilà, on va, on va en parler. Euh, maintenant, je fais un. Un petit aparté comme ça, grosse parenthèse et j'en profite pour saluer. Pyram euh, Quoi un programmeur qui utilise un livre, pas de copier-coller de sac 5... of... Eh non, et eh non, le bon vieux livre, ça honnêtement. Là. Ah, j'aime les livres. Ah. <laughs> le, mon frangin euh, m'a appelé tout à l'heure. Il a un petit souci avec un PC. Euh, en gros, il a du mal à faire tourner ses jeux vidéo. Euh, on a vu ça effectivement. Il tourne à 15 FPS. Et vraisemblablement, d'après le, le gestionnaire tâches, je ne suis pas expert sur ces aspects-là. C'est pour ça que j'en profite pour éventuellement vous demander à vous, la communauté des gamers et des geeks en, en, en personne. Euh, en plus, VS Code affiche aussi à côté de mode. Quand, euh, bon, je reviendrai après. Euh, C'est que donc surtout avec des jeux à 15 fps alors avec une machine il y a plusieurs trucs moi qui me semblent bon pas, pas forcément tip top sur cette bécane là premièrement c'est un processeur i3 euh, ensuite c'est une carte graphique donc euh, c'est une gt 10, 30 ou 1030, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Et en gros, en fait, quand on a regardé sur, le... sur le gestionnaire des tâches, le pros, ça va. Le pros, il doit être à 10%, un truc comme ça, il est tranquille, c'est normal, c'est de la 3D, c'est la carte graphique qui prend le relais. Et la carte graphique, par contre, elle est au taquet, de super taquet, c'est-à-dire qu'elle est à 99%, tout le temps. elle est collée en haut comme ça. Et donc, euh... donc 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 voilà c'est donc, pas fifou. Donc on a regardé éventuellement pour remplacer la carte graphique. Euh, le problème, c'est que bah, les cartes graphiques qui sont conseillées, notamment par un, un assembleur qu'il allait voir, c'est la GTX 3050 et le problème, bah, c'est que cette carte graphique-là, il lui faut une alimentation supplémentaire. Or, <laughs> bien évidemment, l'alimentation du PC euh, ne semble pas avoir de connectique dédiée à ce genre de choses. Bref, donc ça va être à mon avis un petit peu, euh, un petit peu coquinou. Ouais, driver, on a mis à jour le driver, on l'a fait justement aujourd'hui pour être sûr. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, c'est toujours assez. Mais ça me surprend quand même parce que le jeu en question. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Foundation, qui est un jeu de strat euh, où, en gros, tu, tu gères ta colonie, ton village, etc. Donc, euh, graphiquement, si tu veux, ça reste, euh, ça reste tranquille, quoi. Et vraiment, le fait de voir 15 FPS, tu dis, euh, c'est quand même grave chelou, quoi. Alors... Bon, c'est vrai que des fois, il y a des problèmes d'optimisation sur les jeux qui, sont en, qui sortent en, en accès anticipé et tout. Bon, sauf que là, le jeu, il a 4 ans, euh, qu'il l'a testé sur un autre système où ça tournait vachement bien sans aucun problème. Donc, je pense quand même qu'il y, y a vraiment un truc euh, au, au niveau de la carte graphique a priori. quoi. Ils te diront rien, ils font tous partie du Gamergate. Oh non, ne me dis pas ça, attendez, Oh Solution, upgrade le hardware. Euh, ah, je ne sais pas, du coup, euh, ancienne ou nouvelle, je ne sais pas. Rust est obscur. Euh, Rust est très obscur, on est d'accord. Hein. Il, il, alors, ouais, sur la. Ouais, bah voilà. Du coup, comme ça, il répond lui-même, effectivement, euh, sur, sur tous ces jeux. En fait, il est vraiment au train-train. En fait, il a du mal à atteindre les 30 FPS. Et puis, bah, ce qu'il voudrait, bah, c'est tourner à 60, quoi. Euh, tranquillou, quoi. Donc, moi, je me suis dit que bah, j'allais peut-être aller voir chez LDLC. Euh, s'il fallait remplacer la LIM et la carte graphique, ou s'il y avait d'autres choses à voir. Bon, certains d'entre vous me disent de upgrade le hardware, mais bon, ça, je pense qu'on a fait pour le coup. Euh, ouais, en cloud, ça marche. Alors, après, si tu veux, là, je ne saurais pas te dire PDP Maker. Euh, C'est du Windows 10, Maître Yo. Ah, ça y est, là, ils sont au taquet, là. Les GT et les i3, c'est un peu vieux, faudrait un petit upgrade. Ouais, ben c'est ça, mais si tu veux, le problème c'est est-ce que je peux euh, facilement mettre un i5 sur, un, sur une carte qui accueillait avant un i3 par exemple. Euh, et encore une fois, le pros il n'est pas du tout au taquet, hein. le pros il est tranquille, bilbi quoi. C'est vraiment la, la carte graphique à mon avis qui, qui en chie. Donc, euh, mais ce que je crains, c'est que passer sur une GTX après, est-ce qu'il faut l'allume qui suit derrière. Est-ce que tu as la possibilité de mettre une GTX sur le port PCI Express et malgré le fait qu'elle ait une connectique, ne pas l'alimenter Je ne sais pas. Et voilà, c'est ça. En général, tu as des problèmes de compatibilité. Ouais. Donc, euh, la CG3050 sera compatible... voilà, après, c'est la carte mère, c'est la, la, la question aussi. Moi, je pense qu'elle ne sera surtout pas compatible au niveau de l'IM. Salut Sagittarius, bonsoir à toi, bonsoir, bonjour à toi. Je, je suis perdu, je suis perdu, les jours, les bonsoirs. Euh, comment ça va mon petit Sagittarius euh, Si tu upgrades ta CG, derrière c'est ton proco qui va brider, ensuite va être la RAM dit... ah, etc, ah, etc. C'est ça. C'est pour ça que je fais plus de construction euh, d'assemblage de, de PC. Euh... Ça Nous casse les couilles, tout ça. Euh... <laughs> Bon, euh, du coup, du coup, du coup, du coup, on en était... Enfin, voilà. Donc, si, si jamais vous avez des éclairs, des fulgurances comme ça... Moi, ça me semble quand même vraiment bizarre qu'un jeu de ce type en chi avec une configuration... Euh, même si c'est un i3 et même si c'est une 1030, putain, il y a quand même une carte graphique à 2 gigas. Et puis... Euh... Ah non, non, non Si tu m'embêtes absolument pas, mon cher Frangin, ne t'inquiète pas. Euh, mais c'est juste que ça me, ça me rend dingue, si tu veux, que avec la puissance si veux, de, de, de ce que tu as, toi, aujourd'hui... Euh, normalement, on devrait être capable déjà de faire tourner des trucs de guedin quoi. Donc bon. Salut Aoshi. Après, peut-être que le jeu est codé en Rust aussi. <laughs> ah, hey Caterday, le jeu où je fais le live de conclusion sur Rust, je t'appelle et je te dis, euh, prends des pop-corn, on va parler, euh, on, on va, on va débunker le truc. <laughs> bon, 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 bon. En tout cas. Euh, plus, plus 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 sérieusement euh, la suite donc de tout ça euh, l'application que j'ai testé hein, elle fonctionne j'arrive bien à régénérer mes images etc donc là il y a beaucoup de jaune vous voyez dans les fichiers tout simplement parce que bah, c'est pas utilisé puisque à aucun moment on fait appel aux méthodes qui sont dedans ou aux éléments qui sont dedans donc tout est en jaune puisque moi bah, on main il n'y a plus rien euh, non mais sûrement du C++ mal codé <laughs> tout C++ ah, voilà voilà, ça y est la guerre est entrée <laughs> euh, vous avez coché la case effectuer une nouvelle installation euh, non ça, je, je, ça ne me dit rien euh, maître Yo tu penses que du coup il est passé outre certaines choses bon bah John tu sais ce qu'il te reste à faire euh, tu relances l'installation le, le, le driver est dans le, ton dossier téléchargement tu redouble cliques dessus et tu regardes si tu as une case effectuer une nouvelle installation Puis comme ça déjà ça pourra Peut-être apporter des trucs supplémentaires, je ne sais pas. Ça pourrait être pire du python. Ah mais ça, oui, c'est peut-être ça. Peut ça. Donc quand tu choisis un nom techno qui veut littéralement dire rouillé, faut pas s'attendre. Alors je, du coup, je me pose des questions parce que en fait, je vois que le, le logo de Rust euh, sur à plein d'endroits, en fait, c'est pas le R, mais c'est un crabe. Alors est-ce que euh, ça a un rapport avec un type de crabe, avec euh, la, la rouille qui est une. De, c'est Une soupe de crabe, je ne sais pas, et, euh, et en fait, quand non, mais voilà, c'est exactement ce que m'a dit ma femme quand j'ai reçu le bouquin, elle m'a fait Oh putain ton langage, c'est le cancer. <laughs> et, et du coup, euh, du coup, du coup, du coup, voilà, <laughs> il s'appelle Ferry, d'accord, c'est Ferry Rust, euh, Rust Ferry, euh, oui, d'accord, mais euh, c'est Ferris. Mais bon, je vous avoue, j'ai pas regardé pourquoi le s'appelait le rust. Mais par contre, je me demande, c'est quoi le recette de la rouille On va, on va regarder. Recette aux rouilles. Est-ce que c'est ah non, c'est du poisson. La rouille, une sauce au caractère bien relevé. Et qu'est-ce que c'est donc que c'est qu'on met là-dedans dans la rouille Les ingrédients, des gousses du paprika, du safrican. en fait, il y a pas de poisson du tout. Ah Non, donc euh, en fait, non, c'est juste pour accompagner les poissons, mais, euh, mais c'est tout. Mais d'accord, bon, bon, voilà. Donc, non, ça ne vient pas de là non plus. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Et euh, on a Férousse. Férousse. Pourquoi tu m'envoies la, la, la truc de et que Quel rapport avec le crabe <laughs> C'est un tourteau, l'image. Moi, avec de la mayonnaise, merci. <laughs> bon, allez, du coup, euh, je, vais, euh, je vais continuer ça. Donc, oui, l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, en fait, j'ai décidé d'arrêter avec Druid. C'est dire la décision qu'on avait plus ou moins prise la dernière fois. Et euh, une décision que j'ai que appuyée pendant le week-end qui a suivi, puisque j'ai regardé un petit peu comment fonctionnait GUI, euh, que nous avait conseillé Anaco. Et. Euh, honnêtement, c'est pas forcément mieux documenté, mais c'est beaucoup plus intuitif en termes de fonctionnement. c'est beaucoup plus clair. il n'y a pas de magie. il n'y a pas de trucs qui apparaissent ou disparaissent comme ça d'un coup, d'un seul. tu ne sais pas d'où ça vient? non. c'est assez clair au niveau du fonctionnement. ça permet de faire beaucoup de choses, vraisemblablement tout ce dont on a besoin. j'ai même réussi à faire un pseudo treview euh, et très facilement. Donc, euh, donc du coup, on va partir là-dessus. Alors je l'ai déjà installé dans, le, dans les packages. Donc en fait, il y a deux packages qu'il faut. Euh, C'est EGUI et puis iframe e euh, qui sont utilisés pour, pour générer les fenêtres notamment. Donc on va avoir besoin de ça. Très clairement, j'ai fait ça le week-end dernier. Donc forcément maintenant, je ne me souviens absolument plus de comment j'ai fait. Surtout que j'ai dit, allez, je prends tous les fichiers que j'ai fait la dernière fois et je supprime tout. Là. Donc, euh, donc on repart de zéro, on va regarder ça ensemble. Et vous allez voir, normalement, ça devrait être, euh, ça devrait être plutôt cool. Donc le langage Rust tire son nom d'une variété de champignons appelée rouille en anglais en référence à sa couleur rouge orangée. Donc en gros les mecs, ils prennent un langage qu'ils appellent rouille, en référence à un champignon, et ils utilisent un putain de crabe comme logo. Tout s'explique. Absolument tout. <laughs> Les mecs sont aussi tarés que leur putain de langage. Donc, euh, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est assez clair en fait. Sûrement des universitaires. <laughs> on est d'accord, ça, ça se tient aussi comme argument, Cotard. <laughs> oh là là. Bon, alors, euh, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais ouvrir la doc en à côté, parce qu'on va avoir sacrément besoin de la doc donc EGUI euh... euh, si ouais, je on va aller là-dessus on va on va prendre deux choses effectivement on va prendre ça et puis on va quand même prendre le, le GitHub parce qu'il y a le dossier example qui va nous permettre donc de voir certaines choses et de, de mieux comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses donc notamment avec le Hello World euh, Hello World qui en met beaucoup mais on va pas en mettre autant mais en fait vous allez voir c'est relativement simple. Il y a des concepts qui sont partagés avec Druid, des choses qu'on avait fait avec Druid qu'on va refaire ici. Notamment, il faut une structure qui représente l'état de l'application qui va être transmis à l'interface graphique de manière à savoir bah voilà, quelles sont les données qui sont utilisées, etc. Euh, EGUI fonctionne sur un, un principe qui, moi, me semble un peu bizarre et. et peut-être contre-intuitif, mais bon voilà, c'est comme ça qu'ils le font, dire qu'ils génèrent, euh, ils régénèrent l'interface graphique euh, très souvent. Alors, en, toutes les temps de millisecondes, euh, voilà, et pour... Alors je sais plus combien ils font de, de rafraîchissements par seconde, mais bref, autant qu'ils le peuvent, on va dire et donc qui refont et euh, régénèrent euh, l'interface graphique. Et donc si les données changent dans cette structure, eh bien, automatiquement, elles sont répercutées là-dessus. Donc ce n'est pas sur un système de, tiens, euh, quand il y a modification, il y a réactualisation de l'interface graphique, c'est vraiment en permanence, on redessine euh, continuellement l'interface graphique. Donc bon, on verra ce que ça donne en termes de performance. Vous n'aurez pas l'air d'être euh, choqué par ça. Euh, bon, moi, je, je, bon, pourquoi pas. Um, usually refers to REST users, REST-Tassin. With crustacin. D'accord. Les, les, les Oui, bon, bah, j'ai pas vraiment envie d'être un, un crustacin, moi. Euh, c'est me dire le logo du navigateur Firefox est en fait un panda Alors, ça, le coup du panda roux, c'est une blague ou c'est juste des gens qui ont dit non, mais ça ressemble pas à un, à un renard, c'est un panda Ou alors, ils. Parce qu'on est d'accord quand même que Firefox vient dire renard de feu. De base, ça veut pas dire pandarou. Donc, vraiment, je pense que ces modes-IA, ils sont cons. Je pense Il y a juste ça, quoi. Je, je vois que, que ce truc-là. Ce n'est pas le crabe. Le crabe est la mascotte. Et c'est un crabe, car les devs s'appellent aussi. D'accord. Enfin, on a pris quelques recherches. Ok, ok. Non, c'est vraiment un pandarou. Ça veut dire bandarou. Ah bon alors dans ce cas là autant pour moi alors ah, attendez bon firefox ça veut dire firefox ouais mais en, en français vers anglais et l'inverse d'accord firefox renard de feu hein. bon alors ah, peut-être que Red panda c'est peut-être pas le, le bon terme je sais pas mais euh Voyons voir comment euh, le Pandaru ils appellent ça sur Wikipédia. C'est un Red Panda, allez tous vous faire un. Hein voilà. C'est pas un Firefox, bande de blaireaux. <laughs> hein Pandaru en anglais, c'est pas du tout Firefox. Non mais alors C'est bien un renard de feu, Firefox. Non mais alors Pandaru, mon cul, oui. Ah. Bon, ceci étant. <laughs> <laughs> Revenons à des choses plus calmes et plus sereines. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce petit code On nous dit que. Bon, en fait, vous avez envie de me faire rager depuis que j'ai attaqué Rust, c'est incroyable. Vous vous sentez que je suis quand même un peu sur le vif déjà, etc. C'est par rapport aux chinois. Mmh. Non, attendez, l'ambiance est rusticienne. <laughs> c'est pas pareil. C'est par rapport aux chinois. Non, mais après, s'il faut passer par 47 langues pour comprendre l'étymologie d'un mot anglais, là, on s'en sort plus. Hein. Euh, donc, il va nous falloir un use iframe e de g point de point GUI. OK, on accepte. Ensuite, dans notre main, on va avoir des options, donc les options de l'application qu'on va vouloir initialiser. Euh, on va avoir l'objet iframe e qu'on va vouloir créer. À cet objet iframe, e donc en fait, on fournit le titre de l'application. On fournit des options qu'on a initialisées précédemment, notamment avec la taille de la, de la fenêtre. Euh, et ensuite, on a un box new. Alors le box new, je crois que c'est pour faire, euh, euh, ça implémente un truc. Alors, je, je vais dire une connerie, mais c'est pas une espèce de pseudo allocation dynamique ou un truc comme ça. Le box new, tu fais pas, alloues pas quelque chose en mémoire, et puis tu y stockes quelque chose. Il n'y a pas un truc dans ce goût-là. Et, euh, et donc là, en fait, on va mettre la valeur par défaut de notre structure qui représente l'état. De notre application, enfin de l'état de, de notre code métier. Voilà, exact, exactement, ça va être ça. Ou la attention avec les mots compliqués. Si unique PTR en gros. Ah ah ah, c'est bon, j'ai quand même compris des trucs. Merci, cotard. Euh, voilà, voilà. Donc là, on a ça. Ensuite, donc, on a notre structure à nous euh, qui existe déjà, qui est notre structure application en fait. Il faut qu'elle implémente une default, donc en initialisant bah, les valeurs par défaut de, du système. Donc, nous, ça en fait, normalement, on l'a déjà dans FITS Application. Donc, on a le FITS Application qui contient un vecteur de files, de FITS file, puisque moi, l'objectif, c'est qu'on puisse charger plusieurs fichiers FITS au sein de la même application. Et puis, donc, euh, on a ici donc, le défaut qui initialise simplement le vecteur avec une, une valeur nulle. Donc, ça, on l'a déjà. Ensuite, il faut également que notre, euh, notre structure implémente euh, le iframe e 2.2.app. Et donc pour ça, il faut qu'elle implémente la méthode update qui prend le contexte euh, de l'interface graphique. Et puis la frame. Alors je ne sais pas si dans le iframe e 2.2.frame, ça représente l'image qui est en train d'être de dessinée ou est-ce que ça représente la fenêtre. Ce côté frame, je ne sais pas trop forcément à quoi est-ce qu'on va faire référence. Et donc, euh, par défaut, eux, ils créent un panneau central. Et donc, dans lequel, donc quand, euh, quand il va s'afficher, en fait, on a ce bout de méthode-là qui va être exécuté. Mais en gros, le update, ça représente ce qui va être exécuté à chaque fois qu'on va redessiner la fenêtre. Donc c'est là qu'on va vérifier, par exemple, est-ce qu'un un bouton est cliqué ou pas euh, Donc c'est là qu'on va faire tous ces tous ces contrôles d'événements. Ce qui est pas mal, bah, c'est que là-dedans, finalement, on peut appeler d'autres méthodes. Hein. On n'est pas obligé de tout coder là-dedans. On, on peut splitter le code et puis l'organiser proprement. Donc ça, c'est plutôt bien. Et nous, ce qu'on va faire, de façon, de manière générale, c'est que tout ce qui concerne eg on va le mettre dans, une, dans un dossier à part dans un module EGUI et on va, euh, on va utiliser ça comme ça pour avoir quelque chose d'assez propre donc en fait sur la structure c'est pas trop compliqué oui, on fais un UI donc mon interface graphique pour, un heading pour créer un titre pour un .horizontal pour créer un bloc, un panel une div quelque part où les éléments sont les uns à côté des autres euh, de manière horizontale euh, si je ne dis pas de bêtises euh, là on voit qu'on crée un label, ensuite là on un texte edit single line euh, avec un label semblant, qui va être associé c'est bien labeled by ah oui c'est ça donc on associe le label qu'on avait créé précédemment on lui donne son id ici les ids sont générés automatiquement c'est pas à nous de, les, de gérer les, les ids des, des composants euh, on peut ajouter des sliders etc etc et donc ce que nous avait montré également euh, Anaco la dernière fois c'est que eGUI il y a une démo en ligne qui existe qui permet de voir un petit peu tous les euh, tous les composants qui existent. Bon, je crois que du coup, du coup je vais passer directement par là euh, puisqu'on a là pour Run the Web démo. Et voilà donc là on a quelques quelques descriptifs voilà de, de en termes de composition d'interface qu'on peut faire, il y a énormément d'exemples, il y a des exemples avec voilà des, des courbes de Bézier peut, avec lesquelles on peut interagir en direct, euh, il y a des choses donc, avec des sliders, il y a des choses avec des tableaux, avec les, les Windows option il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a le code exemple aussi pour avoir un, un élément avec du texte, euh, de la coloration syntaxique, euh, des, euh, des scroll bars voilà, qui, vont être, euh, qui vont être ici, le fait de pouvoir cliquer, euh, de pouvoir changer le thème sur... Euh, alors en fonction, alors là, on va pouvoir changer le, la façon dont les mots-clés vont, euh, vont être vus, on peut changer le thème pour revenir sur du dark, etc. Donc il y a vraiment tout plein, tout plein, tout plein de choses qui peuvent être faites. Est-ce que tout devra être fait enfin, Est-ce que tout est déjà prêt Il y a sûrement des choses qu'il faudra adapter. Euh, on a des choses, vous voyez ici, là, comme le source code. Donc je clique, tac, et puis j'ai directement le code source de cet exemple-là euh, qui est affiché. Alors, ce n'est pas, pas le cas dans toutes les fenêtres, mais certaines fenêtres le proposent. Donc pareil, ça donne des idées. Donc voilà, c'est. Ça reste pas, je trouve, super bien documenté, mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus intuitif et beaucoup plus précis au niveau de la documentation que de l'aide druide à mon sens. Euh, interface Windows 3.11. Oh t'es chier parce qu'en Windows 3.11 je peux te dire que moi j'en ai, ai. travaillé sur Windows 3.11 et c'était quand même un poil moins sexy que ça. Non, ça ressemble beaucoup à du Linux en fait quand tu regardes bien. Bon, en même temps est-ce que Linux a une interface qui a beaucoup évolué par rapport à Windows 3.11 Je sais pas, pas beaucoup peut-être. Mais, euh, mais voilà non c'est pas c'est pas dégueulasse. De toute façon nous par rapport à ce qu'on veut faire ce sera ce sera très bien et tout à fait euh, tout à fait suffisant. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, euh... <laughs> vous lancez des trolls, les gars, je suis. Hein. <laughs> donc, ici, on va se créer un nouveau dossier, un petit dossier, donc EGUI. Voilà, je pourrais même mettre GUI tout court, mais on va mettre EGUI. On va du coup se créer un petit fichier, hop, EGUI.rs. Voilà. Et euh, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est préparer bah, justement la base qui est nécessaire pour notre interface graphique, c'est-à-dire l'implémentation de la méthode update pour notre structure. Euh, et puis on va se faire un truc, une petite fonction run euh, qui va nous donner directement tout ça, donc qui va permettre d'initialiser la taille de la fenêtre et puis de démarrer en fait l'application tout simplement. Donc pour ceci, dans EG8, bah justement on va se faire une fonction, donc je vais la mettre en pub run euh, bon je vais run tout simplement. Hop, comme ceci. Ensuite, on va faire donc là dedans exactement ce qui est fait ici. Hein. Je vais faire la méthode physique hein, de la dernière fois. <laughs> pour vu copier-coller. Donc on va quand même regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Donc déjà, on crée une option donc, à partir de Native Options avec Initial Window Size, donc qui permet de définir la taille initiale de la fenêtre. Donc on voit qu'on a un somme G8 où on va donner deux coordonnées. Euh, ce que je n'ai pas regardé, c'est est-ce qu'on a la possibilité de euh, comment d'avoir un truc plein écran directement. Donc ça, j'ai pas encore regardé, il faudra qu'on voit. Ce que je ne sais pas, par contre, c'est qu'est-ce que c'est que ces points-points Qu'est-ce que c'est que ces monsieur Qu'est-ce que ça veut dire point, point hmm Ah, alors là, voilà, je déteste déjà la nouvelle convention des modules. <laughs> non, mais je suis, suis d'accord que la, la convention est lâchée. Moi, je, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un core.rs dans le dossier corps ça, ça me semblerait vachement intelligent et vachement malin, alors que là, c'est en fait c'est très con quoi. C'est, je vois pas. Je, là, je vraiment je vois pas l'intérêt. Mais bon. Euh, du coup, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le point point J'aurais tendance... Non, je ne sais même pas. C'est default. Du, du, je sais pas. Donc voilà, si quelqu'un sait, je, je suis preneur. Et donc, ensuite, donc on va créer notre. Enfin on va démarrer notre application via dans e Frame en lui fournissant le titre de notre application. Donc, nous, bah ça nous va être JWST euh, betterview. View. Voilà. <laughs> Un petit peu quand même. Hein. Euh, ça, ça veut dire le, re, le reste avec l'implémentation par défaut. Ah oui, d'accord. Du destructurim comme en JS. Dans ce cas-là, ça va remplir le reste des options avec les valeurs par défaut. OK. Donc, en gros, tu dis. Euh, le native option hérite de default, enfin, hérite entre guillemets quoi. Il implémente le trait default. Donc nous on a indiqué une valeur spécifique, enfin on a donné une valeur à un attribut spécifique et tout le reste lui dit tu pars sur euh, l'implémentation de default. Donc en gros on pourrait dire qu'il exécute déjà ça. Et ensuite, il met à jour le initial window size quelque part. Ce serait un petit peu, un petit peu l'idée. Ok, ça marche. Je. Merci pour, pour l'information. Euh, donc là, on lui donne les options qu'on veut pour notre fenêtre. Et ensuite, comme je disais, donc là, on va avoir le euh, l'état de notre application. Donc nous, c'est pas my app, mais ce sera ce qu'on disait tout à l'heure le fits application. Donc là ici, je lui donne un fits application comme ceci. Et bien évidemment, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce que c'est que cette chose-là, il va falloir que nous, on lui dise qu'il y a un module. Alors, je ne sais plus s'il faut que je fasse un use. Excusez-moi pour le retoto. Oh, il faut juste que je fasse un mode. Donc là, je parle de create. Donc en gros, je reviens à la racine, on va dire, de notre application. Ensuite, je lui dis, tu vas aller regarder dans Core. Et dans Core, tu as Fits Application. Et dans « fits Application », tu as « fit Application voilà. ». normalement, en faisant ça, euh, je dois être bien. Alors là, il me fout du rouge, mais sûrement parce que pour le moment, on n'est pas lié au « Main ». Et donc là, moi, je lui mets un mode « EGUI ». Donc là, il est content. Dans « GUI », il n'est pas content. Alors, il n'est pas content parce que… Parce que… Parce que… Parce que… Parce que… Il attend quoi ?« Expected a Name ». Euh, ah euh, non Pourtant c'est bien ça Oui dis donc Oui du bateau Où est-ce que je l'ai fait Il y a le use super Je suis sûr que j'ai fait un endroit euh, peut-être dans fits file euh, fait... Ah j'avais fait use Pardon c'est pas mode c'est use Il dit des bêtises le garçon Use Voilà et là d'un seul coup Il est presque complètement content Alors, Je dis bien presque Forcément, il n'est pas content parce que FITS Application, ça n'implémente pas euh, le trait avec la méthode update. Donc, du coup, il ne va pas être content, je pense. Consider Semicolon Apps is not satisfied required from the cast FITS Application of the Object in App. Voilà. Donc, ça, c'est juste ce souci-là. Donc, ça, pas de problème, on va, lui, on va lui corriger. Et donc, dans le EGUI, on va faire un nouveau fichier ouf, que je vais appeler FITS Application EGUI rs et donc là on va faire un implémentation iframe e 2.2.app euh, je sais plus si c'est tout à chaque fois les implémentations je m'en souviens plus c'est fort pardon for, on va y arriver euh, fit application voilà et donc c'est plutôt dans ce truc là on va mettre le use create up euh, là. On va mettre ça plutôt ici. Et donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt... Hop, euh, je ne sais pas si je peux faire directement super ici. Ah, c'est peut-être pas foufou. EGUI. Et euh, non, pas EGUI. Non, non, ça, ça ira pas. Donc, je vais peut-être faire plutôt create, 2.2. Points, points, G8, 2.2. Points, points. Oh, il veut pas, c'est pas grave. Fits application, G8, 2.2. Fits application. Alors, je crois qu'en même temps, je crois que je suis. Je fais peut-être une connerie là. Non, je crois que j'ai fait une bêtise. Euh, je crois qu'il faut que je reste comme ça. On va voir. On va voir ce qu'il dit. Là, il est toujours pas content. C'est normal, j'ai pas mis. Le fun, alors il faut que je le mette en pub en plus. Euh, pub fun, euh, quoi que non, je crois qu'il n'y a pas besoin pour ça. Parce que c'est une redéfinition, donc update. Là, on va faire un copier-coller, hein, parce que de toute façon, il euh, n'y a pas de raison. Donc, hop, je prends ça. Bim, bam, boum, et yolo, et ça, je ferme. On enregistre tout alors. EG8 il est toujours pas content. Notre app, alors il n'est pas content, il n'est pas content, il n'est pas content. Est-ce que c'est parce que c'est celui-là qu'il faudrait que je lui donne Je ne sais plus. Euh, dans les native options, tu peux mettre full screen. true. Oh, ok, cool. Merci, euh, maître Yo. C'est cool quand même quand on a les gens qui font les recherches pour vous. Hein. Euh, je vais quand même tenter ici de mettre mon EGUI, mon fit application euh, EGUI. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça Non, là il n'est pas content non plus. Là il n'est pas content parce que Unresolved Import fit application EGUI. Euh, ou alors, bah ben non, c'est bizarre. Là, moi, dans mon corps, je, ah non, dans mon corps, je fais du pub. Ou alors, c'est parce qu'il faudrait que je fasse un pub mode fits application GUI. <coughs> Donc ça, ok. Et ensuite, est-ce qu'il faut que je fasse un use super fits et Je pense pas. fit hein. application. Et je suis à nouveau perdu avec les, les modules. Moi, je suis pas convaincu qu f... que là, je pense, que je suis pas dans le vrai. Hein. Ce serait quand même assez logique que ce soit plutôt celui-là. Mais là, il va me faire chier parce qu'il n'est pas content. Euh, T'as oublié un mode. Alors, je me suis gardé une anti-sèche quand même. Au casouille. <laughs> Ah mais j'ai pas gardé la bonne anti sèche en fait, je suis en train de m'aperçoivre, j'avais tout fait en main hein, j'avais fait mon test. Euh... Mis du chaud, un ça pour machin. Euh... Salut Anako, ça va bien et toi euh, C'est Aléo À 31 aussi Merci beaucoup Quelques secondes comme il est l'heure d'aller manger. Ça marche. Et bah ben, bon appétit, ma chère Aléo. Merci encore infiniment pour ton abonnement. Ça fait super plaisir comme 14 euh, caterday voilà vous en êtes à 31 le mois prochain une puissance de 2 <laughs> le pack 6 mois mais non comment ça oh, allez-vous qu'est-ce que c'est que cette histoire un pack de 6 oh merci beaucoup allez c'est super gentil c'est adorable ah, Fitz application est public bonne question oui fits application est public l'implémentation d'un default for fits de chance et les m2 euh, prévu d'arrêter de stream. » non non en fait tu sais c'est Aléo qui me fait justement qui me fait durer dans le temps parce qu'à chaque fois elle me dit ah j'ai repris pour six mois et moi je me dis ah bah moi aussi <laughs> j'en ai repris pour six mois parce que faut que je tienne voilà c'est ça elle me force à streamer quand je sais qu'il y a des gens qui ont des abonnements comme ça je me dis ah quand même il faut que faut que je tienne le coup quoi les gens ils ont pris les abonnements et tout je peux pas m'arrêter quoi faut que je continue <laughs> tu sais que c'est une vraie motivation en plus. Hein. C'est pas, c'est pas que du flanc pour le coup. C'est pas qu'une blague Après, ça te met pas. La... Attends, hop, je remonte un petit peu la la cam. Euh, Ou oh, peut-être un peu drôle. là. Hein. C'est pas une pression à avoir. Hein. Mais, mais non, mais c'est vrai que ça me semble normal. Si tu veux, les gens prennent un abonnement et tout, bah, fournir le service qui va avec quoi. C'est le minimum. C'est le minimum. Euh, salut tyran bonsoir à toi. Euh, bon, tout ça pour nous dire que il euh, y a une merdouille. Il y a une merdouille qui doit être pas être bien méchant mais ça fait quand même un petit peu chier. Misc uh, unit type parenthèse parenthèse result. Ah attends 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 attends. Est-ce que ce serait pas autre chose Cliquons. On nous dit que ah ça y est. j'ai. C'est à cause du run en fait. Pouf, 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 je dis n'importe quoi. Ici parce que j'ai pas mis de point-virgule, c'est pour ça. Voilà Mais bien sûr, alors alors bon, ça après techniquement, c'est quand même censé renvoyer, hein, on est d'accord, un hein, résulte, euh, je dirais, comme ça, et puis std de point io de point error. Si je lui dis ça, content, pas content. Bah, pas content, logique. Et si je lui dis ça, content, pas content. Pas content, logique. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut, Loulou alors, expected result std error. Et donc moi, j'ai un iframe e error. Donc pas iframe e de point de erreur et là yolo impeccable bon et comme moi je suis un gros con qui aime pas faire ce genre de choses pim voilà et alors <laughs> qu'est-ce que tu vas faire <laughs> euh, bah non, non, non surtout pas surtout pas de ok à la fin tu retournes ce que te renvoie run native que c'est lui en fait qui va faire sa boucle etc puis qui va te dire si tout, tout est bien fini ou pas euh, du coup là moi, j'aurais tendance à faire un, euh, un appel à run. Alors, techniquement, je dirais même EGUI 2.2.run. Lui, effectivement, il nous retourne un truc. Et puis, euh, là, pour le coup, je serais assez d'accord. C'est moche. Mais bon, pourquoi pas. OK. Mais quoi que. Non. Euh, oui, hein, c'est parenthèse, parenthèse. Mais comme mon main ne retourne rien, c'est ça. Cautia specific the generic argument. Ouais, eh, tu sais quoi? Hop là, ça te va comme ça, gros? Wesh, bien ou bien? That must be used. Bon, d'accord. Si je te mets ça, pas content. Parce que, parce que. Parce que. Parce que. Opérateur, can you in a function that return result or option? Bah, ça retourne, result ou option. Ah, ou alors in a function that result A return on a vu, ça doit être ça. Ouais, bah, et tu sais quoi, hein Pss, voilà. Bon, juste ça. Est-ce que quand je fais ça, déjà un, est-ce que ça démarre Deux, est-ce que j'ai une fenêtre Oui, on a une fenêtre, elle est toute noire, c'est incroyable. Bon, on a fait une fenêtre toute noire, mais il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc qui est pas clair, c'est que bah, ben, on n'a rien qui s'affiche. Alors, c'est pas clair. Si, c'est clair. C'est parce que si je regarde bien ici dans ma méthode. Dans, mon, dans ma méthode update, je ne fais rien. Donc, bah, <laughs> si je fais rien, euh, bah, je fais rien. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, on va pouvoir créer notre, euh, notre interface et mettre des choses dedans. Fais un match. Si c'est une erreur, tu fais un std process exit 1. D'accord. C'est bien parce que c'est vous. Donc, je fais un match. Tac. Euh, hop hop et donc là alors par contre c'est quoi faut que je fasse un error underscore hop tac et tu me dis tu fais un std de point de point process de point de point exit 1 hum. voilà euh, non ça on n'a pas le droit et puis euh, ok 8 Haha Perdu. Tu veux pas de non Moi, je bien, none, pourtant. Non Tu veux que je te mette, moi. Euh, non, toujours pas. Alors, quest type of the type parameter... Mais en même temps, euh, ou alors, ou alors, ou alors je fais un if, let, r, underscore, est égal à ej 8 run et la bim truc de guedin. yolo et voilà et bim c'est comme ça que ça marche <laughs> voilà vous voyez j'ai appris j'ai appris grâce aux exemples de Hanako. Hein, merci encore anna pour pour pour, pour ça euh Bon, alors, du coup, maintenant, mon petit truc ici, est-ce que ce serait pas un CTX qu'il lui faut Non, c'est un EGUI. Donc, on lui fait un EGUI 8 Deux points de points. Control, c'est pas Control Panel que j'ai vu. Non, c'était Central. Central Panel. Deux points de point Et ensuite, il met quoi lui Il met un default. Point show. Et alors là, on a, dans un premier temps, le contexte, donc CTX. Et ensuite, on a une méthode, enfin une lambda, une callback, on va dire plutôt, euh, donc qui prend UI et qui là va s'occuper normalement de dessiner un petit peu tout ce qu'on veut dessiner. Il n'y a pas de bêtises, non, c'est bien ça. Et donc là, bah, nous, par exemple, si on veut reprendre, un, si on veut reprendre le, le cas qui est fourni ici, donc ce qu'on peut faire, c'est faire un heading et mettre euh, Hello World, voilà, comme on aime bien faire. Bim, on met juste ça et c'est tout. Et donc là, si je relance ma petite application, fouit, fouit, comme ceci. Donc l'application est là et on a bien notre Hello World qui apparaît juste ici. Donc c'est cool, on arrive à mettre des textes. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, maintenant, nous on veut pas un Hello World, on n'a rien à foutre, on veut un bouton. Donc je pense qu'on a des buttons. On pouvoir faire un truc ici. Ajouter un fichier. Cool. Donc maintenant j'ai ça. Et ce que je peux avoir aussi, c'est lui dire voilà, si t'es cliqué. Et donc techniquement, alors peut-être je, vais peut le, je vais le gérer un peu différemment. Ici, je vais mettre ça dans mon bouton. Je vais l'appeler, euh, je vais faire un, un let euh, btn add file est égal à ça. Et ensuite, nous on va faire un btn add file plutôt plus exactement if j'aime pas ça hop bt -net file point alors pour le moment on va juste faire un println euh, clic voilà on se fait juste ça on lance notre petite application et on regarde si ça ça fonctionne donc hop je run hop je clique sur mon bouton j'ai bien mes petits clics qui apparaissent dans la console donc à ce niveau là c'est cool on est capable d'appuyer sur un bouton euh, non mais ne rien faire sur le rust je trouve ça mieux j'ai les vents j'ai les vents oh, attends. non mais ne rien faire sur le rust je trouve ça mieux qu'est ce que euh, je, je ne comprends pas ta, ta phrase anako j'aime les vents je, 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 euh... Ah, ne rien faire sur le run, je trouve ça mieux. D'accord. Ok. Alors, ok. Euh... Qu'est-ce que entends ne rien faire sur le run C'est-à-dire que tu ferais juste un EJ8 run et puis basta c'est tout. Tu fais, tu fais même pas de test. En même temps, c'est vrai que c'est un peu con puisque de toute façon on va en avoir une d'erreur. Donc. Euh... Elle préfère des paniques au lieu d'un exit. Ah oui, voilà. Bon, tu me diras, quand on est à ce niveau-là, tu fasses un panique ou un exit, à pas se passer grand-chose de plus, si ce n'est que, bah, justement, là, éventuellement, tu peux préciser en fonction de l'erreur un code, un code particulier. Ok, donc là, on a notre bouton. Maintenant, moi, forcément, ce dont j'ai envie, c'est que quand on appuie sur notre bouton, ça nous ouvre un... Vous voyez quoi Le. Oui, exactement. Tout à fait. Ça nous ouvre un, un explorateur de fichiers. Ouais, je vais y arriver. Alors là, c'est pareil. J'ai installé un truc. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. C'est le RFD pour... Euh, je crois que c'est File Dialog. Et le R, je ne sais plus. Euh, on va aller chercher. Donc, Alors, c'est directement EGUI hein, qui disent de passer par là. Donc, euh, Rust RFD. Il me semble que c'est... Voilà, Rusty File Dialogs, voilà, qui, qui s'occupe, qui va en fait gérer tout ça merveilleusement bien. Quand on regarde, on a un exemple là-dessus. Euh, si je reviens donc, dans les exemples, voilà, on a le file le dialogue qui est ici et euh, dans le main. Euh, donc on a voilà, donc on fait un RFD File dialogue New Pick File, euh, donc avec un let Sum, etc. Et puis donc ça c'est sur le open file justement euh, self picket pass donc ça en gros on affiche notre notre petite on crée une fenêtre on l'affiche pour obtenir un fichier et si en retour ça nous fournit bien un chemin alors on récupère le chemin on l'affiche etc etc donc nous bah effectivement c'est un petit peu ce truc là qu'on va faire hein. donc euh, hop on est parti je reviens là euh, donc nous plutôt que d'afficher un clic on va faire Uh, RDF 2.2. points euh, je sais plus, là j'ai oublié. C'est pas RDF si file dialogue. Hop, donc file dialogue. Deux points new. Deux points et ensuite je crois que c'est pas deux points après c'est un simple point. Hein voilà, c'est logique. Euh, pick file un truc comme ça normalement il devrait pas être content parce qu'il sait pas ce que c'est que file dialogue et pour ça est ce qu'il nous propose d'apporter file dialogue ou, ou peut-être tout simplement de faire un non, je sais plus là si c'est s'il faut que je fasse use rdf 2.2. file dialogue et du coup je pourrais même enlever le rdf euh, non alors use rdf il est pas content parce que je pense que j'ai pas fait avant le mode RDF non plus. C'est pas ça. Alors... Euh, merde, je l'ai comment lui. Ah, c'est pas RDF, c'est RFD, c'est pour ça. Et je suis jaune boulette. Voilà. Et donc là, normalement, sous nos yeux Bobby, est-ce qu'on n'aurait pas un, un explorateur de fichiers qui, qui apparaîtrait Salut, Silence des Agneaux, as-tu l'occasion d'y. De... Non, pas encore. Pas encore, c'est ce que je vais tester après. Voilà, donc on voit qu'on a bien notre petite fenêtre qui apparaît. Alors, ce qui est rigolo, c'est que comme euh, c'était le cas avec Druid, on a toute une série d'erreurs euh, qui s'affichent à chaque fois qu'on fait un. Euh chaque fois qu'on ouvre un explorateur de fichiers, et donc vraisemblablement, il y a un système configuration qui n'est pas, pas en place. Euh, Log for net error exception while reading configuration settings. Euh, check your .config file is well formatted for XML. Donc, je pense que là, il y a un fichier qui s'attend à trouver qu'ils ne trouve pas. Et, et voilà. Donc bon, on, on verra si on vient de, de résoudre ce problème là un peu plus tard. Donc là, on récupère ça, et donc la méthode pickFile est censée nous renvoyer soit, ben justement, un fichier, soit euh, none, du coup, j'aurais tendance à dire. Donc, pardon, normalement, je suis censé avoir un iflet sum, donc le, le chemin du fichier est égal à ça. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ben, tiens, on va faire un print point exclamation, et euh, hop, hop. Pass, par contre, ça va être de quel type pour le coup C'est un pass buffer. Alors, je pense qu'on va faire un point d'interrogation, un deux-points, pardon, point d'interrogation, et on va lui donner pass, et on va voir un petit peu ce que ça nous affiche, cette chose-là. Donc, hop, 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 je reviens sur mon petit main, hop, je débug. Euh, j'avais une question, la semaine dernière, tu as parlé de tes devs passés en C++, tu ne fais plus ça du tout, c'était quoi comme projet de sourire. Ah, non, aucun problème, Yod euh, Alors, si, je continue à travailler sur ces applications-là, mais simplement, elles ne sont plus développées en C++. Euh, en fait, c'était des applications pour les artisans, que j'ai développé pas mal d'applications pour les artisans, c'était beaucoup d'applications euh, de conception assistée par ordinateur, hein, de la CAO, DAO, et en fait, à l'époque, je développais ça en C avec euh, de la modélisation 3D, des choses comme ça, donc avec de l'OpenGL derrière. Et donc ça marchait très bien du coup, euh, de cette façon-là, pour générer les, les interfaces graphiques, je passais avec par C++ Builder pour ne pas avoir à m'emmerder, avec la VCL, ça allait super bien, tu peux créer tes propres composants et tout, c'était vraiment le royal. Je te parle de ça en 2005, hein, euh, même, ouais, en, ouais, si on va dire ça, 2005, et euh, à une époque où en fait il n'y avait quasiment rien pour faire des interfaces graphiques, Qt c'était à ses débuts, euh, je ne peux même pas dire s'il y avait vraiment cute à cette époque là oh, ça devait commencer je crois mais il n'y avait, y avait quasiment rien en fait pour, euh, pour créer des interfaces graphiques autrement qu'en faisant de l'API Win32 toute pourrie, euh, abominable etc moi après si tu veux, mes clients à cette époque là ils travaillaient uniquement sur, euh, sur Windows donc euh, c'était très bien comme ça et, euh, et puis arrivé euh, un peu plus tard une, ouais, quasiment une dizaine d'années plus tard à partir de, de 2013 en fait, j'ai eu de plus en plus de demandes de clients qui disaient, bah, voilà, nous, votre système c'est bien la partie conception jusqu'à la fabrication, ça ne vous intéresse pas trop. Nous, on veut surtout de l'affichage des éléments modélisés. Et on a besoin de pouvoir travailler chez nous, mais également chez le client, avec une tablette ou un truc comme ça. Et là, si tu ça changeait complètement le paradigme. Et du coup, C'était. Ça tombait vraiment bien parce qu'à ce moment-là, en fait, on avait l'HTML5 qui arrivait avec bah, le Canva, avec euh, tout un tas de choses qui, qui, qui arrivaient, qui se mettaient en place, une standardisation enfin du web, en tout cas une standardisation qui était respectée par à peu près tout le monde. Et, euh, et du coup, bah, à partir de là, j'ai commencé à développer les applications en web et de moins en moins en C, de manière à être multiplateforme, ce qui était la demande de mes clients. Et, euh, et voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, du C, j'en fais très peu, euh, sachant que les performances que j'ai avec le JS sont largement suffisantes en fait pour ce que je fais. Il n'y a pas de problème de ralentissement ou autre. Ça tourne très très bien même sur tablette. Donc du coup, bah, voilà, c Voilà un petit peu l'idée, mon, mon cher Yod. Euh, salut le Kyodin, bonsoir à toi. Oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Alors alors, comment vas-tu donc, on, pendant que j'y suis au niveau du pass, on s'aperçoit qu'on récupère bien ici le chemin vers le fichier dont on va avoir besoin. Et donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je crois qu'il y a des doubles anti slash. Je ne sais pas si c'est lui qui les rajoute automatiquement pour dire tiens, c'est une chaîne de caractères. Donc ça, ce sera intéressant à checker. Si on a ça, et eh bien là, c'est parfait parce que nous, on a notre euh notre, 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 euh, notre fits application. Donc, le fits application, en fait, c'est nous. Hein, c'est nous, c'est le self qui est là, puisqu'en fait, la méthode update est rajoutée et implémentée pour le, la structure fits application. Et donc, typiquement, ben, ça veut dire que je peux, alors, soit j'implémente directement dans fits application une méthode qui s'occupe de, de charger un fichier ou de préload un fichier. Donc on pourrait, euh, on pourrait avoir ça par exemple, ce ne serait pas déconnant. Et qui donc s'occupe de nous créer le FITS file et puis de le, de le précharger. Donc d'appeler euh, Extract Data directement. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Oh, je suis désolé de bailler comme ça. Le petit coup de part du soir là, qui arrive juste à ce moment-là. Euh, beaucoup, ouais, nouveau boulot ça prend du temps, j'imagine bien, donc je passe moins sur les streams, alors, nouveau boulot qui consiste en quoi, euh, LokiOdin je t'en prie, Yod, aucun problème euh, c'est pour le debug mode t'inquiète, il y en a qu'un, ok, ça marche ça euh, très debug, ça marche, ça marche, merci euh, pour les infos Un pop, 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 pop. du coup, pendant que j'ai ça je balance des du coup, à la c'est impressionnant euh, ouais je pense que je vais le faire là. Je vais le faire là, je vais faire là. Je vais faire un, un non Imple, euh, fit application. On va faire un pub fun preload. Donc nous on veut un path. Alors est-ce que j'ai raison de donner un string Je sais pas. A priori il serait peut-être mieux de donner un path pour le coup. Ah peut-être il faut que je donne un et path, ce soit encore mieux. Et donc, que ce que c'est donc que c'est qu'on fait On va faire un file. Euh, file new. Ah, alors, c'est vrai que là on avait dit qu'on prenait un, un string et pas un path. Sachant que là d'ailleurs, on fait un new avec self-path. Ce qu'il y a de mieux euh, parce que si là je passe un path comme ceci, notamment avec un et peut-être qu'il faudrait que je fasse un path.clone pour, pour être tranquille et pas avoir de problème de ownership, euh, il est pas content. Esté des paths. Ah, il faut que je mette std devant. Non, toujours pas. Uh, Increate std, not found, uh, use. d'accord. il faudrait peut-être que je fasse un use au-dessus. Ah bah oui. Ah, oh. ah non, il y a déjà use std past paf Alors, c'est quoi ton problème, mon gros loup Les types ont statically non size. Always have statically list non size and allocate its contents in the heap. Oh, ça va me faire chier ça. Euh, oui, le lien, ça va, Nako, on se détend. Oh Oh, le kyodin <laughs> um, J'ai des, euh, des stagiaires qui va falloir que je case euh, le kyodin. <laughs> en gros, si tu veux, je t'explique. On, bah, on ouvre une, une nouvelle formation en cybersécurité en alternance. Ça peut être peut-être l'occasion de prendre des petits jeunes. Hein, tu vois. En plus, on, on, ils, ils, sont, ils sont cool, nos petits jeunes. Ils sont vachement bien formés. Et, euh, et voilà. Pour information, voilà, à partir de 2023, rentrée 2023, on, on, on a une nouvelle formation en cybersécurité. Si ça t'intéresse. Et sinon j'ai des petits jeunes qui cherchent toujours un stage à l'étranger en cybersécurité également. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Et bonjour Clem28 Bonsoir à toi. Alors qu'est-ce que tu me dis avec le PAF Paf Buff Donc Paf Buff New. On peut faire du push. Ok directement. Ça marche. C'est plutôt cool. Donc ça décompose comme ça. On peut faire l'extension. Euh, je suis... Je suppose, je suppose euh, non, je suppose mal. Et ensuite, on peut faire un half path pour avoir un truc. Donc en fait, ce serait quoi le mieux C'est de stocker un, un path buffer, mais ça va être le même bordel. Le même bordel en fait. Du coup, je suis censé lui faire quoi Un box path oh. Et moi, j'en ai rien à faire de savoir si est ce qu'il est sur le sur la hip ou quoi, moi je veux un pass, puis après il se démerde pour stocker ses informations comme il veut. Oui, c'est casse couilles c'est casse-couille. Qu'est-ce casse que je vous dise bah, du coup je vais mettre une string et puis c'est tout. Et puis merde. Voilà. C'est chiant. T'as envie d'utiliser des trucs bien hein Bah tu le fais pas. Tu le fais pas. Pourquoi Bah parce que c'est pourri. Voilà. C'est chiant. Voilà, na et bim, et puis du coup, bah, qu'est-ce qu'est-ce qu que j'ai encore pété Il est pas content. Path, path, oui, passe. Hop, comme ça, content. Aïe Oui, là c'est bon. Tac-tac, hop. Et puis, du coup, bah, ton de passe. Hein. Voilà. Tu viendras en string aussi. Et puis c'est tout. Voilà. Parfait. Bim. Ce qui fait que du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait On fait un fit file 2.2.new path. Donc ça, c'est notre fit file. Moi, bon, je vais mettre même file. Tac. Et puis ensuite, euh, eh ben on va faire un. Alors, par contre, j'oublie un truc ici, et self. Voilà. Comment ça, pas. d'accord. Doute, n'es pas d'accord avec. Tu veux ça Voilà. Et euh, ici, il faut. Alors, par contre, peut-être que je fasse un et mute. Self. Je vais, je vais m'auto-modifier. Euh, et moi, il faut que je fasse file .push Comment ça je peux pas faire point ?push. Ah, parce qu'il faut que je fasse. Self.files.push. Ah, et là je me donne file. Et là, tout le monde il est content. Oui Tout le monde il est content. OK. Euh, ah bah pourquoi pas Par contre, ça ne sera pas moi, je pense. Je trouve que je ne suis pas encore prêt pour donner des formations. Ah non, mais ça, il n'y a pas de... Il a pas de souci, mais tu vois, je me dis, voilà, j'essaye de... Euh, le, on, enfin, on essaye de manière générale à développer notre réseau au niveau de les IRM pour bah, justement avoir. Un maximum de partenaires sur la cybersécurité et, euh, et comme ça, bah, c'est plus sympa. Alors, sache mon cher maître Yoren, qu'on ne fait pas ça, on met pas de étoile passe en C. Ça n'existe plus depuis des années, près d'une décennie, même plus. Aujourd'hui, on utilise éventuellement des charrettes euh, des PTR ou des unique PTR, mais qui font le taf pour toi, quoi. Et tu as, as rien à préciser, mais on n'utilise surtout pas des pointeurs comme ça. Bah. À la volée, les étoiles machin, c'est fini ce temps-là. Tu peux demander à 14 hein. À 14h, c'est pas est là, encore là. À 14 je regarde, je regarde. Iii, normalement, elle doit être dans le coin. Il y a peut-être une oreille qui traîne euh, comme ça discrètement. Non Voilà, on est d'accord, 14h. On n'utilise plus des étoiles pass comme ça. Hein on, fait des... on travaille avec la, la STD Live et puis les pointeurs intelligents, hein Parce que du coup, quand 4D, d'elle dit non, je sais pas si non, je suis pas d'accord avec toi, ou non, tu as raison, tu enfin, vois, je ne sais pas. <laughs> Alors, Anako, qui me renvoie le lien sur le struct path. Oui, d'accord, mais encore... Non mais ça m'aide pas, ça, Anako. Euh... Je ne peux rien dire en C, je fais encore pas mal de Qt qui intègre encore mal les pointeurs intelligents. Je confirme sauf qu'à particulier. Voilà, on est d'accord, aussi. <laughs> Donc, euh, mon preload, il est fait. Ce qui fait que quand j'ai dans mon GUI ici, bah, qu'est-ce que je fais hein bah, oui, Et bien sûr, je fais un self.preload. Et je lui donne paf. Il faut sûrement que je fasse un toString. Ce serait assez logique. Mais il n'y a pas de... To string alors si je fais paf tout court on est d'accord qu'il pète un câble voilà ça semblait assez logique hein bon, bien sûr lui veut un string donc si je fais un tout str ça forcément ça c'est ça que je déteste là dedans ensuite il faut faire un point une et puis ensuite tu fais un point tout string hein mais bien sûr mais évidemment hein c'est tellement logique Non. Mon Dieu, 14 tu n'es plus une DFC ⁇ Ne dis-moi que tu n'es pas passé en Java. Parce que je sais que dans ta boîte, je crois qu'ils étaient en train de, de, de grandement te de faire tourner en Java. Non, ce n'est pas possible, 14 Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Après, techniquement, je pense que si c'était pas un fichier, de toute façon, le pick file ne t'aurait pas retourné un sum pass. Mais bon, admettons, une sécurité, ben, deux sécurités valent mieux qu'une. Voilà, on va, on va se dire qu'on se fait un truc comme ça. Ouais, mais tu as vu, il m'emmerde. Il veut pas que je stocke des pass buff dans, dans ma structure. Donc, il va se faire foutre. Tu as commencé à quelle heure 18 h mon cher Lil'Bou. On commence tout. Pardon on commence tous les, 18 heures, tous les, tous les vendredis à 18h. Tiens, regarde, c'est pour toi, c'est rien que pour toi, c'est cadeau. Voilà, ça m'a ça, ça, ça fait plaisir. <laughs> Double rotation de générique turbo cool, merci. C'est toujours un plaisir. Euh, sauf la semaine dernière où c'était samedi. C'est vrai que la semaine dernière il y a eu un petit décalage, comme, comme j'avais dit. Hein. Alors c'est comme ça en général, je vous préviens sur le Discord. Donc d'où euh, d'où le, le fait, l'importance de, de vous inscrire sur le Discord, c'est que voilà, quand, quand je sais que je ne vais pas pouvoir, je vous préviens. Le plus à l'avance possible, c'est que des fois c'est un peu, un peu tard, mais euh, toujours avant le live pour vous dire je suis désolé, euh, je vais pas pouvoir ce soir donc on décale. Alors, soit un jour avant, soit un jour après, en général, c'est plutôt le samedi. Et puis, euh, et puis voilà quoi. non <laughs> oh, un petit bonhomme, je sais pas si l'artifice a fonctionné. Je tente, teste. Si c'est bon, je l'avais pas vu, c'est pour ça, je préfère, euh, préfère vérifier quand même. Euh, j'étais dans, j'étais sur dans un live Twitch et ils ont fait un hack de BTC en direct. Qu'est-ce que c'est que BTC Ah tu travailles en Python, 14D, tu te lèves de moins en moins. Ah là 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 là, mais c'est parce qu'en fait t'as tout fait. C'est pour ça. T'as été trop tu t'as fait des trucs qui tournent trop bien, et du coup, bah maintenant il bah, n'y a plus rien à faire. Quoi. Bah voilà, voilà. Euh, si tu peux pas car c'est un c'est pas Z, mais pas buff oui d'accord euh, le problème de Java c'est qu'il y a tellement de framework aide automatique que les devs dessus ne sont plus aussi rigoureux qu'avant via les applis qu'on trouve, via les applis qu'on trouve de nos jours. Mais sinon c'est pas si mal. Non mais bah alors après tu sais je ne critique pas euh, spécialement pas euh, bah, si je critique le Java, mais c'est juste parce que c'est facile de critiquer. Enfin, c'est facile. Yeah. C'est comme c'est facile de critiquer Microsoft, tu vois, c'est c'est rentré un petit peu dans, dans les mœurs. Après, j'ai fait très très peu de Java dans ma vie, donc euh, voilà, donc j'ai pas, si tu veux, le, le recul pour critiquer Et Rust. Très clairement, je vais, je vais faire un avis euh, euh, objectif <laughs> une fois qu'on aura terminé ce projet. Je vous ferai un avis objectif, purement objectif sur sur Rust. N'ayez crainte, euh, parce que j'aurai un peu plus de recul. Pour, euh, pour pour dire pour dire ce que je trouve positif comme négatif ou inversement sur, sur ce langage. Non, mais de toute façon oui non mais alors effectivement c'est sûr mais si tu veux euh, je trouve qu'il y a aussi un, un respect à avoir par rapport à la communauté c'est-à-dire que j'ai une chance incroyable de vous avoir euh, d'avoir pas mal de gens parmi vous qui, qui, sont, euh, qui sont fidèles à la chaîne qui viennent ben voilà tous, tous les vendredis soirs vous êtes là quoi euh, que ce soit 14 h euh, à Aléo euh, Sukato, Xen, anaco parce qu'on fait du rust, Kotar, etc. Voilà, vous êtes là super, euh, super présent. Et, euh, et, et, et pour vous, je, je me dois cette régularité-là. Alors effectivement, des fois, je pourrais streamer différemment et tout, mais si je le fais, si je ne maintiens pas cette régularité, je trouve que la moindre des choses, le moindre des respects vis-à-vis -vis de vous, c'est de vous prévenir. Vous soyez pas là comme euh, euh, à attendre que, que le temps passe. Qu'est-ce qu'il fout? Euh, Qu'est-ce qu'il fout, moulin? Pourquoi il n'est pas encore connecté? Il fait, il fait pas donc vous attendiez pas pour, pour rien. Quoi, c'est juste ça. Arrête mon maquillage, va couler <laughs> Ah, bitcoin. Ok, acte de bitcoin en direct. Et alors, du coup, vous avez gagné combien? Basile il nous tout? Moi, je prends 10%. Hein. <laughs> pour surveiller le russe, maintenant ça marche. <laughs> euh... Objectif, c'est possible, toi qui râles. Alors, oui, mais tu sais, le fait que je râle, alors il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a des choses, je râle parce que il y a un changement d'habitude pour moi. Et forcément, tu sais, le cerveau, euh, il n'aime pas quand les habitudes changent. C'est un truc, ça le stresse, ça crée un traumatisme. Un déménagement, c'est un traumatisme, un changement de langage aussi violent, enfin, en tout cas, avec pas mal de concepts nouveaux, c'est un traumatisme. Donc, forcément, euh, mon cerveau se braque et moi, je réagis en conséquence. Et du coup, je vais c'est de la merde voilà bon ça c'est le premier temps si tu veux c'est le temps de la découverte etc il n'empêche que et ma femme en est témoin euh, l'autre jour j'ai fait du rust pour euh, reséparer -re les fichiers etc j'ai passé plusieurs heures dessus à faire du gui et tout et je lui ai dit à la fin t'as vu j'ai pas râlé. voilà j'ai pas j'ai pas hurlé à la mort dit, ah c'est pourri machin et tout pourquoi bah, parce que petit à petit je m'adapte et je m'habitue et donc oui il y a des trucs que je trouve franchement pas terrible, mais il y a d'autres trucs, d'autres trucs, pardon, que je trouve vachement intéressant. Mais euh, mais voilà, mais après, je te dis, on va débriefer tout ça une fois que le projet sera fini. Donc euh, et, et vraiment, je vais essayer d'être objectif. Après, il y a des trucs clairement, ça va clasher. Mais il y a d'autres trucs où oui, je vais dire, ah ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc pour le moment, voilà, je je suis en train de de mesurer les choses, etc. Alors, je serai forcément pas euh, je veux dire 100% légitime dans ma critique, dans le sens où, dans tous les cas, je n'aurais pas fait assez longtemps euh, pour avoir tout décortiqué. Peut-être qu'il y a des choses où je serais passé euh, euh, par d'autres chemins, beaucoup beaucoup mieux ou plus préférable, en tout cas préférable par rapport à ce que, que j'ai fait. Mais en tout cas j'aurai plus de recul, en tout cas, que quand j'ai commencé, et, euh, et du coup, je, je m'imposerai une certaine honnêteté, je poserai des éléments, peut-être que vous direz, ben bah non, mais là, tu dis ça, mais en fait, c'est faux, ou tu te trompes, parce que tu as oublié qu'il y avait cet aspect-là et tout, donc ce sera pas un avis définitif, mais en tout cas, ce sera un ressenti euh, retravaillé, voilà, par rapport à ces, ces semaines où j'aurais passé sur, sur du reste. Euh... Quelqu'un a gagné 100 euros, démo technique, prix offert au premier à écrire à la clé privée. Putain, d'accord. Ok. Euh, mais c'est vrai qu'à la place de se taper une connerie du vendredi soir de la télé, un stream, c'est mieux. Ah, tant que le stream ne te dit pas trop de conneries non plus. Hein <laughs> c'est comme le totalitarisme. Au début, c'est chiant, mais le peuple finit par ne plus rien dire. <laughs> j'avoue que j'aime bien la comparaison euh, au début c'est chiant bon allez tout ça c'est bien mais euh... mais 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 alors déjà première chose oui ce truc que je fais ici ça ça ne me plaît pas des masses ça ne me plaît pas des masses euh, je me dis que il faut sortir faut absolument sortir ça de là parce que là on est dans l'interface graphique on a le côté cliquet, etc. Et ensuite, ici, on est déjà en fait quelque part sur le rôle d'un contrôleur. C'est-à-dire que là, on a ce qui se passe au niveau de la vue. Je détecte un clic. Qu'est-ce que je fais au moment du clic? Bon bah je déclenche ces actions-là. Donc ça, j'aimerais bien le sortir. Et, euh, et peut-être tout simplement. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme. Alors, je pourrais mettre une fonction en dessous. J'avoue que ça ne me plaît pas forcément des masses. Euh, alors, ça pourrait être dans. Ah, je crois que tu me diras si ça pourrait être une implémentation dans fits application. Donc, une méthode ici euh, on pourrait faire un fun. Euh, je dirais quoi Je dirais, je dirais euh, open file. Et puis simplement, nous on fait euh, ce petit bout de truc ici. Là, on oublie bien sûr pas de mettre le self. Et puis là je pourrais faire ici un self. Uh, open file. Alors il hurle, est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas privée Ah, found for mutable reference, emut fits application. Ah donc là en fait oui, il faudrait plutôt que je sois un emute. Et toujours pas open file. Point for mutable reference emut fits in the current scope method not found in emute. Je vais pas enregistré si Emute fits application. Euh... Alors parce que là, si là je suis en emute ici. Suis... Ah pardon, bah non Emute aussi euh, C'est quoi son souci euh, je suis sûr qu'il va dire que le seul point positif de l'utilisation des accolades. Mais non, Pyram. Mais non, je suis pas si, euh, si injuste que ça. Et encore, il met des accolades à l'ancienne. <laughs> vous avez vu à l'ancienne, c'est mieux. Euh, tu dois faire. Ah oui, oui, oui. C'est parce que je suis dans. Euh... Exact. Tu as raison. Tu as raison. Hop. Donc là, imple euh, Fit application parce que là j'étais en implémentation de f app pour fit application or dans dans le trait app il n'y a pas euh, de méthode euh, open file donc c'est oui effectivement c'était logique que ça parte en sucette. et là du coup tout le monde il est content voilà impeccable donc j'ai mon self preload et tout ça permet de libérer un petit peu la, la, la partie UI et c'est pas plus mal salut swedon bonsoir à toi euh, et c'est file et pas self.open... Ah, je suis pas d'accord avec toi euh, mon cher maître Yo. Parce que non, 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 c'est self.openfile et non pas 2.2 points. Pourquoi ce serait 2.2 Je ne suis pas sûrement que tu, tu crois euh, Qu'est-ce qui se fait d'ordinaire sur cette chaîne Alors euh... Ah, ah, ah <laughs> euh, je, je, C'était pour mettre Yo, hein. t'inquiète pas, soyons. D'habitude, je ne fais pas des hahaha ah, comme ça. Là. Okay, ça peut m'arriver en réalité. Alors, ici, donc, nous parlons de développement d'applications, de programmation, de code, et puis de petit peu tout ce qui peut se faire autour de ça. Donc, on peut parler de langage, on peut parler de web, on peut parler euh, de petits robots comme ça pour, euh, pour s'amuser à les faire bouger dans tous les sens. Euh, donc, les sujets sont assez vastes. Euh, depuis le début de l'année, c'est un projet qui me tenait à cœur, je voulais découvrir le langage Rust et voir à quel point c'était une purge et <laughs> objectif, hein, vous savez. Euh, donc on a trouvé un petit projet sympa qui permet de récupérer les informations, les données du télescope spatial James Webb, euh, donc des, des données entre guillemets brutes qu'ensuite on retraite pour obtenir des images. Donc on essaye de faire tout ça en Rust, là on est en train de développer l'interface graphique. Euh, mais sinon, on peut être amené à faire des petits jeux vidéo à la con euh, sur, euh, sur de l'appli euh, web. On peut faire euh, des choses en C++, on peut découvrir des, des nouveaux outils. Euh, bref, c'est assez varié. Euh, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis, voilà. Mais on tourne autour de la programmation, du développement. Mais je te dis, ça peut être sur de la Raspberry Pi, ça peut être sur du microcontrôleur, ça peut être sur du PC, ça peut être sur du web, ça... Du mobile, voilà, on, 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 on est prêt à travailler un petit et même du COBOL, effectivement, comme dit Cactus Corp. Dire que l'objectif c'est d'essayer de regarder un petit peu tout. Alors, c'est difficile hein, de regarder tout, et puis sachant que c'est seulement un live par semaine, donc tu vois. Euh, ils font compliqué de, de forcément tout faire et puis je suis pas bon partout non plus hein. je suis même bon à très peu d'endroits on va diront certains voire nulle part diront d'autres encore euh, bande de salopards euh, mais, mais sinon euh, sinon voilà un petit peu un petit peu pour l'idée et toi euh, sweat lion euh, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu fais euh, habituellement est-ce que tu dev un petit peu c'est un peu méta finalement et pas trop de code pur sur cinq streams d'affilée parce que ce qui est embêtant avec les chaînes de dev, c'est que quand tu as pas tout suivi, c'est galère de le rendre. Alors en fait, ça dépend. Là, je t'avoue, sur le projet JWST, euh, ça fait depuis le début de l'année donc c'est tous les lives. Donc on est au septième live dessus et le but c'est vraiment de faire l'application en entier, d'aller du début jusqu'à la fin. Alors c'est sûr que des fois, c'est pas simple de pouvoir suivre l'intégralité des lives. Ce que je fais, ce qui n'est pas simple non plus pour vous euh, à lire, c'est je toutes les rediffusions sur youtube donc de l'intégralité des lives euh, dans le week-end qui suit ça c'est la résolution de l'année dans le week-end qui suit le live donc au pire tu as la rediff qui est, est là-bas pendant je pense que ce, ce sujet là va contenir, continuer encore pendant euh, je pense jusqu'à mi-mars facilement euh, pour nous tenir et après de toute façon effectivement on va reswitcher sur des choses et normalement on va repartir sur des euh, sur des projets Beaucoup plus court, qui la plupart du temps tiennent sur un live ou deux lives maximum, mais j'essaie en général d'avoir des, des sujets qui sont plus restreints en termes euh, terme de taille. Style, le robot aspirateur, comme vient de me dire ma femme, c'est honteux. Je demande le divorce. Ah ah Fait plus la même tête là hein <laughs> ah <-ha> <laughs> mmh. Alors oui, ça, ça me prend un petit peu de temps, mais pas moins que de faire le montage. Effectivement, je vous mets, je vous mets les timecodes dans les rediff, parce que sinon, c'est c'est chiant. Des fois, il y a du blabla en plein milieu, des choses comme ça. Donc, j'essaye de, de redécouper. Alors, je saucissonne euh, autant que, que faire se peut. Après, ce n'est pas forcément... Il euh, y a peut-être encore... Ça pourrait être davantage saucissonné, mais, mais voilà, je, je fais au mieux. Donc, pour information, Souedion, si tu cherches la chaîne YouTube, euh, la voici dans le, dans le chat. Euh, Qu'est-ce qu'il dit LGKTG Rien ne redigère que des choses extraordinaires. Oh, ça, c'est gentil, ça. Euh, et de temps en temps, ça parle d'un chat maléfique. Oui, oui, le chat maléfique. Hein le chat qui miaule. À... Je sais pas à quelle heure elle a miaulé ce matin. Ouais, ce matin, h hein. Ouais, mais c'est ma femme qui l'a défoncé, donc ça va. Euh, c'est pour quand Rust en embedded eh ben, Le jour où ils sortiront un compilateur pour des microcontrôleurs. Mais bon, comme personne n'a envie de faire du Rust sur un microcontrôleur parce que c'est trop chiant, euh, bah du coup, c'est pas prêt de sortir. Oh, oh, le salon, le troll! Oh là là! Eh euh, ben, je t'en prie, euh, je t'en prie, c'est cool. Euh, des fois, on parle de vis québécoise. Ouais, c'est vrai. Des fois, on achète un câble USB. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. Donc, le câble a été remplacé. Vous avez vu, je peux bouger mon micro ah, dans tous les sens. Et euh, ça marche toujours? Oui. <laughs> le doute. Mais voilà, donc, euh, mon, mon câble d'avant, c'était ça. Et je pense que très clairement, il y a. Il y, y a baleine sous gravillon au niveau, du, euh, au niveau de la connectique. Il y, y a un faux contact. Donc le problème n'est euh, plus. Marche des gens. Dans... Oui, non, mais je sais que ça marche des gens d'embarquer, dans... euh... Maître Yo. Euh, Permets-moi de faire du kappa sans mettre une emoticône kappa. <rire> <rire> um... Euh, après, dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut le compilateur. Il y a un portage de Rust en front-end de GCC en cours, donc bientôt on pourra compiler vers à peu près n'importe quelle plateforme, d'accord. Tout, euh... Le chat est pas noir. En... Le chat est pas noir. En... <laughs> bon, c'est une recette de chat au pruneau à l'Armagnac. Ah. Euh, je suis fraîchement de l'école, d'accord. Je vais faire mon stage de fin d'études dans l'embarqué. Incroyable. Dans une semaine. Cool. Euh, ok, ok, ok. Et du coup, c'est quoi C'est une école d'âge que tu as fait Ou c'est un DUT, un BTS euh, euh, Dis-nous un petit peu plus, ou Lyon y euh, gens qui sont plutôt pour hein, le champ en civet. Ouais, j'attends beaucoup de GRS. Ok. Ah, enfin, oui, GCC en RS, en Rust. Ok, ok, ok. Bon, tout ça pour dire que normalement, à présent euh, nous avons cette chose là et ensuite qu'est ce que c'est donc que c'est qu'on va faire ben bien sûr ben bien sûr on va faire notre liste de, euh, de fichiers pour voir un petit peu la liste des fichiers qui ont été ouverts donc pour ça on va moi je vais faire un let euh, list est égal à ce euh, c'est pas add c'est point vertical voilà et euh, dans mon vertical je pense qu'il me faut à nouveau lui passer euh, Qu'est-ce que je passe dans vertical déjà quand c'est donc -ce sais que ça fonctionne ce truc-là start a ui with vertical layout donc je crée un layout un bloc euh, où les éléments vont s'afficher les uns en dessous des autres euh, bla et donc on a à nouveau le ui ok et ensuite on refait à nouveau les petites choses comme ça va okay. très bien donc là je repasse euh, ma callback avec ui un petit point virgule ici bien évidemment et donc là, qu'est-ce que je dis bah, Je vais faire un ui.label. Et le nom du label. Euh, alors, et en fait, c'est même plus loin que ça. C'est que pour chaque euh, fichier contenu dans ma liste de fichiers, donc je vais faire un euh, for let file in self.files. Eh bien je fais un petit truc comme ça et donc là je fais mon ui.label et là je peux lui faire un file. Pas du tout. Alors, quel est le problème euh, Est-ce que c'est parce que j'ai mis un let ici Ok, ça devait être un truc comme ça. Et donc la point. Path. Voilà. Alors, le self.files, il faut juste que je rajoute un iter ici, que j'oublie à chaque fois. Et ensuite, le path, il fit est un string cannot move out file path, which is being a shared reference, occurrence as type string, which does not implement the copy. Tiens, tu veux un clone Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir euh. Et voilà Il n'y euh, a pas le lettre. Voilà, merci. C'est fort à in as. Euh, ouais, bon, le as, je suis pas sûr d'avoir besoin. Ah, in as, ok. Ok, c'est excuse-moi. J'ai compris que le as c'était as quelque chose. T'as oublié le E. Tu veux que je mette un E ou du coup, si tu veux pas que je mette Tu veux que je mette un et ici Ok, autant pour moi. Donc là, comme ça, c'est tout bon. 1G euh, à Lensimag OK. Lensimag c'est quoi C'est Lyon, non Ou on a d'autres, Mag C'est Grenoble, Ency Mag C'est C'est ah, bien possible, ouais, c'est Grenoble. Grenoble. Alors, du coup, justement, euh, ça me donne envie d'apprendre le Rust, de voir tous ces stream Rust. Ouais, alors tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de stream parce que... Une espèce d'engouement, une espèce de mode, etc. Après, il y a plein d'autres trucs à apprendre avant Rust. Hein. <laughs> ah ah Et la bim Attaquer, tac oh yeah Non, non, c'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir. Il y a des trucs qui sont intéressants euh, dans, dans le langage. Non, mais après, en fait, ça dépend de ce que tu veux faire. Effectivement, si tu es dans l'embarqué. Euh, très clairement, le Rust, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Euh, bien évidemment, après, euh, bah, tout, ce qui va être, euh, tout ce qui va tourner autour de l'IoT, que ce soit, mais ça, je pense que des choses que tu as déjà vues euh, soit les Bluetooth LE, soit euh, des, des, des microcontrôleurs divers et variés, euh, des choses justement, peut-être au niveau du LoRa, euh, pour la transmission sans fil, des choses comme ça. Euh. Enfin bref, c'est peut-être encore une fois des choses que tu as déjà vues. Et euh, c'est la bonne résolution de 2023 de tous les streamers. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. euh, et, et moi, je l'ai pas fait parce que c'était la mode. Je l'ai fait parce que, voilà, c'était un truc que je voulais voir. Hein. Moi, je, 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 ne, je ne sors pas sur les tendances. Je ne sais pas où elles sont. Donc, euh, lire le guide. Non, lire le livre. <laughs> <laughs> euh, mais, mais oui, c'est vrai que partir sur une base comme ça, avant même de, de commencer à coder, comprendre comment il fonctionne, c'est vachement, vachement important, parce que sinon, tu, tu galères à mort. Quoi. Euh, et oui, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'ANDI-MAG comme, euh, comme formation Est-ce que tu en es content euh, euh, Tu t as appris plein de trucs, tu as trouvé ça super intéressant, les profs étaient cool, les cours étaient cool, etc. Euh, mais c'est vrai, giga, méga bien, le bas niveau, étoile dans les yeux. Ah, bah voilà, tu vois, tu fais rêver Anna. Euh, bravo, Soulion. <laughs> Virtual Labs, qui est super sur Twitch, sur le hardware. Non, mais c'est ça, faites de la pub pour les zones et puis barrez-vous après, hein. <laughs> non, je plaisante, c'est important de faire de la pub pour les autres. Moi je suis pour, euh, je m'en suis jamais caché, hein. j'ai toujours fait de la pub pour les, pour les autres streamers. Et je trouve qu'au contraire, c'est bien de partager des autres chaînes, parce qu'on a des centres d'intérêt qui peuvent être communs ou différents et qui permettent de, de, de voir d'autres choses. Et donc c'est très important. Euh, bon, j'ai ma liste, ça c'est bien. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça Est-ce que ça crache euh, Terminer la tâche. Oui, termine la tâche, hein. on est des gueulins, nous. Alors, que quoi euh, Mitou, voilà. Donc là, je fais ajouter un fichier. Je prends mon fichier FITS de chez Miri, qui est tout petit. Je fais hop, et là, ah, regardez C'est incroyable On a notre label qui apparaît juste en dessous Mais oui Et puis regardez si c'est pas fou. Si j'ajoute un deuxième fichier, mais dites-moi, Pop, c'est pas vrai. Mais si ma bonne dame, ça va s'afficher juste en dessous. Regarde, hop, 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 hop. Et YOLO Bim, un deuxième fichier. Hiya voilà. Donc, effectivement, je, je, je suis assez impressionnant comme développeur puisque je suis capable d'afficher deux textes l'un en dessous de l'autre. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Mais oui. <laughs> euh, Yodim, oui, bah, bien sûr. Yodim, j'étais, bah, c'était, l... quand est-ce que j'étais sur son stream On n'a pas fait un, mais si, on a fait un, on a fait un raid la semaine dernière chez Yodim. Hein non, on lui a fait un coucou, euh, ou alors c'est moi qui suis allé tout seul. Non, c'était avec vous, je crois. What the fuck le niveau quoi. <laughs> Salut J6! Bonsoir à toi. <laughs> euh, on ne peut pas partir virtuellement. Vous n'êtes pas connecté. Ah bon, bah ça va alors. <laughs> j'ai acheté un pas de midi pour faire joujou il n'y a pas longtemps. J'ai réussi à l'exploiter, mais j'ai pas encore idée de projet à faire avec. Un stream deck, euh, mais je ne stream pas. Ah, ça va venir, ça va venir, euh, souhait lion. C'est une bonne méthode pour apprendre des choses et puis rencontrer des gens super intéressants. Il n'y a que des gens super intéressants ici. Et ça fait vraiment plaisir. Euh, si tu tu vois, sur, le, sur la chaîne, il n'y a pas de modération. Il y, a, il y avait des modérateurs au début, parce qu'on m'avait dit oula, là, là, tu devrais prendre des modérateurs, etc. Alors si, il y a toujours Sukato Xen qui, qui traîne dans un coin. Euh, mais il n'y a jamais besoin de modération en fait. Donc, euh, c'est cool. Vous êtes tous des gens bien. <laughs> Donc, c'est tip-top, quoi. Salut, Karia ah bah, voilà, tu vois, on parle d'embarquer. T'as Karia qui arrive, là. Ouais, ouais, attendez. Du C, du C, j'arrive, j'arrive. <laughs> donnez-moi du C, donnez-moi des... Donnez-moi des, des, des micro Là, on on est parti. Donnez-moi des capteurs, je vous connecte tout ça et yolo. <laughs> Il y a déjà eu des vrais... Je pense que ce milieu, attire pas trop les trolls. Ouais, non, clairement. Clairement, le, le, le domaine limite vachement. On a eu un petit blaireau une fois que. Okay. Qui, est, qui, a, qui a fait quelques cocasseries et puis qui s'est fait ban. Mais, euh, mais sinon, honnêtement, ça va. Quoi. Je pense que, comme tu dis, la, la thématique, c'est déjà un très, très bon filtre. <laughs> il y a eu une fois un gars qui faisait une fois. <laughs> c'est ça. C'est exactement à lui que je pensais, LGKTG. C'est <laughs> <y a> une... <laughs> exactement ça. Il y a une mouche qui est tombée devant moi. Je l'ai envoyé vers mes parents pour les. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Faut pas. embêter tes parents Et eh, dis donc, tu vas finir à la rue, toi. Hein. Attention, hein. ils vont dire euh, va donc euh, gagner ton argent, ton payer ton loyer, et tout ça. Et hop là. <laughs> bon, tout ça c'est bien, mais j'avance pas. Hein. Donc, euh, fini, fini, comme d'hab. Merci, ma chérie. Merci euh, beaucoup. Salut, donne Matlab. Ouh, on a, on a un expert Matlab. Tu ressembles à Antoine Daniel. Non, mais donne Matlab. Alors, je vais te le dire, à toi également. Je ne ressemble pas à Antoine Daniel. Non, c'est Antoine Daniel qui me ressemble. Évidemment, alors, <laughs> je suis plus vieux. Tu crois quoi Bon, après, je regardais un replay euh, d'Antoine Daniel qui jouait à. à... Oui, comment ça s'appelle okay. Among Us. Voilà, je perds mes mots. Alzheimer me guette. Euh, qui jouait à Among Us. Ah, effectivement, hein, 24 000 viewers. Sur, un, sur le stream Twitch. Bon, bah on n'y est pas. Là, j'avoue, euh, on n'y est pas du tout. Hein, donc, euh, bah, je compte sur vous. Hein, je compte sur vous. Nous sommes 71. Il n'y en manque plus que 26 929. <laughs> et puis on atteindra les 24 000. Et là, le jour où on est à 24 000, effectivement, j'arrête. Hein, je ne fais que ça. Hein. Je, je ne fais que des lives. Euh, et là, ce sera tous les jours à 18h. Je ne sais pas. Et... <laughs> <laughs> en tout cas, Don Matlab, bonsoir à toi, bienvenue sur les moulins. Et euh, bah, j'espère que cette ressemblance euh, Antoine-Danielesque, eh bien, euh, apporte un petit plus, pourquoi pas, pourquoi pas, évidemment. Et puis alors, ah oui, pareil, je vous ai pas dit, bon là, en plus, je suis, je suis globalement pas trop merdique au niveau de la coupe, comme pour Antoine-Daniel, en général, c'est un petit peu plus. Aléatoire, on va dire. Eh bien, demain, mes chers amis, je vais au coiffeur et zic, on coupe tout ça et on remet les choses dans un état correct, puisque là, j'ai les, les pattes qui commencent à être trop longues, qui se transforment en une espèce de fil barbelé. C'est une, une catastrophe. Mon auto-entreprise va devoir devenir fructueuse. Ah, 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 Il y a un moment, il va falloir, ma chère Anna. <laughs> ok, on va battre le rappel. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Bah tu vois, on bat le rappel, on en a perdu 6. <laughs> Bon, allez, allez, trêve de, trêve de plaisanterie et de cocasserie, n'est-ce pas Nous continuons. Donc, on a euh, nos éléments. Alors, une fois qu'on a chargé, effectivement, nos, euh, nos fichiers, vous savez que nous, quand on préload, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche tous les HUD. cela ne tienne, euh, Pour chaque fichier, ensuite, on va recréer un UI vertical. Oups, un oh, 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 excusez-moi. Donc là encore, tac, ce bon vieux UI qui va y aller... Euh comme ceci voilà et pipi 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 euh, donc là dedans hop moi normalement je suis censé faire mon euh, port hdu in file point hdu à ah. ah, j'ai peut-être euh, j'ai pas ah, il est peut-être pas public pas public pas public file on a une structure avec les HDU, ce qui effectivement ne sont pas publics. Donc, qu'est-ce que je fais J'ai le getpass, j'ai le extract data. On n'a pas appris la méthode extract data, par contre. Ah bah non, il va falloir qu'on le fasse. Et puis, j'aurais tendance à faire un pub fun HDU The. Tatak si par contre il me faut un et self et qui retourne un euh, je dirais un évêque de Hdu. il ah, ben, va nous péter une durite. Hein. Euh, avec Hdu. Alors, il pète une durite parce que il faut que je mette et. Voilà. Et du coup, là, tout le monde, il est content. Ensuite, moi, j'arrive là, je fais mon get et donc là, rebelote, je mets un label et là, pour le moment, je vais juste mettre entre guillemets, hdu. YOLO voilà, et on a James, euh, James Cakes, James Akex qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Euh, non, 68. Qu'est-ce qui se passe? Là 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 là. Euh, C'est les 24K de différence qui le décoiffent. <laughs> C'est un peu ça. 69, désolé, j'étais obligé. Oh, Anaco. non, 68. Oh, ça tombe, ça tombe. <laughs> euh, donc Anaco est apparemment euh, adepte du 69. Ceux qui se respectent tout à fait, il hein. n'y a, a pas de problème. Moi, je... Chacun... Bah non, bah ne euh, regarde pas comme ça. C'est un fait. Ça marche encore. Euh, ah non, le... Attends, le GG. Euh, le... Non, 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 le GG, il n'a jamais marché, ce truc-là. Je crois pas. Non, tu sais, c'est dans les dans les feux d'artifice. Il faut que tu ailles dans tes points de chaîne et puis tu fais faut... ouh youpi, c'est top, et hop là, feu d'artifice. Ah. <laughs> ouais, on reste les gens là, les gens font, sont libres, allons, c'est une démocratie. C'est quoi le projet aujourd'hui J6 Alors, en fait, tu sais, on a, je sais pas si, tu sais, je, du coup, je, je refais un petit point rapide. On récupère les informations qui viennent du, du télescope spatial James Webb. On récupère donc des fichiers qui sont des fichiers FITS qui contiennent plusieurs blocs de données euh, et qui représentent, pour la plupart, en fait, des mesures de flux d'infrarouge. De,

Sauf de ce type-là, euh, qu'on récupère et donc euh, qui est une image avec une plutôt bonne résolution, hein, puisque là, tu vois, on est qu'à 30% en termes de zoom dans, dans l'image, donc ça fait, des, ça fait des images qui sont plutôt, euh, plutôt bien badass. Euh, bon, 500 mégas l'image, pour le coup. Et donc, l'objectif ce soir, c'est de faire l'interface graphique. Il y a une autre image qu'on avait générée également, c'est avec les piliers de la création. Euh, et donc, donc, donc voilà, donc, euh, on, on a ça qui fonctionne. Donc Le, le, le cœur euh, fonctionne. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de dire, bah, on se fait une petite interface graphique qui nous permet, 1, d'aller chercher nos fichiers fits, 2, d'avoir le rendu directement dans l'application, 3, de pouvoir superposer les images, puisque en fait, le principe euh, des, des télescopes de ce type-là, c'est de dire, on prend une image. En mettant des filtres pour récupérer une certaine longueur d'onde au niveau des infrarouges. Donc, par exemple, je ne veux pas dire une connerie, mais on va prendre les infrarouges qui sont à 1500 Hz. Ça n'a certainement aucun sens en termes de, de fréquence hein, pour, pour des infrarouges, mais peu importe. Et puis, on va mettre un autre fait, filtre pour dire bah, tiens, ce coup-ci, on va prendre sur 1000 Hz. Et puis après, on va reprendre encore un filtre à 750 Hz, etc. Bref, ça va permettre d'avoir des infrarouges plus ou moins énergétiques, on va dire, donc sur des bandes de fréquences différentes, et qui vont donc donner des informations qui vont se trouver euh, plus ou moins... Enfin, on va pouvoir voir plus facilement à travers des nébuleuses ou par rapport à travers des objets, euh, à travers les gaz qu'on va voir dans, dans l'espace. Et, et du coup, ben, en fonction de la fréquence, on va voir des choses différentes. Et, et du coup, ben, si tu donnes des couleurs différentes, à chacune de tes longueurs d'onde, bah, tu peux recréer une image en couleur réelle, plutôt en couleur visible, hein, ce n'est pas du tout de la couleur réelle, et donc tu peux faire des images vachement chouettes comme celles que fournissent la NASA. Donc, le truc, c'est que superposer les images en soi, ça peut sembler pas compliqué, sauf que bah, forcément, entre deux prises de vue, tu peux avoir un petit décalage, une légère rotation, parce que bah, le télescope, lui, il continue, il est en orbite autour du Soleil euh, en étant en orbite autour de la Terre en même temps. Hein, C'est ce qu'on avait vu le, la dernière fois. J'avais dit, moi bah, il tourne autour de la Terre, il ne tourne pas autour du Soleil. il dit, ben bah, non, non mais en fait, il a une orbite qui fait qu'il tourne autour de la Terre, mais à telle vitesse qu'en fait, il est toujours du même côté, euh, il est toujours à l'opposé euh, du Soleil par rapport à la Terre. Donc en fait, au final, bah, il tourne également autour du Soleil. Et, euh, et donc, bah, comme il bouge dans l'espace, bah, forcément, en, entre deux prises de vue, tu peux avoir des légers décalages. Et donc après il va falloir réussir à repivoter comme il faut les images pour qu'elles se superposent parfaitement et que les choses soient tout à fait magnifiques. Voilà, voilà, voilà euh, un petit peu pour l'idée. Donc euh... non, c'est mes potes à moi. Attends, oh, on... c'est mes potes à moi. D'accord, ok, très bien, Nako. <laughs> <laughs> euh, effectivement, voilà. Ah, ouais, t'attaques du loup. Voilà. Ouais, on s'amuse. Bon, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Euh, Lilbou qui découvre les points de chaîne. Et voilà, voilà. Tu suis sûr que plein de grains de blé. Bah, toc. Euh, J'y vais, Pizza Night, ça marche. Plein de bisous. Merci encore, Catherday, pour ta venue, pour ton enthousiasme, pour, tout, pour ton argent. <laughs> Et puis, euh, ma foi, à, à très bientôt. À très bientôt. Euh, bon, alors. On avait notre HDU qui était là, et moi simplement bah, j'affiche HDU. Alors, pour ne pas qu'il m'embête, je vais mettre un underscore pour le moment. Et euh, parce que pour le moment, sur les HDU, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc on va juste mettre ça. Et on va voir que normalement, si je dis pas de bêtises, il ne doit nous afficher aucun HDU, juste le nom du fichier, et rien d'autre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on n'extrait pas les données du fichier à l'ouverture. Si je dis pas de bêtises et que je fais ça. Effectivement, et que je remets tout ça sur une ligne propre, on n'a que euh, le nom du fichier, on n'a pas de HDU derrière. Alors, ça, ça vient du fait que ici, quand on fait notre preload, donc, hop, ici, et eh bien, moi, normalement, je fais mon let file new pass. Ensuite, je devrais faire un file point extract data. Voilà. Et ensuite, je fais mon push, euh, push file. Alors, le self, na, 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 file as. Cannot borrow file as mutable, as it is declared as mutable. Peut-être que je fasse un let mute file. Voilà. Et du coup, il fait son petit truc. Alors, techniquement, on doit avoir un let result, maybe an error variant. Donc là, il faut au moins que je fasse un if euh, let... Il n'y euh, a pas de parenthèse. Donc let OK. Ça, on s'en fout. Est égal à ça. Donc, si on a réussi à extraire les données, alors on les ajoute plouc, dans le fichier, ben, dans la liste. Et là, YOLO. Impeccable. Et maintenant qu'on a ça, cette fois-ci, si je relance cette petite chose-là. Donc, je viens là, j'ouvre mon fichier FITS, hop, ici, ouvrir. Et là, on voit qu'effectivement, il y a tout un tas de HDU. Dans tête qui ont été de blocs de, de header data unit qui ont bien été chargés dans le fichier. Alors maintenant ce qui va être intéressant c'est de pouvoir identifier quels sont ces HDU. Donc en fait il y a un, un attribut dedans qui s'appelle extension et qui permet de savoir est-ce que c'est une image, est-ce que c'est d'autres données, etc. Donc ça on va essayer de compléter un petit peu les informations par rapport à ça dans l'HDU directement et, euh, et ce sera plutôt euh, ce sera plutôt cool. Euh, à la prochaine, Caterday. Au-dessus, il n'y a pas de rust embarqué sur le JWST. Bah, en même temps, c'est normal, je vais pas s'emmerder. Euh, tu as des méthodes isOK -okay et isR si tu t'en fous de récupérer les résultats des variants. Euh, ah, donc ça veut dire que je peux faire un truc du genre, euh, pas ici, mais là. Donc, ce que tu me dis, c'est que je pourrais faire un if un file extract data Is, ok. Oh, nice. Et du coup, je fais ça. D'accord. Ouais, oui, c'est pas mal aussi. C'est même mieux. C'est même mieux, effectivement. Ça me plaît bien, ça. Oui, ça, ça me plaît bien. Merci, euh, Physics. Euh, du JS à bord. Holy shit. <laughs> il va nous retomber sur la lettre. Écoute, pour le moment, il fait quand même du plutôt bon boulot. Et alors, je sais pas en, dans quel cadre est-ce qu'il y a du JS euh, dessus. En quoi ça peut être utile peut-être pour de la oh il y aurait ah si oh, il, y aurait une... il y aurait carrément une, une interface web ah, c'est pas ce serait pas déconnant hein, qu'il y ait une... une interface de paramétrage euh, sous la forme d'une interface web pour ensuite euh, euh, injecter des données ou configurer certains paramètres etc ou alors la liaison forcément ça va pas être de la fibre hein, mais, euh, mais ça pourrait être intéressant c'est dans l'article, regarde l'article, c'est exécuté à bord. Mais putain, l'article, l'article. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un article. Excusez-moi, excusez-moi. Ça va. <laughs> Alors, où est-ce que vous avez vu du geste Activity JavaScript, SE Operations. Donc, Operations Script System. Custom JavaScript, Language Extension, Light Software. Alors as the documentation is controlled by scripts written in javascript Alors là je vous avoue je comprends pas beaucoup ils ont fait ça en javascript Non mais tu vois éventuellement tu as une interface un front pourquoi pas, tu te connectes comme si tu étais enfin, avec une appli Web à ton, ton satellite, hein, pourquoi pas Mais qui a, qu a des routines carrément écrites en JavaScript hmm, je, 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 ouais, je sais pas. Il y a sûrement une raison, hein, mais euh, je n'ai pas le temps de dire là tout de suite maintenant. Euh, oh gosh, c'est du JS sur le satellite complot zone 51 confirmé. <laughs> ouais, non, mais on est d'accord, maître Yo, je suis assez d'accord avec toi. Salut, AzlabDev, bonsoir à toi et bienvenue euh, donc, 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 continuons. On a notre petit truc, on a nos, nos HDU qui sont là, c'est cool. On va refaire un petit peu le même système que l'autre coup, c'est-à-dire qu'on va générer l'image. Re, Aléo. Alors, ce repas, c'était quoi ce soir Parce que 14h, donc c'était pizza. Euh, et alors toi, qu'est-ce que tu t'es fait de bon ce soir, ma chère Aléo Et donc HDU, quand on clique dessus, on va générer l'image. Oui, 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 oui. Donc, je viens, je viens, je viens. Et donc là, donc j'ai mon truc là, la UI label. Donc là, je vais appeler ça un let euh, hdu Ou je vais mettre lbl. Voilà, lbl hdu est ça. Et ensuite, ouf, if. Alors je sais qu'on pourrait tout mettre sur la même ligne, mais j'aime pas trop. Euh, hdu. .is. Non, c'est pas is, c'est clickade tout simplement. Voilà, et donc là, on va se faire un self. Point euh, generate picture. Oh oui. euh, on va faire ça dans un premier temps. On va se rajouter ici un pen. generate picture. Ah en même temps, c'est chaud. C'est chou patate parce que j'ai besoin de connaître le file en question. Euh, et le HUD en fait. Le HDU. Pour le moment, le generate picture, je l'ai mis dans... Ça ne restera pas ici. Hein. c'est Parce que techniquement, ça n'a rien à foutre là. Euh. Quoi qu'il est là. Ouais. Et ça s'appelle... Oh, generate picture, c'est directement dans fix file. Ah oui, donc en fait j'ai même rien à faire. En fait, dès que je clique sur un HDU, on va faire un file. Oh c'est moche, mais c'est pas grave. Un file.generatePicture. Ou oh, quel que soit celui sur lequel on clique, c'est pas grave. Et donc ça, hop, j'enlève. Youp. Et donc normalement, maintenant, si je fais ça, terminer la tâche. On va fermer notre petite fenêtre ici. On va se mettre notre petit machin là. Hop, lui, le GWST2, je le supprime. YOLO. Euh, J'ai pas l'impression qu'il me l'ait relancé, lui. Nope, il ne l'avait pas lancé. Euh, brocoli mixé avec crème fraîche et oignon. On met un œuf normalement, mais j'en ai plus. Et on dessert brique chocolat banane. Nom d'un petit bonhomme. J'ai pas vu qu'il y avait autant de lignes de code. Oh, bon, on a quelques-unes, mais il n'y a rien de bien méchant. En oh, mine de rien, on a fait du taf hein, euh, depuis, depuis le début de l'année. <laughs> je crois qu'on n'a jamais codé autant sur les moulins. Hein. Euh, alors, je fais ouvrir. Hop, je clique sur moi. Je dis, tiens, celui-là. Ça ne passe pas grand-chose, hein, j'ai l'impression, moi. Moi, bon, j'ai l'impression que le cliquet de... Tintin... Il ne se passe clairement rien. Ok. Alors, why? Pourquoi est-ce que rien ne se passe? On a bien fait notre label machin, j'ai bien fait if label hdu.clicked. File generate picture. So it's file, qu'est-ce qui se passe dans le generate picture? On a le self.hdu.len. Ah pardon. Qu'est-ce qu'il y a J'ai figé Non Ah Expulsé du serveur, rien que ça. Bah ouais, ah, D'accord, bravo, bravo. Je vais faire un print Hélène euh, ici, oh, histoire de, de dire, tiens, est-ce qu'on passe vraiment bien par là Parce que ça me semble bizarre, je vois pas le je vois pas le truc qui pourrait, euh, qui pourrait mettre la zone là. Ou alors j'ai tout pété, sans le savoir. Euh, tu penses que quand tu auras fini le projet, tu pourrais faire un VOC live ou non, pour faire récap et approfondissement de certaines choses Mais bien sûr, ma chère Anna, bien sûr. Évidemment. Oui, je pense. Et d'ailleurs, ça pourrait être le, le cas juste, en même temps que le dé débrief. Oh, il y a un oui. Mais oui, mais bien sûr. <laughs> Est-ce que je suis quelqu'un de, de têtu, de borné, de tout ça, tout ça ah, Ma femme, elle dit, je suis parfait, vous voyez. Euh, clairement, l'événement clic ne se produit pas ici. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une UI à l'intérieur de l'UI, qui est lui-même à l'intérieur de l'UI uh -huh. Ah, ou alors est-ce qu'on ne peut pas cliquer sur les labels ah, C'est possible. Il n'y a peut-être pas d'événement clic sur les labels. Je vais essayer de faire un button à la place. Just to see. Ce traitisme ce serait-il possible que ce soit ça On va voir. Euh... Ah oui, sinon pour l'école, j'ai bien aimé. Ça fait voir vraiment plein de choses. Construire un proco et l'exploiter à faire du web et un dev... Ok, et aussi des maths qui sont une partie importante de la formation. <laughs> euh, j'ai bien senti passer. <laughs> ça fait du bien quand c'est fini. Ouais, je viens de croire mon petit mélion enfin, Je dis mon petit, mais c'est peut-être ma petite après. Enfin voilà, je... Ouh. Je ah regardez attention yes c'était ça et là on a bien notre JWST2 avec notre image non c'est normal hein. le, le filtre est saturé parce que pour, pour le moment les seuils sont pas, pas définis comme il faut le, le seuil a été redéfini pour, euh, pour, 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 pour. Oh. Oh, on va y arriver Hop, pour celle-ci euh, allez ouais, on se le tente quand même ah merde c'est pas ça que je voulais faire me fait tromper va vous faire un fichier voilà euh, touc, 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 touc. on a dit le nircam voilà. donc on a notre petit nircam ah par contre j'ai pas de faudra qu'on fasse une scroll voilà Et donc là si je clique ici fouc, forcément c'est un petit peu plus long à générer ah d'ailleurs ça a tout bloqué même le stream ça se trouve non le stream a l'air de continuer à passer c'est bon euh... <laughs> dis moi si ça ça a figé il a eu, a un peu. Ah, il y a eu un petit fil... Ah, ah, ça a été un petit peu, euh, un petit peu violent apparemment. <laughs> bon, ben c'est parfait. Voilà. Et donc, comment Comment ça, c'est moi. Ah non, mais par contre, il n'est pas passé, lui. Ouh, intéressant. Ou bon, alors, il n'a pas encore tout à fait fini. On va le laisser faire, bon, un petit peu. Euh, alors, alors, qui c'est qui ment euh, elle ne ment pas très bien quand même ta femme. <laughs> ah, et pour une fois c'est positif. Euh, comment C'est Anako. Elle dit que tu mens quand tu dis que je suis parfait. Elle dit qu'elle va te péter la gueule Anako. <laughs> elle aussi elle est violente tu sais. J'ai appris ce soir que j'ai fait un échec def en informatique. Du coup je commence, je recommence en électronique. Euh, Qu'est-ce que tu appelles un échec def, mon cher Karia euh, Ta première intuition était la bonne, c'est bien mon. Ah, ok, on est d'accord, ce million. Oui, euh, ça a bloqué le stream, histoire de quelques secondes. Ah, ouais, quand même, si tu def sur Windows en temps normal. C'est pour les besoins du projet. Ah non, 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 je, dev... ah, je suis un utilisateur de Windows euh, global. Euh, je travaille sous Windows, je joue sous Windows, je vis sous Windows. Et puis, de temps en temps, quand j'ai des trucs à faire sous Linux, je vais sous Linux. Mais voilà. On... J'ai de... eu un Mac quand... dans ma jeunesse. Voilà. Euh, mais je n'en ai absolument pas le besoin. Donc, euh, pas de Mac. Et puis, euh, Linux. Euh pas pour la vie de tous les jours en tout cas pas pour ma vie à moi de tous les jours je, bon, bon, je suis très bien sous Windows ça me, ça me va très bien euh, ah quand même <laughs> ah bah tu sais hein. <laughs> échec définitif plus le droit à de... ah, carrément comment ça plus le droit de suivre le cursus ça veut dire quoi Caria c'est genre euh, t'as redoublé du coup euh, t'as trop redoublé et donc, tu peux pas faire la formation et tu es obligé de refaire une autre formation complète Tu te drogues à Windows. Salut, Kakashi Attaqué. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Euh, euh, je ne ah, je dirais pas jusque là, je me fais pas des lignes de Windows, mais ce que je veux dire, c'est que ça correspond à ce que je fais. J'ai mes habitudes d'utilisation dessus, ce qui fait que du coup, bah voilà, quoi, ça va tout seul. Go faire des threads maintenant, du coup. Ouais, attends, les threads, on va, on va, on va, on va se détendre. Hein. Euh, as commencé sous Windows combien Moi Bah, dos <laughs> <laughs> à la base, j'ai commencé sous DOS. Hein, euh, ensuite, il y a eu Windows 3.1, 3 3.11. 3 je peux dire que j'étais trop jeune pour savoir hein, si c'était le 1 ou le 11. Euh, et puis ensuite, j'ai été tous su. Euh, mais sachant que j'ai aussi travaillé sur de l'Olivetti, enfin, je dis travailler. Dans ma jeunesse, j'ai eu un Olivetti, donc c'était même pas vraiment un DOS, c'était encore autre chose. Euh, j'ai eu donc au niveau des Mac, j'ai eu un Performa 400 avec Itis comme système d'exploitation, donc c'était avant les Mac OS. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai eu d'autre après, bien évidemment? J'ai eu du Commodore 64, 128, euh... mais sinon, ouais, ça, on va dire à peu près ça. Voilà, 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 voilà. J'ai plus le droit de faire un bachelor en informatique. Qu'est-ce que t'as chié, Caria, pour te faire bouler de la formation d'informatique Franchement, c'est quand même plus facile que la formation électronique, quoi. Il a été trop curieux, le pauvre. Raté deux fois le module de maths. Ah, putain, c'est ça, c'est les maths. Salut, curieux Bonsoir à toutes et à tous. Salut, moulin Moi, je me drogue à Linux. Chacun sa cam. T'as commencé de se caler Windows is the new. Tu as quel âge <laughs> C'est pas faux. C'est pas faux. Euh, si c'est l'informatique qui t'intéresse, c'est toujours moyen d'en faire ton métier une fois un diplôme en poche. Ouais, bien sûr. Euh, je suis un peu comme toi, je j'utilise Windows 90% du temps, mais Linux est tellement bien pour dev. Tout est facilité du coup. Je fais tout ce que je peux sur Linux. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai fait une crise de panique à l'examen. Ah merde, mon pauvre Karia Oh ah là là, moi à Unreal Engine. Oh, oui. Moi je pense à Unreal Engine. Ah oui, toi tu te drogues à Unreal Engine. Mais parce que tu joues beaucoup, quelqu'un s'est attaqué Ou alors parce que tu devs du jeu vidéo surtout Ah, alors là voilà la question. Ah oui, c'est bien ça, il était en train de bosser. Donc là il nous a régénéré notre image de tout à l'heure. belle petite image. Donc effectivement, qui est un peu plus grosse et qui méritera certainement à n'en pas douter d'avoir un petit traitement multisrédé d'une façon ou d'une autre mais ça on verra dans un second temps essaye d'apprendre ok ça marche euh, en soi, dans l'électronique donc oui il me semblé avoir remarqué ça euh, mon car il a ton goût pour l'électronique euh, j'ai entendu que tu étais massé quelle histoire alors là curieux je, je ne comprends pas j'étais massé euh, que tu étais massé Curieux, je, 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 je ne sais pas. Je, 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 je ne sais pas, je, je ne comprends pas ta phrase. <laughs> Ou alors maquée. <laughs> ah. Ouais. Alors du coup, tu as, c'est quoi, tu as pour trois ans, Karia euh, Il a pété un câble avec la concurrence en Rust. Alors on se fait masser, Monsieur Moulin. Ah oui 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 je suis maqué, effectivement j'ai une femme incroyable fantastique merveilleuse aimante que j'aime beaucoup qui est juste en face de moi donc je peux dire que des compliments mais mais en même temps qu'est-ce que j'ai d'autre à dire que des compliments pas grand chose en fait je suis amoureux fou je l'aime passionnément ça fait bientôt dix ans que ça dure et j'espère que c'est que le début. Voilà, voilà, voilà. <laughs> Et euh, on se fait masser, monsieur Moulin. Bah écoute, euh, qu'est-ce que t'en penses <laughs> Non, là, elle est là en train de creuser son trou, là, pour le moment. Euh, c'est vrai Le trou de ma femme commence à ressembler à quelque chose, c'est vous dire. Euh, tu disais pas ça quand elle tiancé. C'est même... vrai. <laughs> non, en plus, c'est même pas vrai. J'ai pas été désobligeant parce que je comprends hein, qu'elle veuille faire une sieste et tout. Retour du stream dans 20 minutes. Ouais, c'est clair. Ce regard. Elle <laughs> une femme parfaite, c'est tout. Le trou... Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux Ah, c'était un peu voulu, mais bon, elle est, elle est en train de jouer à Troulicube, cube là. Tu vois, elle fait du Minecraft. Elle est en train de faire un gros trou dans la montagne et, et d'habiller le, le trou en question pour en faire une espèce de ruine de ruine à l'EI d'Oblivion. Voilà. Euh, félicitations pour la durée de ton mariage. Ah oui, Pierre, attends, je te dis, c'est que le début. Hein. Bon, après, je suis un petit peu déçu parce que j'ai vu un petit couple de vieux, ils fêtent leurs 70 ans de vie commune. Euh, J'aimerais fêter ces 70 ans de vie commune avec ma femme. Malheureusement, j'aurais 100 ans à peu près à cette, cette époque-là. Et donc, je suis pas sûr d'être encore de ce monde <laughs> à ce moment-là. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être chaud, quoi. <laughs> vais <laughs> tenter, mais sans succès. Comment t'as fait Bah en fait, elle était déjà gameuse quand je l'ai rencontrée, donc euh, surtout sur WoW, euh, donc World of Warcraft, hein, pour euh, ceux qui connaîtraient pas l'abréviation. Et euh, Et voilà. Et donc j'ai réussi à la, à la tirer l'attirer à Minecraft en fait en lui montrant des vidéos de roi où euh, il construisait des trucs complètement pétés. Et là, elle a fait oh, "Je vais essayer." Et donc euh, tu nous fais un serveur et voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et maintenant, c'est euh, tu nous loues un serveur <laughs> <laughs> et, euh, et voilà, donc on a notre petit monde tranquillou, puis à côté de ça, toujours un petit peu de wow, elle aime bien les, les Elder Scrolls, elle aime beaucoup, et euh, World of Warcraft, exactement ça, euh, Je vais changer de sujet, mais tu en penses quoi de l'amour ne dure que 3 ans la, je, je pense que c'est... Enfin, nous, on est peut-être un cas particulier, je sais pas, je pense que ce qui est dangereux avec le temps, c'est la routine. Et la routine peut peut-être amener à... Donner l'illusion que bah, c'est plus pareil. Alors effectivement, il y a peut-être des choses qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que quand, quand on s'est rencontré, c'est nouveau. Donc les, les sensations, on va dire, ne sont pas les mêmes. Parce qu'effectivement, c'est euh, quelque chose de nouveau. C'est un nouveau contact avec une nouvelle personne, etc. Et donc, il y, a, il y a plein de choses que tu découvres assez régulièrement. Et c'est vrai qu'au bout de trois ans, bah, normalement, tu as fait un peu le tour de la personne. quoi. Mais est-ce que pour autant, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de a plus sentiments ou de choses comme ça Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis toujours incroyablement amoureux. Et, et en fait, je, je, je ne conçois pas de, de vivre sans elle, quoi, si tu veux. Donc. C'est <laughs> ma apparemment. <laughs> ah, ça fait 5 ans que je suis en amour. Ouh, du C, donc c'est des conneries. Oui, ah, c'est autre chose, car il y a effectivement <laughs> la belle histoire de Geek. Ah, puis attends, si tu savais, c'est encore bien pire que ça, Yod. Euh, elle est sur quel royaume Sur WoW T'en es euh, quelle extension, toi T'es sur la dernière, de toute façon. Alors, le royaume, c'est quoi les clairvoyants. les clairvoyants, apparemment, mmh. ou oh, un truc dans ce goût-là, c'est pour ça que Rust fait une nouvelle édition tous les trois ans <laughs> d'Alaran Power <laughs> euh, avec un dev pro comme toi, tu craques tous les jeux, et eh ben même pas curieux. Vois-tu, je ne craque pas les jeux de manière générale. Alors, je dis pas que ça m'est pas arrivé euh, il y a euh, quelques années de ça, mais c'était un temps jadis, tu vois, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et euh, allez-vous, oh, elle est plus sur IJAL Ouais mais Jacques c'est un peu surpeuplé. Ouais c'est surfait, c'est surpeup, Ijal, elle est où C'était surpeuplé. Sur <laughs> ah, pareil ma femme renommée RTX. <laughs> Tu me redonnes espoir. Voilà, ben mais en fait, euh, cligne des yeux si tu es pris en otage. <laughs> Salut Draconise. Écoute, ça va bien et toi <laughs> ah, Moi, 19 ans avec ma compagne. Ben voilà, vous voyez, bien sûr. Je cherche encore ma demi, j'ai un peu de temps en vrai. Ouais, et puis, euh, tu sais, moi, j'ai rencontré, euh, rencontré ma, ma chérie. On... J'avais quoi 29 ans. Donc, il euh, faut laisser le temps au temps. Et puis, voilà, c'est. Mais un jour, tu vas rencontrer la bonne personne et fait ah, voilà. Et, et c'est tout. Et en fait, le... Il n'y avait même pas à réfléchir, quoi. Pour l'un comme pour l'autre, ça a été, je pense, assez euh, naturel, en fait. Tout, je dirais, tout s'est fait naturellement, sur toute la durée de notre couple, tout s'est fait naturellement, jusqu'à l'achat de la maison, jusqu'à tout ça. On s'est jamais pris le chou, on ne s'est jamais vraiment engueulé avec ma femme. De temps en temps, euh, l'un grogne ou l'autre grogne, parce que... Euh, et une tasse qui a été mal rangée dans le lave-vaisselle, tu vois, c'est à peu près le niveau d'engueulade de, qu'on peut avoir. Hein? Je te martyrise? Vas-y, donne un exemple. Ah oui, alors ça, ça, j'avoue, c'est le truc qui me. qui peut m'agacer de temps en temps. C'est qu'en fait, si tu veux. Alors on va en parler justement. <laughs> T'as lancé le sujet. Euh, non, sans déconner, c'est vrai, c'est le truc. De temps en temps, je peux un petit peu euh, stressouiller un poil. C'est, tu vois, tu arrives dans une cuisine, d'accord Tu veux cuisiner. Et là, tout va bien. Tu dis, je vais prendre ma planche à découper, sortir mon couteau, je découpe mes machins, hop, je cuisine, je nettoie, je range. Tout va bien. Maintenant, phase numéro 2. Tu arrives dans la cuisine, tu veux cuisiner. Tu prends ta planche à découper. Ah, elle n'est pas dans le meuble. Ah, effectivement, elle est sur le plan de travail. Ah, il y a du poulet, du vieux poulet qui a séché dessus lors de la dernière découpe. Et puis, dans le vieux poulet qui a séché, il y a le couteau de cuisine qui a littéralement été fossilisé, collé à la planche à découper. Et là tu dis, ok, et qui c'est qui va nettoyer sa merde là Eh bien, c'est Bibi s'il veut pouvoir cuisiner. On va falloir faire tremper. Donc je ne vais pas pouvoir cuisiner tout de suite. Donc, ah voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Et là, en général, il y a un. Chérie T'as pas détruit ta planche à découper <laughs> Voilà, et à côté de ça, ma femme, tu sais, quand elle vient cuisiner, elle arrive Oh, la planche à découper est prête Oh, le oh, couteau est prêt Oh, la, la casserole est prête Oh, c'est vachement facile de cuisiner Et puis après. Oh <laughs> <laughs> c'est chiant parce qu'il y a des fois que tu laisses aussi la dans un état. La seule différence, c'est en fait, je prépare mon environnement avant. Oui, ben bah, moi je, je prépare pas mon environnement. Ah, j'ai vous la casserole mmh. Moi je sais que je vais avoir besoin d'une casserole, donc je prépare ça. <laughs> enfin bref, voilà, voilà le genre de... de, de comment dire D'engueulade de, qu'on peut avoir à la maison. Ça, ça se limite à peu près à ça. À tel point qu'un jour, j'ai une de mes amies qui nous a donné un bouquin pour nous dire vous savez, ça va pas, hein. c'est pas normal de pas s'engueuler. Pour un couple, c'est sain d'avoir des bonnes engueulades. Donc elle était un petit peu inquiète par, par rapport à ça. Et donc du coup, pour lui faire plaisir, on, on essaye de simuler des engueulades de temps en temps. Et depuis, voilà. a remarqué que bien avec sans oui, c'est vrai que depuis, elle a effectivement remarqué que c'était bien d'être avec quelqu'un sans avoir à s'engueuler tous les jours. <laughs> Moi, j'attends les avancées des IA pour un robot girlfriend. Oh, mon pauvre. Wing, c tout bonsoir. Merci pour l'abonnement. C'est gentil comme tout. Merci, merci beaucoup. Cinq mois déjà. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Mono, mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un robot girlfriend, Libou, Franchement, aucun intérêt. Aucun intérêt. Il y a des vaginettes pour moins cher. Hein. Et puis t as, t as, t as, ta main elle ira très bien. Hein. C'est la meilleure intelligence artificielle que tu trouveras pour faire ça. <laughs> J'ai ma, ma femme qui fait des grands yeux comme ça. On a un moment. Bah, franchement, euh, quelqu'un va dormir sur le canapé Non, non, non. C'est le chat qui dort sur le canapé. Elle aurait trop peur pour son chat. Euh, si ta femme est prise dans le sein, il cligne des yeux. <laughs> il est si la madame est coupable. Je dis coupable aussi. Salut <laughs> euh, S17 Non, on ne doit pas couper... Madame. Ah non, on ne coupe pas, madame. Non, ça certainement pas. Euh, pas en une fois. Oh. Ah là, là 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 Et donc, je ris, IRL, je suis fatigué. Mon <laughs> pauvre Aléo. Euh, ce soir, il y en a un qui va manger son clavier. Bah, en même temps, souvent, c'est moi qui fais à manger. Donc... Mais ce soir... Ce soir, je ne sais pas qui fera à manger. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on va manger, de manière générale. Faut ouais, on va faire une soupe, ce sera plus simple. Euh, ta moitié peut se rapprocher du micro. Nous aussi, on veut entendre ce qu'elle a à dire. J'ai bien compris le sujet de conversation, là. Bah, je lui parlais de... de comment de, de robot girlfriend. Moi, je lui dis, il y a plus simple et moins cher. Hein. Ce qu'on va manger. <laughs> Bon, allez, euh, trêve de plaisanterie. Euh, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'on affiche une image ici. Alors, on va travailler avec les petites dans un premier temps et voir si on peut effectivement mettre une image dans notre interface graphique. Alors pour ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on décompose un petit peu mieux notre, notre interface. C'est-à-dire que là, on n'a que des éléments qui se placent verticalement dans un central panel, donc des éléments qui se placent les uns en dessous des autres. Et donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter plusieurs choses. La première... Excusez-moi, c'est que je vais faire un UI.horizontal. En gros, là, c'est à peu près comme si on faisait du web. Euh, donc, un tac, un truc comme ça. Donc, mon UI YOLO YOLO YOLO. Et donc, dans ce truc horizontal, on va mettre un truc vertical. Donc, Ui.ticall. Premièrement. Qui, pareil, tac. Ui, hop, yOLO, euh, toc, toc, toc. Et donc, dans ce machin vertical, on va mettre tout ce qu'on avait mis précédemment. Donc, pour que tous les éléments s'affichent bien, effectivement, les uns en dessous des autres. Une fois qu'on aura fait ça, on va afficher à côté de ce bidule-là. Là, bloublu, 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 là. Tac, je mets mon point-virgule ici, et puis mon point-virgule là, parce qu'on a des gueulins. Là, on va faire un UI point. Alors, je ne sais pas si c'est image. Oui, c'est image. Et donc là, on a un texture ID et un size. Alors le texture, donc là il va falloir qu'on regarde un petit peu comment ça fonctionne parce que là je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc allons voir un petit peu comment ça marche les images avec e G8. Je remonte encore en arrière, hop là. Et pendant bon, ce temps-là, Uber eats. Bah, Uber eats à la campagne ça va être chaud quoi, je pense. Faut pas insister à la ramener à belle maman dans ces quatre figures inadmissibles que la planche a découpée de soi pas. Entre... <laughs> ah, ah. <laughs> du callback hell de JavaScript, ouais, c'est pas faux au physique. On est assez d'accord. Je... Ça, c'est le truc que je trouve un petit peu dommage. Je vois pas pourquoi est-ce que tu dois repasser à chaque fois la callback. Ça, pour le coup, ouais. ça, ça pourrait être fait, euh, je pense, différemment. Serial euh... Windows retain image. Alors, est-ce qu'on aurait un truc là-dessus Donc voilà, qu'on a une image ici. Donc, comment est-ce qu'il nous fait ça euh, blu, 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 blu. donc on a un self-image.show donc là le self-image c'est l'image qui est dans notre structure on a un retained image, image. donc c'est dans les ejui extra retained image okay. on a un tint ejui color 32 why not euh, le default qu'est-ce qui se passe dans le default on a un from image byte et donc là on lui donne directement le fichier à ouvrir donc ça techniquement on saurait faire euh, on saurait faire, oui 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 oui. Et puis, euh... ah, il fait un self. Image. .show et il passe UI. Ah oui, oui parce que je dois, je dois avoir une méthode show. Ah, dans retain image, je dois y avoir un truc show, je suppose. Ah, hein, comme c'est un retain image qui fait partie de EGUI Extra, c'est possible que du coup il sache faire tout seul. Et donc il fait un add EGUI Image 2.2.new, ID. D'accord, avec le contexte. Hmm. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des rotations. Hmm. Ça va peut-être être un peu plus compliqué que, que je ne le voulais. Mais bon, on va voir. On un petit peu. Euh, faut le faire pour reprendre des erreurs de JS qui est en lui-même une erreur. <laughs> Comment tu fais pour coder en réel et en plus le code marche? Euh, oh, le fait d'être prof n'y fait rien. Hein. C'est juste que, puis bon, c'est du code dégueu que je fais hein, comme. Euh... <laughs> c'est pas du code, c'est pas du code super limpide quoi. Donc. Euh... Puis là, c'est de la découverte, puis c'est quand même pas compliqué ce qu'on fait. On passe quand même beaucoup de temps pour faire un truc extrêmement simple. Je suis sûr que allez, normalement, en deux lives, on aurait dû finir avec du C. Ah, et sans vous. Ce que je veux dire, c'est qu'en une journée, c'est un truc que tu peux coder, quoi. Peut-être deux, les deux jours. Mais pas... Euh... Il a tout record. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, ce que vous voyez... Là, je vous fais genre... Mais en fait, vous ne voyez jamais, ma main a touché la souris. D'accord Et donc là, si tu veux, tu vois, étonnamment... Euh, bah, la souris elle bouge quand même à l'écran alors que j'ai les mains en l'air. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ça en fait c'était filmé. C'était filmé en avant et simplement je me mets en surimpression d'une vidéo. En fait c'est comme Villebrequin. C'est tout un fond vert. Je suis un fond vert. je peux traverser le micro. Ah là là. Bon. Il y avait un, un, un gars qui avait fait ça, un prof justement, où il avait, euh, avait préfilmé plein de trucs. Et notamment, je crois, son écran qui se faisait bouffer par un Pac-Man ou un machin comme ça. Et c'est très, très rigolo parce que c'était ultra interactif. C'est-à-dire qu'il pouvait interagir avec, mais en fait, il n'interagissait pas. C'est juste qu'il savait à quel moment il fallait faire une action par rapport à sa vidéo. Et, euh, et puis voilà. Et moi, je pleure avec JS. Mais pas sa TypeScript, Call Freeze, qu'est-ce que tu fais encore avec du JS, Vanilla euh, Ah, on est d'accord, S17 C'était vraiment cool ce qu'il avait fait. Et euh, ouais, en fait, c'est Madame qui code et puis moi, je fais que commenter. Et si elle code bien, elle aura à manger. <laughs> bon. Alors, on nous veut une retained image avec un from image byte. J'avoue que j'aurais bien voulu essayer de, de choper directement les datas. Alors en même temps, from image bytes. Hmm, ça c'est intéressant. Parce que là, bon, lui, il prend un fichier et il fait un include bytes. Donc, j'aurais, ah, il faut, faut qu'on aille voir, faut qu'on aille voir la doc de ce truc-là, parce que ça se trouve, en fait, on peut peut-être directement lui donner un, un tableau de bytes. Et ça, on est capable de le faire, nous. On est des gens vachement habiles et astucieux. Euh... Et ça, c'est peut-être juste le nom de l'image. Donc je ne sais pas. Il qu faudrait qu'on voit, il faut qu'on qu voit un petit peu la doc. Je vais aller voir un petit peu si là on peut chercher retained image. Est-ce qu'on est qu nous donne quelque chose là-dessus Non. D'accord. Alors si je cherche directement retained image GUI. Euh, In GUI x rays. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit On a le fn from image bytes. On a bien le debug name. Et on a les image bytes qui est un et 8 Voilà voilà. Et si je ne m'abuse, ceci, c'est un slice de U8. <laughs> Une référence plutôt sur un slice de U8. Donc, 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 donc. Recreate the major feature. You must also obtain the mass format. Ça, je m'en fous. Parce que techniquement, si je donne mes U8, bah, il a rien à faire le coquelicot. Alors, j'ai un from image bytes, from SVG Bytes. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement un From RVB Bytes Non, on peut pas. Blablabla, bla bla. Chose size. J'aimerais bien, ouais, je ferais bien l'essai quand même du donner directement. Euh, ce soir, LMD mange du poulet. <laughs> le, le, le poulet séché raclé sur la planche à découper, c'est simple, frit. On a attendu, madame, on a entendu, je ne madame Queen, laisse la cligner des yeux devant la cam, monstre. <laughs> Je ne suis pas un monstre, je ne suis qu'amour avec, euh, avec ma chérie. Donc, voilà. Et elle confirme, sans menace. C'est pour ça qu'on se frappe. <laughs> ah oui, alors, le délire de ma femme, c'est de me frapper en enfin, pas de, de simuler des frappes. Je sais pas s'il y a un message, mais tu vois, elle arrive comme ça, elle me fait. <laughs> voilà, c'est... Et de temps en temps, elle me met des coups de boule. mais des vrais. Bon. <laughs> Notamment dans la file en course, tu vois, on attend, on attend à la caisse, puis il arrive, bon, un coup de boule. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est comme ça, oh, c'est... Comment, plaît-il C'est pas, pas des vrais Ah ouais, ah, c'est pas des vrais. J'ai trois bosses dans le... derrière la tête Ha oh, ha <laughs> elle vient d'avouer qu'elle me cognait la nuit. Voilà. <laughs> bon, tout ça pour dire que ce qui serait bien, c'est que dans un HDU, on puisse avoir une méthode ici donc on va faire un pub fn et là je vais mettre un get euh, je vais mettre image by voilà on va faire un self et en fait ça va nous retourner un est ce qu'on le fait en result ou en option Techniquement, option, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que ça va être option. On va faire un option de... Alors, je ne sais pas si je fais un vec de 8 ou directement un E de 8. Je vais tenter le E de 8. Ah, c'est pas malin le E de 8. Non, ça, 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 ça pue la connerie, ça. En même temps, ça veut dire que je vais copier... Hmm. Je pense quand même qu'on va on va donner un vec de 8. Euh, comme ça. Je tenterais bien un truc dans ce goût-là. Et puis... Ne euh... me cherchez pas, je suis parti. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé Allez, Ah, oh <laughs> C'est un, un, un les poulets. Euh, plaisir sadomaso, c'est bizarre. Non, en général, ma femme, c'est plutôt bizarre. Mais... Euh... Depuis un moment je crois que je regarde une chaîne extraterrestre, je comprends rien à ce que dit le gars dans l'écran. C'est possible C'est la connerie qui pousse Mais chercher. C'est la connerie qui pousse ah, Je suis perdu là. Je... <laughs> Mais quand tu vas voir la livraison d'une statue en forme de X pour la chambre, sauve-toi ah non, 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 non mais on fait pas de trucs sadomaso. Hein. ça c'est pas, pas le deal de la maison, ça. C'est pas le genre. <laughs> résulte, c'est plus pertinent, tu penses? Euh, les boss derrière la tête. Ah oui, par rapport à ça, ouais, non, non, mais ça, je propose un reset du chat. <laughs> ah, tu vois, je sais pas, j'avais tendance à me dire, est-ce que c'est parce que résulte, euh, le option, il y, y a le none quoi. Soit je récupère somme quelque chose, un hein, somme vecteur 8, soit je récupère rien, mais c'est pas forcément problématique parce que par exemple, t'as des HDU qui correspondent pas à des images. Est-ce que pour autant on veut paniquer parce qu'on n'a pas des images Non. Euh, c'est juste que bah non, ça nous donne pas le bon truc, c'est pas un HDU qui permet de le faire. Donc je sais pas euh, par rapport au, au, au résultat. Alors, techniquement, est-ce que ça change vraiment grand chose Je sais pas. Euh, soyons sérieux, exactement. Qui aime bien châtie bien Mais qui aime bien les chats Franchement, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Bon. La question n'est pas là. La question est que nous avons un let... Euh, je vais mettre bytes. Est égal à vec de U8. Non, c'est un... Si. C'est un... Je sais plus, je sais plus, ça y est, je suis perdu. Ah euh, c'est quoi, c'est deux points points, non, ça peut pas être deux points deux points Ah, je sais plus, comment est-ce que je fais mon vec de 8 Ah, ou alors non, je peux le faire comme ça, je peux faire égal vec 2.2.8 ah, 2.2.new ça marche ça, on est d'accord et normalement je fais un return sum bytes et là tout le monde il est content oui, ok, donc là on est bien maintenant le problème qui va se poser c'est que dans mon fit files cette partie là en fait, je pense que je ne l'ai pas fait au bon endroit. Le... le read data... Ah oui, non, mais, non, mais si, ça c'est bon. Non, je dis des conneries. Euh, le read data block, etc. Qu'est-ce que ça me donne Ça me dit quel HDU, les data count. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, des data Ah, on les renvoie, oui, c'est vrai. Enfin, on fait en read HDU data. Donc, en fait... Euh... Hmm, peut-être pas le mettre là ça peut-être plutôt le mettre dans le fit file tout simplement et on va indiquer quel hdu nous intéresse je sais pas si c'est bien logique tout ça on verra on verra on verra on verra et donc je vais le mettre ici voilà. donc par contre ce qu'il me faut effectivement c'est comme pour ce ah mais alors fou qu'est ce que j'avais mis moi pour le j'avais fait un hdu de point de point et de hdu ok on va faire ça aussi donc ça et donc virgule hdu de points et de hdu donc comme ça je lui fournis le HDU duquel je veux obtenir les images euh, ben, les bits qui les octets qui composent l'image et ensuite, il faut que 1 je fasse mon read euh, enfin, mon extract data. Donc je pense que c'est ce truc là. Get data from file. C'est ça. Donc il me faut ce truc là. Donc self point ça. Euh, et donc là moi je donne hdu. Ça, c'est censé me retourner. Ah, mais tu me dis, oh là, j'ai retourné un résultat pour le coup. Donc, si j'ai mis un résultat, si je peux avoir un fit file error, je devrais peut-être faire un résultat aussi. Euh, donc, nous, on va faire un if let OK de data, est égal à ça. Je ne vous lis pas en ce moment, hein, je suis désolé. Euh, alors, une jolie croix de Saint-André, ce serait bien dans un coin de la chambre. Une croix de Saint-André Ah tiens, n'est pas trop trop religion, moi, non plus. Le Saint-Patron de qui Ouais. Ma femme demande c'est le Saint-Patron de qui euh, Ah ok, je comprends l'option alors. Ah ah ah, tu vois. Les mémères achats, pourquoi <laughs> Le prof fatigue, c'est pas faux. Euh, mais moi, je les aime bien accompagnés de pommes vapeur et cèpes dans un bain bien chaud de vin et aromates. On parle des mêmes achats, euh, marie <laughs> Ton code est noyé dans les commentaires. Oui, t'as vu, c'est plein de commentaires. J'ai tout, mais, mais tout, est, tout est très clair. Hein tout est très clair. Euh, D'ailleurs, quand tu dis ça, euh, je me rends compte que j'en ai quand même pas. Ah si, j'avais commencé à en mettre, je savais bien. Je savais bien que j'avais... Ah, tu vois, regarde, 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 incroyable. J'avais commencé à les mettre, puis je n'ai pas, pas fini. Euh... Ce pas, pas bien. Pourquoi j'ai cherché Croix de Saint-André sur Google Oh merde, c'est six fois rux que ça, Léo. Et <laughs> donc les coquins, c'était quoi cette histoire Bon, si j'ai mes data, donc c'est un HDU data. Et dans le HDU data, euh, normalement je dois avoir un euh, alors du coup c'est... Je vais mettre HDU data. Euh, HDU data. Voilà. Oh oh, qu'est-ce que t'as fait T'as recherché Croix de Saint-André Je crois que ma femme vient de chercher également. Elle dit Seignette Qu'est-ce que tu as trouvé Je vais chercher, mais je vais pas chercher en en, 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 en... en... Je vais pas vous afficher. Ça me fout franchement les jetons là. C'était quoi la croix de Saint André C'est une croix en forme de X. Bon, ça va Son nom provient de la forme de la croix qui aurait été utilisée selon la tradition pour supplicier Saint-André. Ah, donc voilà. Ce symbole a été utilisé par de nombreux pays européens. La croix de Saint-André est parfois appelée croix. Ah j'ai pas alors ne jamais faire une recherche mais sur tu, Google tu images. Toi t'es allé sur. Ouais. <laughs> <rises> euh, non j'avais pas de soucis moi sur. Euh... En fait je suis en train de penser à la croix de Saint André je connais mais sur les, les garde gardes corps quand je faisais des croix des gardes corps souvent c'est une croix avec un rond au milieu. Bon, on, est, on, est, on est plutôt pas mal. là. Il y a des drapeaux et tout ça. La croix de Saint-André, terme technique, sécurité en laboratoire. Vous voyez Tac. Le pavillon rouge, la signalisation, les additions, soustractions. Est un dispositif sur lequel on attache les suppliciers sous l'ancien régime. Ah voilà, c'est ça, vous voyez, les gardes-corps dont je vous parlais. Ce genre de choses. Voilà. Typiquement, ça, c'est ce qu'on appelle une croix de Saint-André, justement. Ça me rappelle ça. Ça, je me souviens. On est fabriqué. Donc, euh... <laughs> ça, je m'en souviens. Bah, non, ça va, il n'y a rien de... Alors attends, je vais passer maintenant en mode image. Donc là, je ouais, cherche, je change. Non. Quoi, t'as peur que je viole mon esprit Non, j'affiche affiche, affiche pas sur Twitch. Twitch. D'accord, ok. Ok, ok. Il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, à 2-3, tu te dis, il y a un dollar à côté, un peu SM. Je vois une... Euh, une ça doit être une ça, un mannequin ça mais oui d'accord je vois des accroches sur certaines non honnêtement ça va il n'y a rien de y a rien de chaud quand même non ça va c'est tranquille non mais moi tu vois c'est là qu'on voit que moi j'ai un... ouais, j'ai des propositions de recherche qui sont faites par google qui sont zen quoi par rapport à toi ce que je vois hein? as un historique de recherche vachement sulfureux ma chérie <laughs> <laughs> Ta chaîne vient de me filer 10 grains de blé. Avec ça, tu cuisines quoi <laughs> On nous prend pour des poules. Mais non, tu peux faire des feux d'artifice, curieux. On apprend de tout. Ah, mais non, mais attendez. Eh, pas besoin d'aller sur Kipo Quiz, hein franchement. <laughs> euh, code, code, codec. Oh, c'est beau, 16-17. Tu peux transformer un résultat en option avec la méthode OK sur un type résultat, ce qui te permet l'utilisation du point d'interrogation... Sur l'option histoire d'extraire la donnée plutôt que de passer par un iflet. Oui, mais voilà j ai, j ai, En fait, j'aime pas trop l'histoire du point d'interrogation. Bah, je te dis, euh, physique, un... voilà. Donc, Je préfère dire Ah, ok, j'ai récupéré mes données. Hop, ok, donc du coup, j'en fais quelque chose. Pot, 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 pot. Pour le moment, en tout cas, on va essayer de le faire comme ça, et puis après, on verra. Donc, moi, j'ai mon HDU data. Alors, ce qui est vrai également, c'est que dans le moment, juste en dessous, on a un truc un petit peu similaire, c'est-à-dire que le getHDU to read unwrap. Ah oui, j'avais fait le point unwrap là. Oh, voilà. voilà. C'est ça. Ensuite, you get dimensions, etc. Donc voilà, donc, on va on va, on va reprendre tout simplement toute cette petite chose là. Voilà, je vais remonter un petit peu. Plop, 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 plop. On va revenir là-dedans. J'aime bien faire des plop, 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 plop. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, voilà, si on a bien un nombre de dimensions qui est égal à 2 sur ce HDU data. Alors techniquement, ça aurait même été bien de le faire avant, ça sert à rien, puisque en fait, cette information-là, elle la connaît avant. Euh, donc je récupère la largeur, la hauteur. Ensuite normalement j'ai mes data qui sont sous la forme de float32, ok. Et ensuite mon image, bah mon image en fait c'est mes bytes qui sont ici. Et ce que je vais faire c'est que plutôt que de faire une image ici comme ça, hop, ça je supprime. Pour la hauteur, la largeur. Euh... Ah mais attends, voir values, c'est déjà un vec de f32. Oui, c'est un vec de f32 et moi il faut que je le convertisse en vec de u8. Donc, pour chaque élément, voilà, plop, 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 Donc, ça, c'était quoi Let value, nanana, somme, sinon c'est 0, 0. Et donc là, j'ai ma couleur que je calcule. Et ensuite, le x, le y, rien à péter. Ça, je supprime et je fais simplement. Euh, bon, en fait, c'est mes, ouais, mes bytes. Donc, je fais bytes. Ouais, vous si vous entendez un bruit chelou derrière, c'est rien, c'est l'imprimante qui, euh, qui est en train de nettoyer ses cartouches. Et donc, ça, c'est rouge ça c'est vert. Euh, en même temps, ouais, c'est pas fou. Elle le fait plus d'une fois par semaine en tout cas. Elle nous crame notre encre. C'est honteux. C'est l'obsolescence obsolescence programmée, ça, ma chérie. Alors, on a juste le minval, minval que pour le moment je vais mettre ici euh, en mode. Euh, voilà. Donc minval qu'on avait mis, je crois. je sais Plus 50, truc comme ça. Et coef, ah oui putain il y a tous ces trucs là il y a le coef aussi, bah attendez hop, on va reprendre ce morceau là que j'avais oublié hop, 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 hop. et ça c'est des choses qu'on pourra paramétrer après avec des petits euh, des petits scrollers etc ça sera bien et il me reste encore un peu de rouge ici parce que le value il est pas content parce que c'est du f32 ah, oh pourquoi du f32, oh non moi, je veux que ce soit du u8 blablabla euh, bla, 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 color nanana round, nanana, as u8 ah oui, non, c'est color qu'il me faut, pas value, effectivement. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, je l'ajoute trois fois. Il faudrait même normalement que j'ajoute une quatrième fois. Euh, Byte, point, push, puisque normalement, il y a aussi l'alpha qu'il faut que je mette. Et bah, du coup, j'aurais bien tendance à mettre un 1. Euh, pas un 1, mais un 255. Ah Je Pas sur les bonnes touches de mon clavier. Et euh, point, virgule, alpha. pas content, pas content. Là, il est plutôt pas content il est pas content parce que euh, burbites as mutable oh ah oui let mute bytes et là sous nos yeux et ce booby on est bon alors qu'est ce qu'on a on dit pouf toi aussi tu aimes bien faire des bruits avec ta bouche pour le fun ah oui bah en fait ça me quand, quand je quand je réfléchis ou plutôt quand je quand j'extériorise quelque chose qui est dans ma tête et que je la pose sur le code, souvent, il ouais, ça, 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 y a des anomatopées qui se, qui se, qui se mettent. Quoi. Nice, des commentaires. Vous avez vu, c'est commenté. Ah, les gens qui disent que c'est pas commenté, mon code, franchement, honte à vous. quoi. Mais non, ce n'est pas le premier commentaire du projet. C'est faux. Regardez. Regardez, il y en a plein. Ils sont beaux. Bon, il n'y en a que dans ce fichier. Mais ils sont beaux. Tout ce qui compte, non. Merci, cool freeze. <laughs> Donc là, normalement, on génère euh, les bytes. Qui représente notre image une fois qu'on a fait ça et qu'on a récupéré nos petits bytes pas ben nous l'idée ça va être de les mettre dans une image et là je sais pas donc ça ça va être la surprise du chef il va un remained id picture un truc comme ça et là on va pas le refaire à chaque fois il faut qu'on le qu'on le stocke quelque part ce truc là Alors, on pourrait Alors, j'ai pas envie de le mettre là-dedans. Ça, ça m'ennuierait beaucoup. Euh, moi, la seule fois où j'ai vu de si beaux commentaires, c'était sur Twitch. Le mec se nommait Les Moulins du Dev. Ah, merci, Ause du -Said. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Ça fait toujours plaisir d'entendre des choses comme ça. Même si je sais qu'il y a un capa qui est pas loin. Hein <laughs> un capa, c'est le. C'est pour dire, c'est ironique. C'est un monsieur qui rigole. J'ai jamais compris pourquoi sûrement le monsieur s'appelle Kappa et le roi ah, de l'ironie cool. mais euh, ouais c'est un peu ça ouais. <laughs> voilà Donc, euh, maintenant si je fais comme euh, je suis en train de devenir comme Antoine Daniel hein, quand il dit euh, euh, je sais comment je lol irréel ou un truc comme ça ou... ah, je, en fait je supporte pas les gens qui disent lol ou qui ah non c'était pas ça c'était smiley qui sourit mais d'où tu vas dire vocalement, oralement, au smiley qui sourit Putain, normalement, le smiley qui sourit, c'est ta gueule. Donc si tu souris, les gens le voient, putain, t'es sur Twitch, t'es pas juste au micro, t'es pas à la radio, t'as pas besoin de dire, que t'es en train de sourire. Ça, voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui me. qui, comme vous, ah, qui... Comme vous pouvez l'entendre, ont en tendance à me, me provoquer des... des réactions fulminantes. Le smiley qui sourit. Non, mais sans déconner, quoi. C'est fou, c'est fou. Non, mais les... On arrive à un point. Non, bon, déjà les lol, moi ça me gonflait. Mais alors, euh, ptdr, euh, doute, t'as besoin de dire ptdr. c'était mort de rire. T'es mort de rire. c'était en train de rigoler. T'es pas en train de parler. Merde. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces choses-là Si il y a des gens qui sont sur YouTube en ce moment, hein, puisque je pense à la vidéo maintenant, mettez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi hein, Les ptdr et tout ça qu'on dit oralement, c'est insupportable. On est bien d'accord. Voilà. Lol. Merci, Aléo. <laughs> <laughs> Salut Santorus oui, c'est du rust. Ah, oh, je souffre. Non, ça va. En fait, ça va. Ça va. Euh, et là, en fait, on fait de l'interface graphique. Euh, je, je, je pense que je suis en mesure de te montrer euh, notre magnifique interface graphique. Un truc de dingue qu'on a fait, c'est irrévérencieux tellement c'est magnifique. D'accord, tu, tu vas voir, c'est fou. Et donc, regarde bien. Oh, regarde bien. C'est regarde. Un bouton. Franchement, c'est magnifique. On peut cliquer dessus. Il se passe des choses. Alors par contre, je ne vais pas reprendre celle-là parce qu'elle elle me matraque un peu le live, elle est un peu trop, trop rest pour le coup. Donc on va aller chez Miri. Miri c'est un peu plus petit les fichiers. Euh, oui, ce soir. Et voilà, hop là, on a notre fichier tech qui est ouvert. Les HDU qui sont identifiés. Et quand je clique dessus, pouf, ça génère l'image. Tu ne me crois pas Regarde. Je vais aller ici, je vais supprimer l'image. YOLO. Je vais cliquer sur le HDU. Et là, regarde sous tes yeux et Baby. JWST 2, pouf, une image, pouf. Alors, pour le moment, elle est dégueulasse, parce qu'effectivement, le... Comment Le min-max, min il n'est pas fait. Donc là, c'est à l'arrache, c'est fait voilà, avec la peau des roustons. Donc si je mets 400, normalement, ça doit être un petit peu mieux. Euh... Après tout ça, on va pouvoir le gérer avec des curseurs, ou en automatique, ou patatique, ou patatac Bref, ce sera cool, quoi. Smiley qui vomit. Dis donc, Moriarty <laughs> voilà, donc hop, je remets ça, hop je me mets ça, YOLO, Miri, Tuk, HDU, Tuk, et là normalement, sous nos yeux et baby, hop, je redouble-clique là, et ça n'a pas changé. <laughs> je ne sais pas pourquoi ça n'a pas changé, bah du long. Tu as pu soirée toi. C'est normal, ça n'a pas changé Ah oh, ouais, je tu me planter quelque part. Hmm. Hmm. Euh, Est-ce que j'ai changé au bon endroit Ah mais non, mais c'est parce que je suis con, en fait C'est ça, j'ai pas changé au bon endroit. D'où l'intérêt après d'avoir un truc avec des arguments et tout qui font que ce sera quand même vachement plus mieux. Hein non, non mais parce que bon, là les gens disent Oui, moulin, il déconne, il nous dit des trucs, mais en fait ça marche pas Non non non, regarde, pouf, je reclique, pouf j'ai image, pouf, j'ai image. Voilà, quand même Ah bah alors, un parchemin vide, regarde le parchemin vide, hop là euh, qui c'est qui va manger Anako, il va manger. Elle va manger. Bon appétit Anako. Bonjour à la petite famille au passage. Et arrête de leur envoyer des mouches. Ils sont gentils tes parents, ils sont sympathiques. Ils te laissent me regarder. Donc ils sont sympas. <laughs> euh, la méthode n'est pas utilisée surtout. Comment ça la méthode n'est pas utilisée Du don, du don physique. Je jure. Euh, du coup comment ça se passe le blend sur plusieurs images Ah justement ça ça va être la surprise. Je ne sais pas encore. Je pense qu'on va construire l'image nous et puis on la mettra dedans. Euh, L'image ressemble à un parchemin vide, donc, 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 donc tu vois, c'est mieux qu'un parchemin vide ce que je te montre là, hein? quand même, c'est classieux t'as déjà codé avec GitHub Copilot Non, toujours pas, Centaurus, euh, toujours pas. Euh, donc, euh, donc, toi, regarde, qu'est-ce <laughs> que tu veux me montrer avec ta méthode Align to Align to Alors, Align to, transmute the slice to slice of another type, ensuring alignment of the bytes is maintained. Bah oui mais on s'en fout, on veut pas de... Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas... Je peux pas aligner des choses qui sont pas alignables. Euh... align to U16. Parce que là, je suis sur du F32, je peux pas passer de F32 à U8. Ça n'a pas de sens. Unsafe. En plus, c'est un safe Oh mon dieu Ah oh, non, pas de unsafe. Non. ça oh, non. aucun intérêt. Non, mais merci Antoine pour l'info. Je, je regarderai ça, mais je pense pas que ce soit intéressant pour ce qu'on veut faire là nous. Ah, bon, tout ça pour dire que je n'avance pas vite, hein, comme d'habitude, vous me direz. Euh, notre image. Notre image, nous allons retourner voir un petit peu ce que nous dit euh, les gens de chez EGUI. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer ils créent une renting Image. Uh, new, Self Image Texture ID, mais en même temps, Self.image.size.vec2. SizeVec 2. Qu'est-ce que c'est qu'un size avec 2 Oh putain de pomme de terre de crotte de bicangelée. Serait-ce possible Parce que je donne self-image.texture id. Ouais non, c'est forcément il faut qu'il faut, il faut qu ait l'image. Et c'est ça qui donne le texture id et c'est à partir de là. Et ensuite, là il a les dimensions de l'image. Non, je suis vraiment obligé de passer par le un retained image. Ça, je crois que j'ai pas le choix. Euh... Par contre, à quel moment je le crée, où est-ce que je le stocke Ça, c'est la question à un million de dollars. Ça m'ennuie moment... beaucoup. Euh... En fait, je ne veux pas mettre d'éléments dans fitsApplication Application qui soient autres que le fitsFile. File. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne veux, je veux pas mettre dans le corps des éléments qui dépendent d'un autre package. En tout cas, pas d'un package comme FG8, ça n'aurait pas de sens. Je pensais pouvoir m'en sortir en implémentant simplement des méthodes supplémentaires sur fitsApplication Application pour lui rajouter du fonctionnement, des choses comme ça. Par contre, euh, là, je suis emmerdé parce que il faut que je stocke une image techniquement pour chaque fichier. En tout cas, il faut que je les stocke quelque part ces images. Et là, c'est plus rigolo du tout. Et dire que c'est ChatGPT qui génère le code en backoffice. <laughs> oh, qui sont coquins. Oh, qui sont coquins. Euh... Ah, je sais pas où est-ce que je vais le mettre. Ça. Ou alors, dans un premier temps. Mais non, dans tous les cas, c'est pareil. C'est le bordel. Ou alors, c'est-à-dire que je suis obligé de sortir FITS application de Core. Et au lieu de mettre un FITS application EGUI, euh, je suis... On est d'accord qu'on ne peut pas étendre une structure. Russ, extend structure with new attribute. Mmh. Ah, c'est ça je suis obligé de créer vraiment une structure à part entière en soi euh... <laughs> pourquoi pas euh, surtout qu'on peut surtout qu'on peut pas créer de champ à la volée sinon créer un rappeur ouais 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 mais je pense que ça va être un peu ça mais euh... ouais je pense que du coup je vais peut-être faire un... Un fits application GUI qui, au lieu d'ajouter à ça, je vais faire une structure complète fits application GUI avec un fit application. En même temps, le fits application, le seul truc qu'il y a, c'est ça et il y a la fonction preload. Il n'y a rien qui est spécialement contraint à être dans le corps. Je vais peut-être la déplacer tout simplement. Je vais peut-être la mettre là. Euh, le fit application GUI et là du coup j'aurais tendance à faire ici il y aura un pub bon, c'est pas bien de mettre des attributs publics mais pour le moment on va le faire comme ça quand même euh, je vais mettre je vais mettre je vais mettre quoi pour le moment je vais juste mettre image de type retained image Faut une petite virgule ici Bon, ça a tout 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 tout, tout ça euh, du coup bah toi tu es plus là es plutôt en super je dirais fit application could not find fits application in super peut-être parce que euh... um, fits application du coup potentiellement est-ce que je peux faire ça Uh, C'est pas gagné. Failed to resolve use of undeclared fit application. Donc là, je pense qu'effectivement, je vais peut-être aller un peu vite en besogne. Et du coup, je devrais pouvoir faire, non pas ça, mais j'ai vu. Ok, donc là, il est content. Lui, bah lui il n'est pas content parce que maintenant, il faut que j'aille dans, je pense, create 2.2.core 2.2.fits file. Et il ne manque plus que retained image, donc self self euh, missing switch euh, image. Ok, tout va bien. Alors par contre image, <laughs> euh, ah, donc c'est peut-être pas ça en fait. Ce serait none ici. Et en haut là, ce serait un option de retained image. Ah. Pourquoi tu pas content? quand euh, specifying spécifique argument. Hein tu veux quoi Un non, euh... Bon, on, on verra après ça. Et, 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 et donc retained image, on a dit qu'il fallait faire un use. Alors par contre, c'est peut-être juste qu'il faut que je les installe. Parce que c'est quoi déjà le truc d'où ça vient, ça C'est le EGUI extras. Ça je pense qu'on n'a pas. Donc, pas de problème, on vient dans. Pourquoi je ne vois pas tout là bah, Pourquoi c'est réduit ce nouveau ça Terminal. Ah, oh, bah non, mais j'en ai en plus de terminal. Euh, CTRL-C. Hop là, oh, tu veux pas. Ok, boum, voilà. Donc là, on va faire un cargo. Add. C'était quoi le truc EJ8 extra. Hop. Et donc effectivement, dedans on retrouve, alors on, retrouve image, on trouve image, mais est-ce qu'on trouve retain image Je ne sais pas. Euh, J'enregistre tout. J'ai un truc qui est souligné cheloument. On va dire que c'est parce qu'il est déjà en train de route les scans, donc on va voir ça euh, il a 85 sur 86 tout y va béner oh, ça fait juste une fenêtre comme ça et oula oula oh voilà ok donc plus de rouge plus de rouge rouge ok alors là par contre maintenant faut que je fasse un use on a dit e eu extra de points de point retain image et là, YOLO, tout va bien. OK, donc cet aspect-là, ça va. Ensuite, ben forcément, le Fit Application, il est plus ici. Euh, ça, d'accord. Le Fit File, tout ça, on est content. Ensuite, le EGUI, il y a du jaune. Il y a du jaune dans List, parce que pour le moment, je n'utilise pas List. En même temps, c'est vrai que comme je n'utilise pas, hop là, ça dégage. Et là, pour le reste, on est pas mal. Donc maintenant... Quand on clique sur le petit bouton qui fait le file generate picture. Euh, oui, donc file generate picture, en fait, là maintenant, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, on a fait un get image bytes. Donc, Normalement, moi ce que j'ai c'est un let bytes est égal à point get image bytes. Il faut que je lui donne le hdu et eh ben hdu. Sauf que je pense que là non, il ne merde pas. D'accord, très bien, superbe. Et Une fois que j'ai mes petits bytes qui sont là, il faut que je dise que self.image alors est-ce qu'il va accepter ça le fait que je modifie Bon, oh, il n'y a pas de raison normalement. Euh, alors, bien évidemment, get image bytes c'est un option donc comme d'habitude, if bon, on va quand même pour virer tous et if euh, je sais, il y a le point d'interrogation, etc. if somme bytes parce qu'on est d'accord que c'était option hein? ouais uh, if some bytes alors self.image point égal à retained image de point de point uh, from oh from color image eux c'est quoi qu'ils utilisent you know? from image byte il um, n'y a pas le moi j'ai un from color image parce que je suis peut-être pas sur la bonne la dernière version. Et là ensuite c'est debug name et ensuite c'est color image. Ah. Fiche très bien entre nous ça nous intéresse pas ça. Non from bytes. C'est byte picture, picture bytes, je ne sais jamais. Euh, image bytes. Ni l'un ni l'autre image bytes et donc je suis censé lui donner bah, le nom de mon fichier hein, je vais mettre euh, image pour le, pour le débug et j'aurais tendance à lui donner bytes et donc ça ça nous renvoie bah, ça nous renvoie pas de zombie parce qu'il sait pas ce que c'est et là c'est con No function. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé entre-temps? Parce qu'on est d'accord, je suis bien sur retained image. De point de point from image bytes. On est bien sur un truc comme ça. Certainement la bibliothèque a dû changer entre-temps. Bah tiens, merde. Pourtant on a bien from image bytes ici. J'ai eu extra. Est-ce qu'il y a d'autres versions? Apparemment, ah bon, on est sur la dernière version. Donc, from color image, image self, from image bytes. Ah, requires the image feature, you must also obtain. Ah non, requires the image feature. Load a non-SVG image cest à dire quoi, The Image Feature Il faut que je... Je sais pas. Ah, si, attends voir. Bon. Oui, donc ça, c'est ce que vous m'avez montré. Il faut que j'aille dans le cargo. C'est ça. Et là, il y avait un truc à faire. Je crois c'était quoi C'était un truc du genre euh, version... Alors, je ne sais plus si c'est version égale. Et puis, euh, features. Bon, je sais, feature features, et puis là il fallait que je remette euh, genre euh, images. Il y a pas un truc dans ce goût-là, cargo, tout ML et euh, features. Bleu, 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 Ah non, il faut le mettre un truc features en dessous. Non, on va y montrer autre chose. Euh, ça, optional true. Tu disais, ma chérie Ah ah D'accord. Oh, j'étais bien Regardez, j'ai fait... Oh du premier coup, j'ai fait juste... T'as l'exemple dans la doc Non, déconne pas. Me dis pas qu'il y avait l'exemple dans la doc. Ah oh, putain, je n'avais pas vu que c'était en bout de ligne. Je vous assure que j'ai fait vraiment de tête par rapport à ce que vous m'avez montré la dernière fois. J'ai été... Euh... Un élève incroyablement... À euh... l'écoute. Assidu. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit qu'il qu est quand même pas d'accord. Hein. Et... Comme ça, euh... euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit accessible après Ah oui, je crois qu'il faut que je le mette là-haut aussi. C'est-à-dire que là, je fais un X-rays euh, retained image. Euh, mais je crois qu'il faut... Il ne faut pas que je fasse un truc du genre retained image comme ça. Hop. Et que je mette un truc aussi genre euh, image. Alors Peut-être image, deux points, de points. Bah, non. Euh... Ah non. Faut une fois recruter l'image. Salut, je m'appelle Jups. Arrête de m'appeler papy, dis donc Feature avec un s, hein, j'ai pas mis le s, j'ai fait ça, ah ouais, ouais, j'ai pas mis le s, hop, et donc d'un seul coup, oh, oh, un truc de dingue, truc de gueule, ok, on a une image qui est mise dans notre self point image quand on clique dessus, truc de fou. À partir de là, maintenant, ici, on va avoir notre ui vertical, d'accord, et ici. Je suis censé faire un UI point, je pense image. Et comment ça va, choupa choups du coup euh... Et donc non, donc non, donc, donc là, voilà. ah 8 ah ah UI point add. Là on passe par un UI point ad avec, voilà, un e 8 deux points deux points image. Alors je pense que ça va être 2.2.new. Voilà. Et ensuite, il nous faut le Texture ID. Donc c'est self.image. Euh, bon, texture ID, je suppose. Ah, à part. Euh, pourquoi, à pas. Mmh. Image, c'est bien retained image. Ah, non, c'est un option. Ah, 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 ah. Euh, oui, 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 il est vrai, puisqu'il peut être non. Donc, ouais, du coup, je suis merdé. Alors, si, il faut, là, je fasse un if... Self Image différent de none, J'ai le droit de faire un truc comme ça. Bon, alors... Hop, hop, hop. Ah oui, mais en même temps, plutôt que de me faire chier, je pourrais faire un... If let sum image est égal à self.image et là je pourrais directement faire image. new image. texture ID OK avec le contexte très bien. Et ensuite, il faut la size et donc là c'est image. size 2 YOLO Alors, YOLO ou pas YOLO. OK. Et donc là. Bon, après, il fait des rotations, des machins. Techniquement, nous, on s'en fout. La teinte, on s'en fout aussi. Mais vraisemblablement, ça peut le faire. Alors, par contre, ici, j'ai toujours un problème. Là. Et le problème, c'est Mismatch Type. Ah, parce que c'est un. Pareil, c'est un option. Blablabla. Euh... Hello, The Sig. Bonsoir à toi. Et bienvenue. Ça va tranquille. C'est le week-end. Ah, bah ça fait plaisir, ça voilà, voilà. Euh, from image bytes ça renvoie un result donc moi techniquement je suis en route. Oh, je fous des if let partout, quoi. Non, je, je pense qu encore de foot à putain de point d'interrogation, donc if let ok. B, c'est moche. Oui, hein. désolé. Je trouve un moyen de faire mieux après. Self.image est égal à B. On devrait être content, là, non euh, Retained image. Ouais. Ah, mais attends, voir. Est -ce que... Ah oui, parce que moi, il me faut une option, c'est vrai. Il me faut un somme. Oh le bordel. Ok, si, il y a encore du rouge. Bytes. Bytes, il n'est pas content parce que c'est un lui qu'il est borrower et qui veut quoi Et Ok, ensuite là, self-image. Il est pas content parce que là, c'est un option de retained image. Oui. Cannot move out self-image as enum variance sum, which is being a mutable reference. Euh, bah, tu veux quoi Tu veux, tu veux un et aussi voilà, que je te foudais, il n'y a pas de problème. Hein. C'est cadeau. Hein. Ça me fait plaisir. Et là, image, vous ne pouvez pas utiliser. Que okay, cool. Ok, plus de jaune. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe maintenant, à votre avis oh, yep. Qu'est-ce qui va se passer Ou qu'est-ce qui ne va pas se passer, en fait Parce que c'est aussi possible qu'il ne se passe absolument rien. Donc, soit on a euh, vraiment un gros tas de boue merdique. Ce qui est tout à fait envisageable. Soit on a un truc cool. Euh, soit on n'a rien. Effectivement, comme dit Choubé Choups. <laughs> C'est tout à fait possible également. Alors voyons, 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 voyons. Euh... Il va falloir que je fasse une pause pipi aussi. Et réfléchir, ça, ça creuse la vessie. Donc, j'ajoute un fichier. Hop, YOLO. Boum, on a les HDU. Ouh je clique sur celui-là, peu importe, on s'en fout. Tac, je clique. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Il y a un truc qu'on n'a pas fait par rapport à lui. Il y avait un petit show la self image show ui. Donc ça on l'avait pas. On va le rajouter. Peut-être que éventuellement ça peut être ça. Je sais de le savoir. Mais euh, voilà. Donc là ici si j'ai bien une image, je fais image.show ui. Alors, hop. Et puis ensuite touc, on l'intègre. On va voir si ça peut être là le souci. Il n'a pas Paint. Me dis donc, il n'a pas Paint. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Tu un expert en EGUI, choupachoups, euh, parce que moi, il est où le Paint hein Il est où Il est où euh, Je vois pas de Paint. Rotate, Tint, mais il n'y a pas de raison de faire un Paint ou je ne sais quoi. This image, can, you can click. Non, normalement, je pense que... Je pense que c'était juste ça, peut-être le Image Show, justement, qui nous manquait. Donc, on va voir, on va voir. Non mais le show, ça peint quoi D'accord, ok, ça marche. Étoile paint, non mais... <laughs> de vieux paint. <laughs> bon allez, boum. Et je dis où Et Je dis où Non, ouais, toujours pas. Donc, 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 ce ne, ce ne semble pas être cela hmm. alors, au moment où je clique sur le bouton alors alors non c'est un petit peu plus compliqué que ça euh, en fait ce qui se passe c'est que c'est chaud en fait avec le avec le grossissement du code là pour le live euh, la méthode ui qui est ici qui génère l'UI elle est appelée pour chaque à chaque frame en fait donc à chaque fois, tout ça, c'est réappelé, et on regarde, tiens, ah, parce que le bouton est cliqué, ah oui, donc hop, on open le 5, et ensuite, on revient, ah, le bouton, il n'est plus cliqué, bon, bah, je ne rentre pas dans le if, mais je rentre là-dedans, etc., etc. Donc en fait, tout ça, euh, ça s'exécute très, 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 très régulièrement. Euh, et donc cette partie-là, c'est pareil en fait, l'image, ben, soit elle est ajoutée, soit elle n'est pas ajoutée. Donc tu as des éléments du I qui peuvent apparaître ou disparaître en fonction de, de l'état de ton application. Et donc ça, ça va, ça va s'être régénéré à chaque, euh, chaque frame. Alors la question que je me pose, c'est déjà, est-ce qu'on rentre là-dedans Donc là, je vais faire un truc horrible, là, je vais faire un println euh, image, voilà, tout simplement. Donc normalement, au début... Je ne suis rien, je ne suis pas censé avoir quoi que ce soit. Ça n'affichera pas. Et à partir du moment où j'aurais cliqué sur le bouton, euh, où j'aurais appuyé euh, sur le bouton HUD, HDU, là, qui est sur la gauche, hop, ça va se mettre à afficher sans, sans truc. Ah, oh, d'accord, le debug. C'est vrai. J'avais oublié que j'étais plus en web. Euh, <laughs> ça marche, va pour le debug. Donc, on va se mettre un debug, et puis on vient ici, main. Hop, on enregistre quand même tout ça. Et puis, debug. Donc, tu vas voir qu'effectivement, on n'y rentre euh, pas au début. Et après, on y rentre X euh, centaines de fois. Donc, je viens là. Hop, ici, bim, HDU. Bon, bah ben là, a oui, on n'y rentre pas du tout quand même. Alors, ça, c'est fâcheux, par contre, qu'on n'y rentre pas. Est-ce que ça voudrait dire que le if. Euh, en même temps, le if, on ne s'arrête pas non plus. Hmm. Non, je suis assez sûr de mon coup sur le fait que ça s'exécute plein de fois. Euh, oui. Ah Ok, il n'y avait pas eu de. Donc là, il s'est passé un truc, très bien. Donc on est là, on est là. Bon, attends, ceux-là, je vais les enlever hein, pour le moment. J'arrive ici, Somme Image. C'est trop tôt, hop! Ah, ok! Donc, dans, im dans self image, quoi? Je peux pas voir, self? Oh, les commandes. self image. Bon, il, y a, il y a des trucs, quoi, je sais pas. Euh... J'ai un debug name qui est tout pourri un size 08 image texture oh c'est bizarre ou alors donc, il n'a pas réussi à extraire quelque chose qui ressemble à une à une image là, es donc ici on va se mettre euh, on va se mettre là on va finir tranquillou ah, tu vas pas aller jusqu'où là quand même merde euh, bon, j'enlève ceux là pour le moment Ah, c'est peut-être non c'est pas ça que je voulais run 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 d'accord tac je reviens là je clique sur mon bouton hop j'ai mon donc je viens là ensuite ici youp ok donc là j'ai bien mes bytes euh, b si tu Faire. Non, tu montreras rien donc bytes on en a bien la bonne quantité c'est ce qu'on attendait ok avec beaucoup de valeurs qui sont à 0, mais d'autres qui sont avec du 0 xff ok donc on a plein des valeurs de, plein des pini de, de, c'est beaucoup ça fait beaucoup de blanc quand même euh, surtout que c'est ah oui non non je suis en query. le 0 xff c'est euh, c'est l'alpha qui a 255 après j'ai mis l'alpha mais parce qu'il me semblait qu'il fallait mettre l'alpha mais ça se trouve c'est peut-être même pas nécessaire donc dans ce cas-là j'ai un truc qui est foiré euh, le U8 ça peut être du PNG ou pas euh... alors ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il veut absolument du JPEG ou du PNG non à hein, quoi qu en même temps ouais s'il veut interpréter ça forcément comme, comme un JPEG ou un Request uh, image feature, you must also obtain the image format you need with ça. So. Ouais, parce que nous, en fait, on donne pas du tout un raw content d'une image. J'espérais qu'on puisse le faire directement comme ça, mais c'est pas le cas. Alors, Là, j'ai un image, color image. Donc ça, ça fonctionne comment, celui-là On peut pas voir ce que c'est que color image. Load non-dg image. Bah non, c'est image byte. Pourquoi on n'a pas le descriptif de ce truc, là euh debug name nanana, load non requires image bytes et 8 load image bytes ah mais là j'ai changé je suis en Ah D'accord, en fait il fait rien, quoi. il met directement l'image dans le mutex new image. D'accord, mais ça me dit toujours pas ce que c'est color image en fait. Euh, c'est un type de EG8 directement. Et alors le color image, il y a une size, et il y a des pixels avec color 32 global. RGBA un multiplié. On pourrait faire ça là du coup. Donc on pourrait faire un color image from ça. Bon, en même temps, est-ce qu'on pourrait... Ouais, non, je pense que c'est encore le mieux. Là. Euh, et là, il faut bien des RGBA. On va essayer ça. Bon, essayons. Donc, 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 ici, on a le retained. Donc on va pas le faire comme ça. Là, j'ai mes bytes. Donc on va faire un let color image est égal à la color image de point de point from ah on peut faire RGB oh ah il y a le from RGB directement ah mais oui du coup on n'a pas besoin de l'alpha donc ça c'est tranquille lui a besoin d'un tableau avec euh, ça, ça va, tombe bien, on l'a, donc size 0, size 1. Qu'à cela ne tienne Alors, changeons. On arrête tout ça. Hop, on revient ici. Je reviens dans mon fits file. Hop, au lieu de retourner get image bytes avec les alphas, hop, on les enlève. Touc. Bon, tout bien comme ça. Euh, ensuite, on revient ici. Euh, donc le size. Normalement, j'ai un... Euh... Euh... Là que je me demande si la petite épopée, là... Ah non, je quand même. Parce que HDU Data... Veux me tate veux me tate non non j'ai pas envie de load un png parce que je n'ai pas enfin j'ai pas généré une image pour ensuite la charger Ce serait un peu, peu dommage autant récupérer directement les, les octets euh, je réfléchis juste à comment je vais faire bon il va falloir qu'on optimise ça mais dans un premier temps encore une fois hop on va faire du barbare dégueu euh, donc 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 euh, j'ai mon image j en, j en, bon. Là, on un petit peu, donc, pareil, get HDU data Ah non, mais là, ça me fait beaucoup. Là, ça, c'est tout, mais par contre dans mon htu, je peux avoir le get data et ça, du htu, je l'ai. Ah, donc, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Là, il faut. Faut que je fasse hdu data est égal à you point get data voilà c'est un résultat mmh. donc là ça fait let hdu data est égal à ça voilà ensuite je regarde et ce que cela hop on est content ou pas on vérifie quand même qu'on a bien bah, en même temps on a forcément des dimensions à deux si on n'aurait pas notre image donc on s'en fout et du coup du coup du coup du coup ce que j'ai là hop let's width le height hop on va le mettre là donc. Donc, les dimensions, et ensuite le size. Il y a un peu trop d'accolades quand même, le size, on a dit que c'était un tableau. Je peux faire un truc du genre, je suis sûr que je l'ai mets dans le mauvais sens, mais qu'est-ce que c'est ah Tu veux un u-size et tu trouves un i-32. rgb ça c'est mes bytes donc là il n'est pas content parce qu'il voudrait plutôt un et bytes ok là, un petit point virgule des familles ensuite j'ai ma color image et là ensuite je fais un from color image et là je lui donne color image bon, je sais pas s'il faut que je lui fasse un et non voilà, ensuite ici, euh, expected structure. Est-ce que ça, ça retourne quoi le from color image Ça retourne self. Ah, directement. Donc ça veut dire que euh, image est égal à ça. Et ensuite, hop, hop, hop. Pas content parce que I cannot find image in this scope. Pourquoi j'ai des accolades ah, Plus besoin d'accolade du coup. Mais oui. C'est bien sûr. Ok. Bon. On va tenter ça. On va bien voir. Euh, ouais, mais avec euh, ce que je dis, tu valides l'élément image. Après, tu fais ton décodeur. Oui, oui, mais on a déjà validé l'élément image. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux l'élément graphique. Mais, euh, mais ouais, mais on, est des, on, on est des fous. Mon image, j'y crois, hein, parce que si tu veux, je, je la génère déjà. Donc, euh, donc elle, c'est bon, je, je, je sais qu'elle existe, il n'y a, a pas de souci. Euh, tac, tac, ça c'est bon. Hop. Et on règne. Et on voit. What happened, happened? What happened? Hop, chier, Ça. Tac. Oui! Bon! Oh. oh! Ok. Bon, l'image est grande, forcément. Hein, euh... Mais au moins, elle est dedans. Oh, ça c'est cool. Il est dans le bon sens. Il n'y a pas d'inversion entre la largeur et la hauteur. Je suis content! Je suis content! <laughs> bon, maintenant, il faut ressaliser tout ça. Euh... C'était trop facile. Bah bien sûr. Euh, merci physique, merci à la Léo euh, Non, n'y a pas de prout ici. Euh... Alors, ça c'est bon. bon. Par contre, ça c'est horrible. Toutes ces indentations. faudra que je trouve un, une solution. Euh, ce qui ne va pas. Ce qui ne me va pas, ce qui ne me va pas, c'est ça. Parce que normalement, je suis sans. Ah, attendez oui non c'est ça, oui, ouais. vertical. Là je suis... Ah non, je suis encore dans la verticale. Ah c'est là, je l'ai pas mis au bon endroit. Je ne l'ai pas mis au bon endroit ce petit truc-là. Ça. Control X, tac, un cran plus bas. Voilà. Tac. Oups. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit à droite, pas en dessous. Ça n'a ça pas de sens, sinon. Donc, 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 on y retourne juste pour voir si c'est bien, si j'ai bien raison, ça s'est bien mis à droite. Tac, 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 web. Ok, donc là, ce coup-ci, c'est bien sur la droite, c'est good. Maintenant, la question c'est j'ai vu que je crois avoir vu en tout cas qu'il y avait des scales sur euh, le retained image. Alors, Ouais, je crois que ça va être ça. Euh, result. Euh, J'ai vu des trucs. Donc on a le size, on a le debug. Il me semblait avoir vu un truc qui permettait de faire un scale image byte from image color. Donc on a un debug name nanana. Euh, Show scale. Voilà. Et là, typiquement, le show scale, on lui donne c'est directement un cof, d'accord. chose et image. Oui, donc en gros, quand je fais le show ici que je sais plus où, c'était plus bas, là, je pourrais faire un show scaled et lui dire, par exemple, je veux une taille à euh, peu, peu, peu nous importe, euh, on va dire 0, .1". on va mettre à un tiers, donc 0,3 ah, oui, scaled. Okay. Et donc là, du coup, on devrait avoir une image. Toute petite. Ça marche, curieux, hein, tout de suite. Maintenant, il faut nommer ton fichier de sortie comme ton fichier d'entrée. Pas désagréable, hein, pyram. <laughs> euh, donc, euh, déjà ça et ça. En fait, l'idée, c'est que j'ai plus de fichier de, de sortie, sauf une fois qu'on aura généré totalement l'image. Mais euh... Pourquoi il est deux fois Oui, bruit apparaît deux fois. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille Je l'ai ajouté qu'une seule fois. Est-ce que j'ai pas besoin de faire le ui.add Et le image show, c'est suffisant Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hmm ah bah oui, d'accord. Bon, bah très bien. Ah voilà Ok Ouh, ça, ça commence à être cool Ouh, ça commence à me plaire. Bon Écoute, hein. euh, maintenant, il faut qu'on renomme les HDU, il faut qu'on récupère que le nom du fichier, mais on n'a pas besoin de l'intégralité du pass, donc on va voir si moi, est -ce on peut gérer tout ça. Euh, bref, on a deux ou trois petites choses à faire pour améliorer, à moins que ma femme est extrêmement faim et qu'elle souhaite aller manger dès à présent. Soit 30 minutes, soit maintenant. C'est ma femme qui va décider. Non mais c'est clair physique, on est bien d'accord. <laughs> Franchement, on a grave bien fait de changer. Ah me revoici, me revoilà Alors, le micro, c'est tout bon, nickel. Euh, donc, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'on ait les HDU qui nous indiquent un petit peu de quoi est-ce qu'on parle exactement. Euh, ah oui, il y a un autre truc aussi que je voulais faire, c'était des onglets. On a plein de trucs à faire. Alors déjà, le nom du fichier. Hein, ça on est d'accord qu'on va garder que le nom du fichier et pas le chemin complet. Donc c'est là où effectivement le fait de passer peut-être par un path buff, ce sera mieux que d'avoir un string. Par contre, je ne sais pas si avec le pathbuff, on va pouvoir extraire des informations ou si ça va être encore la galère. Euh, voyons voir. Rust, path, buff. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus On nous dit qu'on qu peut faire du push, on peut faire du pop. Alors quand je fais du pop, qu'est-ce qui se passe Ah mais si je fais pop, euh, ça pop quoi. Moi j'ai pas envie de popper. Est-ce qu'on peut faire un iter ou est-ce qu'on peut faire un truc comme ça, non Alors je vois qu'il y a le as path qui du coup nous renvoie un path. Et à partir du path, est-ce que je peux... Alors je peux avoir le. Ah bah ben voilà, je peux avoir le file name. C'est cool ça Donc en gros, je stocke un path buff. Ensuite, je le mets en as path. Et ensuite, j'obtiens le le file name. Ah, oh, c'est trop cool <laughs> <laughs> bon, voyons voir ça. Donc c'est sur ce sera, ce sera sur notre fit notre fichier feed file. Alors tiens, ça typiquement. Euh, ah, je le garde encore pour le moment pour pouvoir générer l'image dans un fichier, euh, même si techniquement, euh, on n'a plus trop besoin. Bon, on, on, pour le moment, ça, ce sera un relique. Hein. Une relique. Euh, voilà, ici, j'ai un string. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de mettre un pass buff forcément faut que je l'écrive correctement hein, sinon ça ne va pas le faire donc là paf buff il n'est pas content parce qu'il m'a dit voilà import std des paf buff jusque là je dis d'accord ce qui semble ne pas lui déplaire pour le coup effectivement bien donc on descend un petit peu et ici paf buff nous c'est un string et eh ben non et eh ben non ce sera un paf buff aussi voilà Comme ça tout le monde il est content bim voilà et ensuite et ensuite bah oui évidemment là j'ai le paf GetPath, c'est plus une string, mais un path buff. Du coup, là, pareil, on est content. Alors, est-ce que c'est pertinent de faire ça, ou est-ce qu'il voudrait mieux retourner au final ça, et pas faire de clone Parce que techniquement, GetPath, on get n'est pas censé changer quoi que ce soit, et donc peut-être faire un truc comme ça. Ça, ce serait mieux, je pense. Oui, ça doit être mieux. Il y a du rouge. Il y a du rouge, mais je ne vois pas où. Oui, il y a du rouge. On me dit clairement qu'il y a du rouge là. Euh, il est où le rouge oh non, attends. Je le vois pas le rouge. Là, il, est, il est pas mécontent. Là il est pas mécontent. Là il est pas mécontent. Mais il me dit qu'il est du rouge quand même. Alors, je vais aller voir tout en bas déjà. Avec ce rouge-là. Qui est... Euh, qui est... qui est... qui est... Putain, c'est moi ou... Ah non, il est là. Ok, donc là j'ai un self point paf forcément là c'est un path buff maintenant et lui il me dit bah oui mais moi je voudrais une chaîne de caractères donc est-ce que j'ai par exemple un point as ou tout string ou j'ai un tout str Alors, par problème c'est que le tout str ça me fait un option ça me fait un path. Et si je fais un as path point est-ce que là je mets tout string ah non hein. euh, self path un path buff ouais self pass c'est un path buff absolue vertu et bonsoir à toi absolue de virtu hey, j'ai dit bonjour à ce pays tout à l'heure je suis pas sûr donc bonsoir à toi c'était toujours là euh, il faut plutôt retourner un et path Ah bon pourquoi cotard il faut retourner plutôt un et pass plutôt qu'un path buff c'est quoi l'intérêt Ça, ça passe donc t'arrives plus là <laughs> euh... toi tu penses qu'il vaudrait mieux que je retourne à ah, mais je peux pas retourner à et passe du coup ça a plus de sens si il accepte ouais il accepte incroyable euh, j'ai l'impression que sur la coloration, c'est moi ou la coloration syntaxique, là il me dit qu'il y a du rouge alors qu'il n'en affiche pas attends tu sais quoi on va faire un run hein. ça va bien péter de partout du coup il va me les donner mes erreurs alors cool not compile hein. ok ça c'est très bien voilà et donc là ce qu'il n'aime pas c'est le fit file new pass donc ça c'est ailleurs ça c'est dans le application 8 Ah non dans hop rs Uh, Fit nos passe ah oui, donc là il faudrait que je passe un passe bof Je pense que ça c'est parce qu'il ne connaît pas. Voilà, donc là on est bon. Alors là il me refait des caca nerveux parce que, parce que, parce que file.path. Ah oui. Ben forcément il est... alors c'est là c'est là où ça va être intéressant ça fait quoi et euh... fuite pardon oh ah oui on ne voyait pas ah, ben c'est ça d'accord oui en fait il était à droite merci euh, pour cette euh, pour cette astuce mon cher physique, passe-bœuf contient un pointeur sur la mémoire allouée. Alors que passe retourne un pointeur directement sur. Mm -hmm. D'accord, donc dans la t'as une double indirection. Ça marche. Faut vraiment que je regarde un peu plus en détail comment c'est fait ce truc Donc quand on attend selfpath.2 str.unwrap oh c'est moche. Mais Mais ça fait le taf. J'avais pas l'impression d'être à cet endroit-là. Ok. Donc ça c'est bon, lui il n'est pas content, donc ça c'est normal. Parce que normalement il faut que je fasse un pass. passe point, pass point. Euh, find name. Et findame c'est un quoi C'est un option et o, OSTR. Tu en fais quoi moi ton OSTR en foiré, tout o string, non mais, elle hey, est gars, là, euh, y, a, y a pas moyen là tu vas juste un tout string ta mère là non c'est euh, non, alors Train to C'est quoi qui lui plaît pas? He's not satisfied. You a queer bonnet You will a different belle here. Hmm. Franchement, leur système de de type, c'est la merde. C'est vraiment. Regarde, euh, à un moment, c'est vraiment la chure. Quoi. Tu fous des unwraps de machin, de trucs. Ça, Vous n'allez pas me dire que c'est sexy quand même, ça. Si vous avez un moyen plus classe de le faire, moi je prends. Hein. Mais là, je ne sais pas faire. À ce niveau-là, je ne sais pas. Et alors un OSTR, je sais même pas ce que c'est que cette merde de OSTR-là. Voilà, ah, la bah putain, tout ça pour récupérer le nom d'un fichier. Euh, ouais, mais dans tous les cas... Alors, est-ce que lui, il a le display ah oui, ok. Mais alors display c'est quoi Display. Ensuite tu fais un toString. Ah merde. Ah oui mais attends. Wap, 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 wap. Non 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 non, c'est pas ça que je veux. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le file name. Donc il faut que je passe quand même par file name ici. Et donc là, il faudrait que je fasse un... Et là il n'y a pas de display. Donc non Non non, ça, ça marche pas, mon cher physics. Alors on va essayer comme ça déjà. Quelle purge Ah attends, j'ai encore du rouge. Il y a du rouge ici parce que self-preload. Donc moi j'ai un path qui est un path buff. Et donc là j'ai rien à faire, j'ai juste à lui donner ça. Et là c'est bon. Okay. <laughs> D'un côté, tu réduis, de l'autre côté... Voilà. Oh, c'est pénible. Euh, salut Killercroc64. Bonsoir à toi. Et bienvenue. Alors. Yes, ça c'est cool. Et ça dit bien le fichier comme il faut. Donc là déjà, youhou, on est content. Finame.nzen Parce que honnêtement, Cotard, tu trouves ça plus sexy, toi T'es de la merde en barre, je te le dis. <laughs> non mais sans déconner quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, LGKTG. <laughs> sans déconner, quoi. Non, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Hein. C'est pas possible. <laughs> non, je suis désolé, Cotard. C'était un peu, un peu extrême. Non, mais sans déconner, la, la, le Enzen euh, avec une callback de s2 or, Mais. Mais non, mais alors là, franchement, non, 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 non. non. Ça, je vais te dire un truc, c'est un truc qui, objectivement, en Rust, c'est de la merde. <laughs> c'est pas possible, quoi. Alors, en fait, je vais te dire un truc. Le problème de ce machin là c'est que, dans un sens, ça partait d'une très bonne intention, je pense. Euh, le, leur système de résultats, leur système d'options, tout ça, je pense sincèrement que l'idée, il y a du bon. Mais le problème, c'est que c'est tellement casse-couille de foutre des unwraps partout, etc. Que, que ce que font les gens et eh ben comme disait physique, brof, tu fous un point d'interrogation. Et puis au final du coup, bah, qu'est-ce qui se passe cette fameuse gestion incroyable de la mémoire et tout ça Et eh ben tout le monde s'assied dessus en se le foutant vraiment bien profond et sans croix de Saint-André, euh, en se disant bah je fout des points d'interrogation partout, je foute de une vrappe comme ça là, hop, à la chaîne comme ça de tout, c'est qu'il arrête de me faire chier au moment de la compilation. Et en fait, tu bah, t'as toujours un code de merde quoi, donc ça. Je, je pense vraiment que cet aspect-là, il est, il est, hautement, euh, hautement pourri quoi. En tout cas, aujourd'hui avec mon niveau de, de connaissance, je trouve ça hautement pourri. Mais certainement que je vais trouver une solution euh, et, qui permettra de corriger mon ignardise et puis de faire mieux. Mais, mais, mais non, mais là franchement c'est, tout ça juste pour afficher une une chaîne de caractères dit mais c'est c'est fou quoi c'est complètement fou bon moi ce que je voulais faire c'était le HDU maintenant ce que je voulais c'était que dans le HDU data normalement j'ai un truc qui me permet d'avoir un get value pour une clé savoir est-ce que la clé existe et est-ce que c'est de type euh, euh, donc déjà ça faut que ça fasse un sum et ensuite un bidule euh, sachant que c'est une option donc ça peut renvoyer non tout simplement voilà euh, donc, ce qu'on va faire, c'est dans le EG8 ici. Euh, là, on a le label, on a le HDU data. Mais en fait, c'est pas le EJU data. Tac, c'est ici. Donc là, let. Oh, est-ce que je ferai pas directement ah, C'est pas fifou ça. C'est pas fifou, c'est pas fifou. Euh, Parce que normalement, bon, si je fais hdu.getheader, .getValue, je donne la clé, je lui dis que je veux extension. Alors je pense qu'elle va être en majuscule. On me faire un caca nerveux parce que c'est pas utilisé, mais... Oh comment ça D'où que Extension, ça lui plaît pas. Oh, t'es sérieux. Ah non, non plus. Oh putain. <laughs> Tout va bien. <laughs> C'est normal. En Russie. Allez, des bugs, on va y voir ça. Il y a vraiment des fois où je, je suis à deux doigts de pleurer. Il y a vraiment, je ne sais pas s'ils veulent euh, produire un langage cool ou juste faire chier le monde. J'avoue que je suis, à, je suis interrogatif. Très interrogatif. ça vous je sais pas ce que ça vaut je suis un en... tag 0. Ah, est ce que tag 0 c'est la même chose que none peut-être je ne sais pas je ne sais pas euh, puis comme j'affiche plus normalement là j'affiche que les adresses en mémoire Alors, je sais plus si extension comme ça ou extension en minuscule oh, ça m'étonnerait que ce soit en minuscule en général c'est tout en majuscule euh, je suis presque sûr que c'est extension euh, donc 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 qu'est ce que je vais mettre ici on va mettre je vais faire un truc comme ça. Let mute HDU name est égal à unknown HDU. Voilà. Faire un truc comme ça. Ensuite, en vrai, jusqu'à présent, il y a juste eu les castes de tableaux et conversions entre types de strings qui ont été relous. Non, non c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est des trucs que tu fais assez souvent, notamment quand tu vas faire une interface graphique, que tu dois présenter de l'information. Ces problèmes de, 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 de castes, c'est des trucs, bah, tu les fais très régulièrement. En fait, il y a un moment, c'est... Bah, c'est pénible, quoi, de, de toujours. Euh... Enfin il y a des trucs qui sont intéressants et y des trucs que je trouve vraiment vraiment compliqué à gérer quoi tu dis putain on complexifie vraiment le code la lecture tout euh, de manière assez, euh, assez folle quoi et... franchement tu vas pas me dire que ce truc là euh... on n'est pas complètement fou quoi Bon, en tout cas, euh, ça c'est censé me donner un truc. Donc si, alors je pourrais faire un if euh, let comme a. Bon, ah, du coup c'est quand même pas, c'est pas fou. On va mettre euh, extension égal à ça. Doc, et ensuite if let. Et là il faut que je mette un htu Uh, header value. Et il faut que ce soit un string de HDU type, on va mettre, est égal à extension, alors HDU. Name est égal à extension. Et là, il n'est pas content parce que là, ça, il faut que je mette un point to string. Ah, ce pas extension, je suis con, c'est hdu type. Non, toujours pas content Pourquoi il est pas content Ah, j'ai ça qui est route, du coup, je vois pas. Donc ça c'est une hdu type et string. 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 Faut que je mette quoi Faut que je mette une étoile. Non. Qu'est-ce que tu veux Tu veux un point clone Voilà, content. Alors peut-être qu'il y avait autre chose de mieux à faire. Mais là comme ça, je ne sais pas. Hop. Donc maintenant... Et je relance ça. Euh, file pass et pass buff, tu n'as pas besoin du aspath. Euh, j'ai pas vu de méthode... Euh, ou alors c'est quoi c'est bah, Pass buff implémente euh, euh, pass Parce que j'ai pas vu de, de méthode dans pass buff qui permettait de le faire. Oula, oh c'est tout resté en iGU. Oh. Ah mais oui, putain, je suis... Bête. C'est bien ici que je mette un truc du genre euh, HDU name. Il va me dire que c'est pas dans le bon type. Si c'est bon, ça passe. Cool. Alors attends, tu me disais sur file pass, donc là-haut. Effectivement, un hein, pass ici, c'est bien un pass buff. Donc selon toi, je peux aller comme ça directement. Ah oui. Ah, un truc de moins. Ça, c'est cool. Par contre, euh, pourquoi le name il font un OS string putain En fait, si c'est ça aussi qui est pénible, c'est que t'as 27 000 types, chaînes de caractères. Il y a sûrement des raisons, quoi. mais à un moment... Ouais. Ce qui est dommage, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a pas de, de conversion implicite d'un type à l'autre. Qui devrait être, justement, implicite, quoi. On va se poser la question. Ah Regardez! Look at that! Look at that! Ça, c'est cool. C'est cool parce que voilà, donc là, on a le Unknown HDU. Bah, en fait, c'est l'entête hein, de base. Ensuite, on a bien les images. On a les bin tables. Donc, on voit qu'on a plusieurs images qui sont là. En gros, il y a une image qui correspond vraiment à ce qui a été vu par le, le télescope. Et ensuite, on a des images en général de correction d'image justement, pour euh, corriger les différents artefacts ou des trucs comme ça, des faux qu'on pourrait avoir avec le miroir. Implimente le trait passe qui est un peu particulier. D'accord, ça marche. Merci Cotard pour, pour les informations. Donc, ça, du coup, c'est bien. Alors, pour le moment, c'est vrai que quand je clique sur un truc, on ne sait pas euh, sur quel, euh, quel, H, quel HDU ça concerne. Donc, ça le fait automatiquement sur la numéro 2. Euh, ce qui serait bien, bah, effectivement, hein, c'est que quand on fait notre L, LBL HDU. Et eh ben du coup, est-ce qu'il est, qu est Clicked Et normalement, là, comme on est euh, Le Ah eh ben non, on le fait déjà, get image bytes, hdu. Mmh Truc de fou Attends voir. Ah ah C'est vrai cette histoire Ou est-ce que je triche quand même ah, Parce que je suis capable de m'auto-tricher. Hein, donc, euh... donc, pas de Generate Picture, mais celui qui est juste avant. J'ai bien le HDU qui est là. Ah, non, non, on travaille bien avec le bon HDU et tout. Oh, oh donc, ça veut dire que techniquement... Si je clique là, j'ai l'image qui va bien. Et si je clique sur suite d'après, je devrais avoir une image toute. Et ouais, mon bonhomme! Voilà, donc. Ah, regardez-moi ça. Incroyable. Là, on n'a que les étoiles. Et là, on a le nuage de gaz. Truc de fou. Et je pense qu'avec ces images-là, justement, on peut réussir. À, à faire le, le recadrage des images les unes par rapport aux autres. Oh, peut-être, hein. je dis ça, il y a peut-être d'autres solutions que celle-ci. Ah, là, par contre, ça crache <laughs> Là, vroom, ça accrache. Alors, pourquoi, je ne sais pas exactement, mais il y a un truc qui ne lui a pas plu. Euh, ok, ok, ok. Non, mais en tout cas, ça, c'est cool. Il faudra qu'on qu trouve le moyen. Alors après, il faudra aussi qu'on raffiche ça. Donc là, ce que j'aimerais bien... Il est quelle heure Ah, 21h55, il faudra que j'arrête là. Parce que sinon, ma petite femme, elle va, se, elle va se digérer sur place. Mais en tout cas, donc ici, si je clique sur celle-là, j'ai mon image. Ce qu'il faudra qu'on fasse maintenant, c'est avoir euh, ce système. Alors, je ne crois pas, par contre, j'ai pas vu de système d'onglet avec, euh, avec EGUI. Euh, mais mettre en place un, un système d'onglet qui permettra soit de switcher sur l'image, soit d'avoir les caractéristiques. Euh, C'est-à-dire que quand je clique sur le... Quoi que vous me diriez à la place de faire les deux. Hein. Ça pourrait être pas mal quand même que quand on clique sur euh, ou même sur un, un HDU, on ait les caractéristiques de l'entête directement. Ça pourrait être cool. Pareil, il faut que je retravaille. C'est aussi l'extraction des informations. Quand c'est des chaînes de caractères, faut qu'on enlève les guillemets et puis qu'on trime la, qu la chaîne. Ce sera bien mieux. Ce sera plus propre. Oui, on essaie de se le faire tout de suite, ça. Ça, c'est dans les HDU Header. Euh, quoi que je dis ça. Mais, 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 mais. Euh... Putain, ça se trouve, c'est aussi dans file quand on lit les headers. Euh, je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer ça, parce qu'il y, y a trop de choses qui sont dans le file, qui à mon avis devrait être à des niveaux plus bas. Donc là j'ai mon read -hater, donc le end, etc. Nanana, extract key value. Et voilà. Donc là on a ça. Voilà. Et donc là, donc on regarde s'il si y a un égal en, au huitième caractère. Hein. Donc ça, ça veut dire qu'effectivement, on est sur un système clé-valeur. Ensuite, on split autour du égal. À gauche, on a le left part. À droite, on a le right part. Ensuite, on commence par faire un trim du right part hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace, etc. Donc, on obtient une valeur. De cette valeur, on vire éventuellement les commentaires qui sont sur la droite. Donc, et on ne garde que la partie de gauche. En faisant un trim. Euh, donc, tout string. Ensuite, on regarde, déjà s'il y a plus d'un caractère. Et s'il n'y a plus d'un caractère, on regarde la valeur du premier caractère, qui du coup est un est-ce que c'est un guillemet ou pas. Et donc ce qu'on fait, c'est on regarde est-ce que le premier et le dernier caractère sont bien des codes simples. Et à partir de là, donc on fait un key.trim, sauf que avant, on pourrait faire un key.substring pour enlever le premier et puis le dernier. Donc, je ne sais pas s'il y a justement un point. String, est-ce qu'ils ont prévu un truc comme ça? Apparemment, non. Alors, comment est-ce qu'on fait un substring en Rust? Uh, how to get a substring of a string? On nous dit qu'il faut faire un Very full vous trouvez vraiment ça Very full vous Oh sûrement Alors ça veut dire quoi C'est à dire qu'il faut que je fasse un. Est-ce que mon qui le problème Je suis presque sûr qu'il voudra pas Que je fasse un 1 un... Et puis c'est pareil Point point et puis point point quoi Point point Qui euh... point l'n moins 1 C'est Moins 2 même Merde, ça marcherait Ok, on va voir. Voyons voir. Alors, on retourne là-dessus. Parce que là, ce serait fou. Mais j'aime pas la syntaxe. Encore. <laughs> ah mais qu'est-ce qu'il râle ce gars, c'est incroyable, il est insupportable. Oh là oh, oh, oh Alors... On... Ah oui attends, j'ai fait une connerie euh, j'ai fait, fait, fait une boulette. J'ai fait une boulette. Reviens, reviens, reviens sur... Là. Pourquoi j'ai fait ça sur first C'est sur last qu'il faut que je le fasse. Non, first et last, pardon, j'ai dit je dis du connerie. Euh, mais surtout, pourquoi je le fais sur sum key Ah non, c'est sur value c'est sur value qu'il faut que je le fasse donc là il faut que je fasse ça value point stream point to stream voilà là ça devrait être mieux oui parce que c'est sur value le last et puis le, le first donc je retourne, je reviens, je fais mon petit run, il est 22h. Est-ce qu'on aura réussi au moins à faire ça avant 22h Truc de dingue. Yes. Voilà. Ça, ça fait plus beau. Alors ça fait plus beau, mais en même temps, je suis sûr qu'ici, c'était Bintab, pas binta. Donc est-ce que j'ai un espace de trop qui s'est fait bouffer, un caractère de trop qui se fait bouffer la gueule Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui se passe si je commente ce morceau-là On est d'accord que c'était tab, Ou alors je m'égare. Ce qui est possible également. Renne-moi ça, gredin Hop, ici, tac. Ah oui, non, oui. <laughs> Il s'est pris une méga branlée, là. Euh, donc en fait, j'ai l'impression qu'il a pris Image. Ou alors il hmm, intéressant Alors Charles Nth0 un drop euh, là on va pas comprendre Qu'en fait, c'est toujours le premier et puis le dernier, mais ils sont censés faire la même longueur. Pourquoi ça déconne Tu veux Tu peux pas faire un replace On pourrait faire un replace. Ouais, mais tu remplaces par quoi Ah, tu remplaces par un espace, puis après tu fais des trims. C'est pas con. Mais ce que je comprends pas, c'est Ah, mais putain, c'est à cause de ça. J'ai pas changé. <laughs> c'est moi qu'il était un boulet, encore j'avais laissé un qui dedans. Et non pas un quoi. Ah là 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 là. Quand on est bête. Ah, voilà. Ah non, j'ai quand même un, un truc qui me manque. Le bit table. Il y avait un E à table. Ah, peut-être pas. Attendez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sûr qu'il y avait un table. Des gens qu'on ont fait une capture. <laughs> il y avait un fucking E ou pas refaire. Va hein Je vais être sûr de mon coup. T'as un trim match dans Lost. D'accord. Et trim match, c'est-à-dire, il... c'est quoi le, le, le job exact Ah, il y a bien un E. Donc on se, fait, euh, on se fait fumer la pagaille. Ah, parce qu'en fait on doit être sur le taquet. Je pense que le moins 2, c'est pas bon. Ce serait moins 1. Il doit faire un il doit faire un intervalle. Euh... Il inclut le premier, mais il exclut le deuxième. A tous les coups, c'est une, une merdouille comme ça. Donc là, il faut laisser moins 1. pense être un truc comme ça et comme pour l'image il y a un espace avant bon en fait on ne le voyait pas c'est l'espace qui se faisait bouffer puis après c'était trimé donc tout allait bien et comme pour bin table c'est la taille maximale et ben voilà et donc là du coup on a un truc qui est plutôt cool donc ça c'est nice je suis content ça fait plus propre alors le unknown HDU, effectivement c'est pas c'est pas tip top normalement c'est c'est le primary header c'est le premier premier bloc uh frac regarde après en affichant justement les données qu'il y a dedans si oui ou non on a une information qui nous permet de savoir que c'est le primary Alors c'est peut-être justement d'ailleurs le premier la première information qui est dans le HDU je sais pas si je vais prendre chez Miri j'essaye d'ouvrir avec bon, tiens, un autre pas de plus plus suffit de dire que trim sur les guillemets et tu seras bon alors je vais, je vais regarder juste après cher euh... physique <coughs> ah merde non ah oui non 549 mégas quand même j'aurais pas vu ouais non là c'est simple BitPix. Euh, Il y a le Naxis 0, mais bon, euh, c'est pas forcément dire que c'est la première en tête. Alors en même temps, on pourrait avoir la position, l'index peut-être. Euh, tu me disais Rust Stream Match. Matches. Donc, return the slice with all perfect and suffix that match per removed. Donc, removed. on tribe 1, qui va il tout ça. Et si chair is numérique. Ok. Oh. Tu crois qu'il virera... Oui mais... Il va me virer les cotes, mais il va me laisser les guillemets. Euh, physics. Oui, et trimatch a l'avantage de fonctionner avec de l'UTF8 contrairement au slice, d'accord. toi Aussi, tu as eu grain de blé. Bienvenue au poulet. <laughs> euh, string implémente. Euh, Comme pourquoi que la méthode est sur str. Ok. Ok, ok, mais euh, j'ai juste un doute. C'est que j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse deux trims parce que si je fais votre euh, le trim match, est-ce qu'il va aussi m'enlever les espaces en plus On est d'accord qu'il va me les laisser. Ouais. Donc, si je fais un truc comme ça, ah, c'est cool. Vous, vous l'entendez certainement pas, mais moi, si j'ai le fond des nouvelles musiques de Minecraft. Que je trouve assez cool en plus pour le coup. Euh, pourquoi j'ai une erreur euh, Est-ce que c'est parce que l'autre n'était pas arrêté Non, il y a bien une erreur. Et l'erreur, c'est que c'est que c'est que. Is not implemented euh, Il n'a pas l'air d'être fou. Du trim matches. j'ai du mal j'ai du mal l'utiliser encore ça nous fait quoi ça nous fait un str d'accord a self pat pat non il y a un exemple plus bas avec deux caractères j'ai matches hello uh, pickblock bonsoir à toi Oh putain, ah oui d'accord. Donc si c'est un ou des espaces, wow. oui d'accord, mais il n'empêche que ça ne veut pas. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne veut pas The tray double-ended searcher is not implemented for str searcher. Ça c'est un faking string. Ça c'est ton trim batch. Alors, c'est quoi C'est parce que j'ai mis, euh, mis entre. Ah, peut-être parce que j'ai mis des doubles cotes. Donc, peut-être qu'il ferait mieux que je fasse un machin comme ça. Et là, que ça ira peut-être mieux. Zotite. OK. Donc, ça, on est bon. Donc, là, effectivement, il me laisse les images, les espaces, pardon. Et donc là, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 1 et c est égal à 1 égal, égal à 1. Vous avez pas à me dire que c'est lisible, ça quand même, c'est quand même pas, c'est pas fou hein. de des callbacks partout. Alors, je suis, je suis triste et malheureux. Salut, euh, Témin King, the, the Mind King. Excuse-moi, j'avais pas les j'avais pas les bonnes majuscules. Prendre ah, un tableau aussi, ce serait peut-être mieux un tableau. Parce que juste, euh, juste. Donc là, effectivement, c'est cool. Et si, effectivement, on a un tableau, moi, bon, je t'avoue, je prends le tableau hein, mille fois. Hop, le retour du jour. Donc, tu me dis qu'éventuellement, je pourrais faire un truc. Euh, genre, ça. Ça, ça, et qui serait d'accord <laughs> Non, pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Pourquoi Parce que, parce que, parce que. Blah, 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 blah. Tu veux que tableau 100% d'accord, quand on vient du Java, on a les yeux qui saignent. Ah bah sais, du Java, du C ⁇ du PHP, du JavaScript, du TypeScript, de, de, plein, de plein de langages. <laughs> ah Je n'avais pas vu lui euh... et, voilà, et effectivement, de, de, de plein de langages, moi j'ai les yeux qui saignent de... Alors il faut absolument que je le déclare dans un autre truc, c'est ça Sérieusement les enfants ah. Je vais, mettre, je, vais mettre, je vais mettre pour moi un filtre. Il n'est toujours pas content. On être logique, hein, bruit. Pourquoi faire simple, hein, quand on peut faire compliqué Bon, oh, je fais je, je, bon. Bon, ok, en tout cas, ça c'est cool. Bim, ma petite image. Yolo Ok, bon... Ouh, euh, je trouve ça étonnant, un langage qui se veut le remplaçant du C, mais bon, Ada, Rost, même combat. Alors, Ada, je t'avoue, ça fait longtemps, très longtemps que je n'en pas fait, j'en je ai fait, j'étais étudiant, ça date. Non, je t'avoue, je me souviens juste des begin. Des begin, même comme dirait mon enseignante de l'époque. Et en dehors de ça, il y a des pactages, des packages. Mais... Euh mais, mais, mais c'est tout. Euh, et, et du coup, j'avoue, je me souviens plus de la syntaxe d'Ada. Ça pourrait être rigolo, NC4, hein, de se refaire un, un live. À Adam, on a fait Cobol, on pourrait faire Adam. on pourrait faire Fortran, on pourrait en faire quelques-uns, ce serait rigolo. Et, euh, et voilà, donc, mais moi, sur tout ce qui m'embête... Salut euh, Bernard de la vitre arrière, bonsoir à toi. Euh, fallait se battre pour que ça... Alors oui, bah, dans un sens, si tu veux, en soi, ça me... Ça me choque pas. C'est vrai que le gros intérêt d'Ada, c'est ça. C'est quand ça compile, tu sais que derrière, il y a quand même beaucoup de choses qui vont tourner. Ça vérifie tes index de tableau, ça vérifie tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais ce que je trouve assez dommage, c'est d'être parti sur un langage euh, où je trouve qu'on se fait vraiment chier la vie pour, pour pas grand-chose. quoi. <laughs> Merci, Yod. <laughs> et et c'est. Euh il y a, il y a, alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Mais tu vois, il y a des choses comme ce que je disais, quand tu veux euh, quand tu, un des trucs, tu vois, quand on a lu le fichier fixe pour obtenir l'image qu'on qu a sous les yeux, là, on a des, des données qui sont des données binaires. On sait que c'est euh, un ensemble de flottants qui sont les uns à la suite des autres. Et moi, le truc qui me sidère pour un langage bas niveau, c'est que tu ne peux pas lire, dire, enfin, dire au système, voilà, je lis un tableau de flottants dans un fichier. Es obligé déjà de lire des octets, puis de découper tes octets, enfin de regrouper tes octets en paquets de 4, puis de dire interprète-moi ces paquets de 4 en tant que flottant. Alors j'ose espérer que derrière ou après la compilation il y a optimisation et en fait ça fait tout tout seul comme il faut, enfin euh, ça fait tout euh, comme si tu faisais directement ta lecture de tableau de flottant euh, en mémoire, mais euh, bah, parce que sinon en fait tu te dis mais. Dis-moi qu'il n'y a pas des appels de fonctions, etc. Ce sera intéressant c'est de regarder au niveau du code de, de l'assembleur ces choses-là. Parce que sinon tu te dis, mais c'est affolant, quoi. C'est affolant. Et donc bon, il y a ça. Ce qu'on disait tout à l'heure également avec... Euh, je crois que c'était LGKTG ou... Qui, ou non. Donc en, en gros, les chaînes de caractères, putain, mais c'est la misère, quoi. Le, le, le nombre de, de unwrap, etc., ou de tout string que tu es obligé de foutre à tour l'arrigo pour arriver à, à, à faire un affichage à peu près correct. C'est assez, euh, assez difficile. Et euh, ouais ou alors tu vois moi ce qui ouais c'était ça le et tu vois ce qui m'embête un petit peu c'est on va te dire ah mais euh, tu, peux, euh, tu peux le faire en rust de la lecture directe de, de flottant faut euh, il faut tel package et là moi euh, moi ça me choque autant si tu veux la, la bibliothèque standard du C++ standard elle est validée par euh, par le consortium qui gère le C++ tu dis ok c'est cool mais, mais par contre, là, la, la bibliothèque dont on parlait pour, pour gérer, pour lire directement les octets, tu ne sais pas qui la développe en fait. Tu ne sais pas combien de temps elle va être pérenne. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Peut-être qu'au bout d'un moment, le mec, il va retirer son package ou tu sais pas. Donc, on repart en fait dans les, je trouve, dans les travers de, de Node.js quelque part, avec des applications qui sont dépendantes à mort de tout un tas de packages qui sont gérés par des gens que tu ne connais pas et que personne ne connaît et qu'on ne sait pas ce que ça va devenir dans le futur. Moi, ça, par contre, ça me gêne beaucoup, quoi. Euh, moi, si je pars sur une application, euh, tu vois, en, en C ou en C++, c'est pas pour importer euh, les bibliothèques. Euh... Alors, je ne dis pas pour faire des trucs vraiment spécifiques où euh, tu n'as pas envie de réinventer la roue parce que c'est complexe et tout. Mais sur des choses de base comme ça, ça devrait être dans le langage. Surtout, encore une fois, un langage qui se dit bas niveau. Donc, euh, il ouais, y a des trucs, des fois, qui sont un peu, euh, un peu chiants, je trouve. Enfin, et un peu d'ailleurs <laughs> après encore une fois je, je n'oublie pas de remettre en perspective le fait que je ne connaissais pas ce langage il y a sept lives hein, que je m'accroche malgré tout qu'on arrive à faire des choses mais je trouve que le, le code est affreux au final euh, vraiment il y, a, il y a plein de choses où je trouve c'est d'une c'est vraiment euh, difficilement lisible et à mon avis c'est difficilement maintenable après c'est un, un avis de, de novice en Rust et c'est pour ça aussi que je m'accroche, parce que je veux voir je veux voir après. Ouais, le côté des options et des résultats, tu vois, ça peut être cool, mais il y, y a un côté en même temps qui, je trouve, est, est tellement contraignant, parce qu'en fait, quasiment euh, toutes tes méthodes, en gros, retournent des, des résultats ou des options. Ce qui fait que du coup, tu es obligé de foutre des unwraps partout, ou alors faire des let's sum partout, des machins comme ça. Et au bout d'un moment, bah, encore une fois, ça pourrit complètement la lisibilité de ton code. Ou alors, l'astuce euh, qui va bien, c'est effectivement, tu fous des points d'interrogation partout. Et puis en fait, tu n'as plus aucun contrôle. Je veux dire, tu, tu, tu retournerais de la merde. Ça, ça, c est, c est pas que tu retournerais de la merde, mais c'est-à-dire que ton, ton programme, il, il se coupe à n'importe quel truc. Euh, je, je, ah, je, je, trouve ça, euh, je trouve ça assez compliqué à gérer, cette histoire de, de résultat. Et puis alors, en plus de ça, le fait qu'ils n'aient pas voulu faire de IF... En une ligne sans accolade, la putain. Ah pour le coup, moi c'est pareil, moi, ça me gaffe ça. Je, je, là, je trouve ça complètement stupide. Alors, c'est vrai que dans un sens, le problème c'est que les ifs, c'est des expressions qui peuvent retourner une valeur. Donc du coup, c'est vrai qu'ils sont obligés de foutre cette putain d'accolade, sinon ce serait ingérable. Mais euh, bah, c'est quand même un peu différent que je, je parle pas des, je parle pas de bibliothèque standard du Rust. Euh, mais là, typiquement le truc dont on avait parlé avec physics. Euh, sur le, la lecture des, euh, je pense pas que c'était standard. Je vais, je vais on, va, on va essayer de le retrouver. Je me souviens plus. Euh, Rust. Euh, alors c'était quoi euh, C'était, c'était, c'était. Je sais pas moi. Read, float from file. On va bien avoir une, une bibliothèque qui le read binary file in units of 64 est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous parlerait d'une petite libre qui va bien il y, avait, ah, il y avait Buffreader, mais ce n'était pas ça. C'était un autre truc. Euh, et je suis presque certain que ce n'était pas un truc de la STD. Si tu veux, la STD, effectivement, toi tu ne connais pas les gens. Mais enfin, c'est un consortium qui valide, qui standardise le C. Donc tu sais que ça va marcher partout et que c'est là-dessus que vous reposez les compilateurs. Par contre, une bibliothèque, un package dont va dépendre ton application et qui peut être un élément crucial, hein, ton application, ou vraiment, tu vois, une petite brique en bas sur lequel repose tout l'édifice, et qui fait pas partie de ce consensus-là, et ce qui fait que du coup, tu sais pas si la bibliothèque va être pérenne dans le temps. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'une application, c'est pas un one-shot comme ce qu'on fait en live, là, où tu vas développer, et puis dans deux mois, on n'a rien à foutre, on a oublié l'appli, on, on s'en fout. Les applications, c'est des années, voire des décennies que ça va durer, que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va continuer à être maintenu et tout. Tu ne peux pas te permettre qu'au bout de trois ans, la libre, elle est disparue. Quoi. Euh, juste pour trouver comment faire de la lecture d'un fichier avec un buffer pour avoir des perfs corrects. Et, et voilà, donc si tu veux, ça c'est des trucs qui me... On va dire que le langage est jeune et qu'il y a des corrections qui vont être amenées dans le, dans le temps. C'est un langage qui va continuer à évoluer, etc. Mais, euh, mais franchement, je, je trouve pour, euh, pour quelque chose qui se veut justement... Euh, il y a plein de choses que je trouve très innovantes et très intéressantes dedans, vraiment, mais qui sont contrebalancées par tout un tas d'emmerdements où tu te dis, bah, soit j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me faire chier, en fait, soit tu vas essayer, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas foutre des unvrappes partout, et puis, euh, bah voilà, quoi, oh, ça ne sera pas... Et, et là, du coup, tu fais du code de merde, quoi. En plus d'être lisible parce que t'as des... En fait, tu, 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 tu que toi-même ton code au bout d'un moment, ce qui est assez dingue. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je continue encore hein, à pousser, à essayer d'avancer, à aller plus loin et tout, et tout, et tout. Euh, parce que j'ai envie de, de trouver les trucs qui, qui me font mentir, en fait, qui me font dire, mais non, mais en fait, tu n'avais pas compris cet aspect-là. En fait, tu peux le faire de manière élégante, tu peux le faire beaucoup plus propre, etc. etc., etc. Euh, tu ignores le code de retour, non Mais après, salut Zekino. Euh, non, c'est pas forcément que tu ignores le code de retour. Après, je, je... il faudrait voir. Il faudrait voir exactement comment. J -j -j Franchement, je me pose la question de redévelopper cette application en C++ et de voir justement comment est-ce qu'on ferait. Euh, parce que là, je suis trop la tête dans le, dans le Rust, etc. Mais euh... mais mais c'est c'est à un... C'est à voir. Franchement, c'est pour ça. Je ne veux pas avoir un langage non plus euh, dire si toi chier, c'est tout pourri, etc. Mais j'ai plein, plein de blocages et je ne sais pas pourquoi. Donc. Euh, les, le coût des unwrap, etc. Alors, les gens trouvent que les exceptions, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, pour le coup, comme, comme gestion. Ouais, non, non, avec EGI, euh, oh, Honnêtement, j'ai alors là, grand bravo au gars qui a fait ça, parce que déjà ça marche vachement bien. Euh, ça simplement, je veux dire, c'est assez simple à, à comprendre. Bon, deux, trois petits trucs, c'est... Mais ça, après, c'est à moi de restructurer le code pour que ce soit pour qu'il y ait moins d'indentations. Parce que là, honnêtement, quand je vois le, le, le nombre d'indentations qu'on a sur, sur la partie construction de, de l'interface, alors après... Les constructions d'interface en code, c'est toujours la merde, malheureusement. Euh, on aurait un, un bon vieux XAML qui te construit le truc, et puis YOLO, ce serait plus simple. Et bon, voilà, ça, son architecture veut ça. Et simplement, je pense ouais, il faudrait avoir une méthode build layout, build layout machin. Tu décomposes tout en petites méthodes, et puis comme ça, tu n'as plus, plus de problème, tu crées tes composants. Alors, ça fait une chier de méthode mais euh, derrière au moins tu as, euh, as un truc qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus lisible. Et puis surtout, les exemples sont très clairs. Il n'y a pas 25 millions de trucs dans un exemple et tout, c'est vachement bien ficelé. Il n'y a, a pas de magie, contrairement à Druid, où tu as des trucs qui arrivent, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Là, tu vois bien que tu as une méthode qui prend l'UI, enfin une, une callback qui prend en paramètre un UI, puis que tu appelles cette UI-là pour construire les éléments de, de l'interface enfant. C'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de... C'est logique, quoi. Tu comprends le truc. Druide, moi, je ne comprends rien. Le mec, il nous a pondu un truc. Je bite rien. Voilà, je. T'es là. Et puis, en plus, ça, il la documentation, les exemples, ils sont, ils sont incompréhensibles. Tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment l'adapter. Euh... Non, c'est abominable. Là, honnêtement, on a fait en 4 heures, comme disait Physics tout à l'heure, si on avait essayé de le faire avec, euh, avec, euh, avec Druide. Ouais, on y serait encore, hein. puis on n'aurait pas fait le quart du dixième de ce qu'on a fait là. Euh, alors, euh, en Rust, en général, on se dit si j'ai pas le contexte pour retry ou autre, euh, point d'interrogation, mais à un moment, faut traiter l'erreur. Et là, tu fais un, un match du résultat. Oui, bah, comme en, en C, quand tu quand as une exception, bah, tu la traites au moment où c'est opportun de la traiter. Il y a des moments où, effectivement, si tu as une erreur critique, euh, sur je sais pas, la lecture d'un fichier ou peu importe, ça ne sert à rien de la traiter dans les, dans les strates qui sont tout de suite au-dessus parce que de toute façon, ça ne te permettra pas de faire avancer le traitement. Donc tu remontes jusqu'à temps que tu arrives à ton traitement de l'exception et tu dis Bon, ben bah, voilà, à partir de là, on a rencontré un problème dans cette section de code-là. On est capable de dire Bon, bah pour la suite, faut qu'on fasse ça. Donc soit on interrompt le traitement qu'on était en train de faire. On fait un petit message à l'utilisateur et puis on revient au début du traitement en disant bon c'est quoi le nouveau fichier à traiter ou est-ce que tu veux réessayer etc etc euh, et puis et puis tu continues mais euh, typiquement euh, pour moi si tu veux l'exception le, le, est vraiment pas euh, est vraiment pas un souci après clairement je pense qu'on fait exactement la même chose effectivement avec les points d'interrogation enfin, on remonte tout simplement le oups là oh, j'espère que... C'est bon, on entend toujours. Ouais. Euh, C'est là pour dire que le, le câble est vraiment meilleur que le précédent. Euh, tu remontes effectivement, et puis bah, tu, traites, euh, tu traites ton résultat ou ton, euh, ton, ton erreur euh, au niveau opportun également. Mais je trouve, la, pour le coup, la syntaxe assez lourde, euh, a priori. Euh, après, il y a les crêtes qui sont maintenues par les gens qui font du Rust, mais ils préfèrent ne pas les intégrer à la bibliothèque standard pour éviter de la lourdir. Euh, C'est un choix qui peut. Ah, non, mais. Si tu veux, cette histoire de dire, bon, on ne veut pas alourdir la bibliothèque... C'est sûr qu'il faut pas mettre tout et n'importe quoi dans une bibliothèque standard. Il faut les choses de base. Euh, quand tu regardes la bibliothèque du C ⁇ je ne parle pas de boost, hein, mais euh, la, la standard, la, la bonne vieille STD, euh, bon, bah, tu as un certain nombre d'éléments qui sont là, qui sont présents. Et puis, euh, puis c'est bien. Après, effectivement, si tu veux des trucs plus spécifiques... Là, je comprends si tu veux la pertinence d'importer une bibliothèque ou autre ou quoi. Mais simplement, à partir du moment où tu fais ça, à partir du moment où tu importes quelque chose qui n'est pas issu d'un standard, tu n'es pas certain que euh, dix ans plus tard, euh, la bibliothèque, elle existe toujours. Je te prends un exemple tout bête. Euh, moi, il y a quelques années, justement, quand je faisais du C, euh, il y avait un moment, j'avais utilisé une bibliothèque qui permettait d'intégrer directement une scène OpenGL dans un composant. Euh, comment c'est plus plus builder hein, de, de la VCL? Euh, il s'est arrivé que trois ans plus tard, le composant n'existait plus. Le, le gars qui avait fait ça, euh, qui, euh, qui fournissait son travail son problème, euh, bah, il a dit non, bah, c'est bon, moi j'arrête, je, je, je le donne plus. Donc là, à plus le composant, bon bah, tu es obligé de te le rebourrer à la mano parce que personne d'autre l'a fait, et puis du coup, tu te le, tu te le recrées. Mais, ce qu'il y ce qui, ce qui a, c'est que là, ça va, moi, ce n'était pas, euh, pas ultra critique dans cette application-là. Mais t'imagines, si c'est vraiment une, une clé de voûte de ton application, ben, le jour où le gars il dit, non, je retire mes paquets et puis il euh, n'y a plus, ben, tu es vachement dépendant de ça. Donc, c'est là où je dis, faut faire, euh, faut faire gaffe. Euh, et, et, et je trouve qu'il faut absolument minimiser les dépendances d'une application par rapport à des choses comme ça qui sont maintenus par des gens qui le font, euh, je dirais, par plaisir, par loisir, et qui, au bout d'un moment, en ont peut-être marre, ou pourront tout simplement plus le faire, parce qu'ils n'ont plus les moyens de passer autant de temps à le maintenir. Et, euh, et voilà, quoi. Anaco bouche les oreilles. Non, 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 mais elle sait bien de façon que je ne vais pas dire des choses. J'essaye quand même d'être assez constructif dans mon propos et pas de et pas tirer à toute zinc sur, euh, sur le langage. Ce n'est pas le but. Au contraire. Encore une fois, le but, c'est de le découvrir, tant sur ses faiblesses, mais aussi sur ses points forts, évidemment. Le problème des exceptions, les codes non documentés, du coup, tu ne sais pas quelle exception du pas à voir s'il y en a. Ah mais ça, c'est pas le problème des exceptions. C'est un code non documenté, c'est un code non documenté, c'est un code qui n'est pas maintenable. Euh, ça, c'est clair. Après, euh, typiquement, euh, c'est pas que pour les exceptions, Maître Yo. Si tu documentes ton code, tu documentes tes exceptions avec. C'est tout. C'est pas, pas l'un ou l'autre. Si les exceptions ne sont pas documentées, il y a de grandes chances que le reste ne le soit pas non plus. Hein. Il y a aussi des fonctionnalités qui sont d'abord des crates, ça permet d'intégrer d'itérer le design avant de le stabiliser dans la STD. Ça effectivement, ça je peux je peux comprendre cet aspect-là. Et c'est pour ça que je dis c'est un, un truc qui est assez... un langage qui est assez jeune, en fait, au final, et c'est pour ça qu'il va encore, euh, il va encore euh, évoluer, forcément. Un langage sans gestion de propagation d'exception dans une architecture distribuée, ça fout la merde. Euh, alors après à voir comment comment ça a été géré, FMT en C. C'est vachement sympa. D'ailleurs, ils vont l'intégrer à C23 dans la STD. Euh, FMT, c'est quoi déjà Draconis Je crois l'avoir vu il n'y a pas longtemps. Et je sais plus. Uh, modern Formatting Library. Uh, providing a fast and safe alternative to CSTDIO. And C Iostream. Oh, ils vont remplacer Iostream La vache. Ok, à voir. Et remplace comment FMT2. Ah, bah, ils nous font un format comme... Euh... <laughs> Effectivement, ça me rappelle quelque chose, ça <laughs> Alors, il faut admettre que en C ⁇ quand tu voulais formater une chaîne, euh, c'était chiant de le faire notamment. Alors, tu pouvais le faire avec les, les stream strings. Mais il faut admettre que ce n'était pas forcément le truc le plus intuitif au monde. C'est vrai que cette syntaxe-là, elle est assez rigolote. Après, elle nous ramène au bon vieux printf. Hein. On va pas se, <laughs> pas se mentir. Hein. C'était un petit peu quand même l'indé. Quoi. Euh, si tu veux optimiser, tu mets du tree du shaking. Je ne sais pas si c'est là. Et tu, peux, et tu peux tout mettre dans la std. J'aime les exceptions, mais j'en ai peu utilisé, mais c'est jamais clair quand j'appelle show img que cinq fonctions internes elles peuvent throw x exception sur tel autre chemin y autre Ce qui, sera, euh, ce qui sera le cas aussi avec les résultats techniquement, puisque tu peux, n'es pas obligé de lever des exceptions standards, tu peux très bien lever des erreurs standards, tu peux lever tes propres erreurs et tu auras le même, le même souci. C'est-à-dire que si tout le monde réagit avec des points d'interrogation, au bout d'un moment, tu as, as une erreur, mais tu, elle peut être de différents types. Ça peut être une erreur fit-file error, ça peut être une book error, ça peut être et du coup bah, il faut toutes les traiter indépendamment. Euh, c'est vrai que l'ellipse de base d'un C-Sharp ou Java, c'est beaucoup plus pérenne. Enfin, je suis un peu biaisé avec 20 ans de Java dans les pattes. <laughs> mais non, mais après, la, la, la pérennité est vachement importante sur, sur les paquets, effectivement. Je ben, dis ça, hein. je ne dis pas que les, les paquets ne le seront pas. Je dis juste que euh, aujourd'hui, sur des choses qui sont des, des paquets que tu trouves comme ça, c'est la même chose avec euh, Node.js, avec NPM, ou euh, avec ben, justement des, des bibliothèques que tu peux trouver sur GitHub, etc., comme, euh, comme ce qu'on a pu voir ce soir avec euh, notamment avec eg Le jour où le mec il décide que EJUIF arrête, bah il arrête. Je ne sais pas combien ils sont dans la team, pour le coup. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont pas forcément beaucoup beaucoup. Euh, Je pense qu'ils sont... c'est beaucoup lui. C'est Emilk Bon ben, d'ailleurs, merci à lui. Alors, user by a Contributor, non, on a quand même. Ah, il y a quand même 256 contributeurs. Mais voilà, ces gens-là, euh, le jour où, à mon avis, euh, Emile, il en a ras le cul, et puis que, ou alors il a trouvé un job, ou euh, il a des enfants, et puis qu'il n'a plus le temps de s'occuper de ça, ben la Lib elle, elle évoluera plus. Ou il y a peu de chances qu'elle continue à beaucoup évoluer. Euh, ben bah non car en Rust tes exceptions sont typées donc tu sais ce que tu peux obtenir. Alors, les, les, les exceptions sont typées également en C, draconis plus, plus, Donc tu es capable de, de savoir pareil sur ton try-catch exactement quelle est l'exception qui a été levée et puis euh, et puis la traiter. Tu auras une enum qui ne ressemble plus à rien mais qui est exhaustive sur toutes les erreurs possibles à remonter. T'es pas obligé quand tu fais un quand tu fais un try-catch, t'es pas obligé de faire un trois petits points. En <laughs> C. Plus plus. Le, les résultats, as juste une énum d'erreurs à check les variants. Bah ben, et comme en C, tu check les variants avec ton catch. Ben, là pour le coup, je vois pas trop le. Je vois pas trop la différence. Alors sur ce que tu as dit sur les erreurs, c'est pas très vrai, il faudra voir ça avec les types. C'est clairement à cause des gamins que les libs sont abandonnés prix de gosse. Pourquoi tu dis les gamins C'est quoi l'histoire des gamins prix de gosse. Au revoir type très from tout. <laughs> ah <quoi> <laughs> bah bon voilà quoi. Donc dans, dans l'idée, en tout cas, euh, pour le moment, je pense qu'il y a des, des trucs qui sont euh, en, encore une fois qui sont intéressants. Et d'autres trucs qui sont vraiment euh, ultra... Euh, euh, qui complique beaucoup les choses en fait tout simplement. Mais bon, encore une fois, on va persévérer, on va s'améliorer et, euh, et j'espère qu'un jour on aura, tu vois, ce genre de truc qu'on aura pu quoi. Parce que là, là, désolé mais c'est juste un beau quoi. passer par deux unwrap or juste pour avoir une putain de un nom de fichier, tu dis wow euh, qui a des enfants, met un peu de côté ses projets open source. Ah pardon, c'était par rapport à ça, par rapport à les gamins que les livres sont abandonnés. <laughs> non, j'exagère un petit peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu, euh, je pense que l'idée c'est qu'un dev qui a des enfants, mais oui, oui, non, mais clairement, mais, mais, mais c'est ça en fait. Si tu veux, quand, quand tu as, as 20 ans, euh, euh, tu n'as rien à foutre de, entre guillemets, de ta vie, etc., et que tu, enfin, quand je dis rien à foutre de ta vie, c'est pas ça, mais quand tu as un peu moins de responsabilité, peut-être qu'à qu des âges plus avancés, c'est plus facile effectivement de passer tes nuits et tes week-ends sur, sur du code. Arrive un moment où effectivement tu as plus de responsabilités, puis arrive un autre moment où au contraire les responsabilités à nouveau redécroient, et tu as un petit peu plus de temps. Et l'avantage, c'est qu'en plus de ça, tu as un petit peu d'expérience. Donc ça permet de se consacrer sur ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà quoi. Ouais, mais dans Result Monstro, tu vas voir ce qu'est Monstro et tu connais la liste exhaustive de comment Toto peut planter. D'accord, en C, euh, soit tu vas voir la doc, effectivement, soit tu attends de trouver une erreur avec Catch. Euh. Et effectivement, là-dessus, je, je, je te rejoins. Euh, je note ça pour notre prochaine VOC. <laughs> ça marche pas <là. rire> ouais, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh... Par contre, est-ce qu'on est capable, dans un résultat, de remonter plusieurs erreurs Ça, c'est des trucs que je n'ai pas encore essayé. Hein. Euh, pour le coup, à chaque fois, j'avais un seul type d'erreur. Euh, tu attends que le client trouve l'heure pour toi. Ah, oh, que tard. Ça, c'est faux. Ça, c'est du développement euh, mal ficelé. C'est pas pareil. Ah là là là. là. Bon, je vois qu'on est aussi autant objectif de toute façon d'un camp que dans l'autre, et c'est normal. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, vous pas dit justement sur les résultats. Je vais je ici. Je on va voir qui va le trouver le plus vite. Alors, avec mon super bouquin. Euh, concurrence. Ça, c'est des trucs qu'il faudra qu'on voit une des prochaines fois aussi. Hop, 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 Expression. Gestion des erreurs. Panique à bord. Result. Capture des erreurs. Alias du type résultat. Affichage des erreurs. Propagation des erreurs. Gestion de type d'erreur multiple. Ligne, page 169. Yolo, on est parti. Hop. On a dit gestion de type d'erreur multiple, donc j'ai le stdu self donc j'ai le io.error. error. Donc là, j'ai un std convert from std2.num is not implemented. Ford, std io error donc là d'accord Excusez-moi, je, je, je bouquine en même temps je regarde juste et je trouve quelque part une syntaxe qui a l'air de dire hey mec tu peux tu peux gérer plusieurs erreurs mais là je le vois pas alors est ce que euh, je dois admettre que la bonne gestion des résultats erreurs je suis en train de commencer à l'avoir donc je suis pas au point <laughs> Euh, alors, attends, voir, bah, euh, je plaisante. Euh, moi, je me suis fait avoir avec une std string fou nul ptr, slow, non documenté, parce que mauvaise compréhension. Ah, d'accord. Des entrées, euh, oui, via le trait error ou anum. Euh, un... Ah, excuse-moi, cactus corp. Yes, voilà, programmé avec Rust. Très, très, très bien foutu, je trouve. Bien expliqué. nos propres types qui englobe les IO Errors et autres si tu veux je trouve le book un peu light sur le sujet ah, clairement justement c'est ce que j'étais en train de regarder sur la partie la page 169 et notamment les erreurs multiples euh, bah pour le coup tu n'apprends rien de plus quoi c'est à dire qu'effectivement ils disent bah voilà tu peux euh, tu peux avoir IO error et puis tu peux euh, avoir le trait mais euh, mais ça veut dire que dans ton résultat error est-ce que pour autant tu as le type exact de ce qui va remonter, je ne sais pas. Euh, il suffit de ne pas avoir d'erreur. en oh, LGKTG. C'est un peu réducteur, tout cela. Euh, mais bon, voilà, ça, c'est des trucs qu'il faudra que j'essaye, mais tu vois, plus sur un, un, un projet comme ça à côté, juste un projet de test, de se dire, tiens, on essaie d'avoir plusieurs erreurs, comment est-ce qu'on les remonte On pourra s'amuser à faire ça un hein, de ces soirs. J'aimerais quand même encore avancer un petit peu sur cette appli. J'ai vraiment envie d'obtenir un, un résultat. Et, et là, voilà, je me dis déjà, si on peut afficher les infos, si on peut avoir tout ça, ça va être cool. Et je pense que ce qu'on va faire, on ne va pas s'emmerder avec des onglets, parce qu'on a largement assez de place. Mais c'est qu'on va afficher notre image et puis on va euh, euh, comment on, on, va, on va afficher les datas euh, du, du HDU, de l'entête, à côté, directement. On va les lister les unes en dessous des autres. Et puis comme ça, ce sera euh, ce sera tout à fait bien. Voilà. En gros, en Rust, on utilise souvent des crates comme Anyhow pour les binaires et This Error pour les bibliothèques. Ok. Ok. okay. Enfin voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'il faudra encore que je creuse et tout. Et, euh, et oui, bon, si j'étais dans l'optique de dire Rust, c'est tout pourri et, et c'est de la merde et ça sert à rien, évidemment que je ne serais pas en train de continuer à, sur cette application. Donc. Euh, Std, error, 2 .2 alors, Draconis, explique-moi ce que veut dire ce que tu as écrit. Donc, pour passer des erreurs de type varié. D'accord Mais alors après, derrière, comment tu fais pour déterminer quel type d'erreur tu as rencontré Est-ce que tu vas réussir à, à retrouver cette information-là ayant... C'est vraiment dégueulasse. <laughs> On est d'accord <laughs> Mais bon, il faudra qu'on fasse des cas euh, d'exemple pour voir exactement comment on peut faire ça. En tout cas, si à l'occasion, euh, vous avez une solution pour euh, simplifier cette, euh, cette ligne absolument immonde, je trouve, euh, eh bien je suis bien évidemment tout suite. Hein, parce que ça, franchement, je trouve que c'est d'une laideur soupçonnée. Après, peut-être qu'on ne peut pas, mais j'aimerais tellement qu'on puisse, parce que c'est vraiment moche, quoi. Voilà voilà. Parce que c'est vrai que typiquement, file name, ça retourne un option. Voilà, voilà. Bon, je crois que là en plus. Oh putain, mais j'avais pas fait gaffe, j'avais dit à ma femme que j'arrêtais à 22h. Il est 11h moins 20. Elle va me... Elle va me détruire, hein, tout simplement. Donc, bah écoutez, messieurs-dames, moi je vais m'arrêter là parce qu'il faut lui faire, lui faire à manger. Euh, je m'en vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ah, alors, juste avant de partir, quand même, si on va quand même lancer un raid, hein, donc euh, vous inquiétez pas. Mais simplement, voilà, avant de. Bah, je voulais quand même vous remercier. Ton problème avec tes Unwrap. Non, mais on est d'accord. Euh, mais je ne peux pas faire autrement, en fait, euh, mon, cher, euh, mon cher Draconis. C'est horrible. Ben oui, parce qu'en fait, euh, le file name, c'est un OSA. Ça te retourne à option de OSTR. Donc, tu fais ton unwrap. Et à la fin, du coup, tu obtiens un OSTR. Et le OSTR, tu ne peux pas l'envoyer dans le label. Il faut ensuite le passer en toString. Et ensuite, le runwrapper à nouveau. Euh, et voilà. Et donc, c'est ça qui est, qui est absolument euh, abomifreux. Si j'essaye d'envoyer directement le OSTR, j'ai une erreur. N'est pas d'erreur. Je suis sûr que j'avais une erreur tout à l'heure. Vite. Ah, si Ah, voilà, je me disais bien aussi. Oof. Alors, borrowed reference to. An... Alors, c'est peut-être juste là qui veut un E. Require by a bound induit label. Require a bound in truth basis call. Non. Donc, euh, voilà, il est, il est juste euh, pas content. Euh, regarde mieux la lib, dis donc, regarde mieux comment ça. Euh, c'est que tu n'utilises pas les fonctions qui permettent de passer le non euh, tu n'utilises pas les fonctions qui permettent de passer de, de, je, je ne comprends pas trop de quoi tu me parles Draconis. regarde mieux la lib tu peux ben non tu vois je ne peux pas <laughs> tu n'utilises pas comme fonction euh... filename enfin, ça te retourne le nom du fichier c'est exactement ce que tu veux faire avec le et juste point d'interrogation mais j'en sais rien ok non <laughs> voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un Twister qui s'est mis euh, au bout, euh, suivi d'un Unwrap, parce que bah, effectivement, le Twister te retourne encore un putain d'option. Donc, on va faire un Unwrap, et puis on va faire un Unwrap Or, histoire d'être bah, sûr d'avoir toujours quelque chose qui est retourné. Euh, voilà, voilà. Euh, Ice Copter Red en dev que je suis. D'accord. Alors, attends, on va aller voir tout de suite. Alors, on est parti sur Twitch. Twitch, 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 qu'est-ce qu'on nous dit alors, on a Yorzan. On a effectivement Ice Copped Red. On a. waouh waouh waouh. Wow. On va se détendre tout de suite, toi, bonhomme. Euh, Iodim est déconnecté. Donc, euh, ouais, on a Nashulu, ou Ice, Ice Coptered. On a Yorzian. Yorzian, pardon. Donc, Ice red. Allez, c'est parti. Donc, slash Red. Euh... Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe dans le. La... Ouais, c'est Ice à plus, ouais, à vendredi prochain, bien sûr évidemment, on va continuer ça. Je pense que je vais essayer moi de mon côté aussi à, à pousser un petit peu. Euh, avancer un petit peu, parce que bon, on a vu, on a vu les bases de l'interface graphique avec EGUI, donc ça c'est plutôt cool. Et puis, euh, et puis comme ça, bah, il ne nous reste plus qu'à... Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse se concentrer vraiment sur le traitement des images la semaine prochaine, si j'ai le temps. Ce serait bien. En attendant, voilà une très bonne soirée à tous et à tous. Merci encore d'avoir été aussi nombreux, aussi tard. Ça fait super plaisir. Euh, je vous laisse avec, euh, avec l'ami Icecopter Red. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt. A ciao, bon week-end!